pouvoir me mettre. Je vais me mettre en mode long nose, parce que, autant vous dire, je vous ai menti. Je vous avais dit que j'allais veiller toute la soirée, mais j'ai un petit peu dormi avant, j'ai triché, j'ai fait une sieste. Merci Petit Jean pour tes 5 subs offerts à la chaîne, ça fait très très plaisir, merci beaucoup. Bon, je sais pas ce que vous prévoyez avant les gars, si ce que vous faisiez, je sais pas si vous êtes fait une petite sieste comme moi pour être d'attaque. Mais autant vous le dire, là les mecs, on est parti pour... attendez, il est 1h30, ça va commencer dans 2 minutes. Programme de la soirée, Game Awards, on regarde avec la Kakabox. Pour l'instant, il y a Flygo, il y a Pota, il y a Jean, il y a Léopold, il vient d'arriver. Il y aura peut-être Quentin aussi qui viendra, c'est pas sûr. Mais les Game Awards commencent dans 2 minutes. On a 30 minutes de pré-show, si je dis pas de bêtises. Donc le pré-show, souvent, c'est de la merde. Hein. Je crois qu'ils donnent quelques awards pendant le pré-show en mode jeu mobile tout pourri. Et derrière, le show commence. Geoff Keighley, il a dit que ça durait 3 heures. 3 heures de show, les mecs. Et il avait dit qu'il y aurait 4 ou 5 annonces qui seraient aussi importantes que le reveal de Elden Ring pendant le Summer Game Fest qu'on a regardé ensemble à l'E3 cet été. Donc bon, autant vous dire que ça annonce que du bon. Normalement, on est censé avoir du bon. On va voir. On va discuter de ça avec les gars. D'ailleurs, vous êtes beaucoup hein, pour un live aussi tardif. Ça fait plaisir, les mecs. Bon, je me débute. Je suis de retour. Je suis de retour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ouais, bonjour, c'est trop bien. On dirait, des petits correspondants là sur le côté. Là, qui vous pouvez pas vous mettre sur un plateau de télé là, à New York avec Snap. J'ai envie de te dire. One more time. Oh yeah. Oh yeah. All right. On dirait. Putain, c'est vrai que tu fais un espèce de vieux reviewer de films sur YouTube, mais pédophile ou incarcéré, je sais pas. J'attends Genshin Impact, hein, globalement. J'attends Genshin Impact. Oh, Genshin Impact en Award. Ouais, on va pas. Joue encore, hein. On va pas refaire le. On va pour. Oh, merci Michel pour les 10 subs offerts, notamment à Potatoes, ça fait plaisir. C'est très gentil. Merci Michel. Merci Michel du peuple. On va pas refaire le coup des awards. Je vais peut-être vous remontrer le site vite fait si vous voulez, les mecs. Mais globalement, on avait fait ça, je crois, dimanche dernier. J'avais remontré tous les votes que j'avais fait. Toi, Pota, t'avais voté aussi, je crois. Oui, et j'avais. C'était pas beaucoup de jeux. Bah, le seul que t'as voté et que tu connaissais, je crois que c'était It Takes Two. Hein. Et oui, on s'est régalé. Hein, ça, on l'a fait en entier en stream. Hein. C'était une belle aventure. Alors, je vous remonte le site. Et par contre, c'est débile. Alors, il y a un truc que j'en avais déjà parlé en stream. Mais ils ont fait un award du... comment ça s'appelle? Du jeu voté par la communauté. Et le jeu voté par la communauté qui a gagné, c'est Halo Infinite. Le jeu n'est même pas sorti. Hein. Il n'y avait que le multijoueur. C'est dangereux, là. T'es dans le Bronx, Flygo. Attention à toi. Ouais, tranquille. Mais ouais, Halo Infinite apparemment qui a gagné alors que le solo est sorti hier. Ouais, merde. Merde. Merci les gars pour les subs. Merci Théozen, c'est gentil. Qui j'entends? Ce serait pas Jean? Est-ce que vous les entendez bien les gars sur le Discord dans le chat là? Ah mais le micro de Jean, on va bien l'entendre. Hein. Normalement c'est bon. Putain, 1000 personnes à cette heure là, c'est cool. Merci beaucoup. Merci Bouyukila. Jonas, tu es super belle aujourd'hui. Est-ce que tu nous refais pas un petit coup de Winston? C'est uniquement parce que j'ai RT. Hein. Refais Winston, pota, je t'en supplie. Non, me demande pas. Je sais que t'es pas qu'un physique, mais je veux que tu me refasses Winston. Ah là, c'est Shrek, hein. Mais si j'allais brûler des gâteaux d'enfants, là. J'ai peur. Si j'allais brûler quelques bouquins, là. Hein, bah, attendez, là, vous pouvez que les entendre, les gars. Hein. J'ai le son qui est à fond pour l'audio du bureau. C'est peut-être moi qui suis trop fort. Bon, on retourne critiquer des petits jeux vidéo. Hein. Les gars, qu'est-ce que vous... Attendez, mais je peux déjà mettre la cérémonie. Ça a dû commencer, en fait. Bah, une grosse sortie, enfin une grosse annonce, merde quoi, juste... C'est sur quel site, mon vieux? Je vous envoie le lien, mais on va regarder sur YouTube. Eh bah écoute, ça me va. Je sais pas, quelque chose qui peut me faire bander quoi, juste ça. Mais moi franchement, j'attends que Elden Ring, alors je sais pas s'il y a quelque chose qui va me surprendre. Bah, justement Jean, tu fais bien d'en parler, parce que c'est ce que j'ai dit juste avant sur...
quand j'avais le micro coupé. En gros, Geoff Keighley, donc c'est le mec qui présente la cérémonie et qui produit la cérémonie, il a dit qu'au Game Awards là, cette année, donc ce qu'on va regarder, il va y avoir 4 à 6 annonces qui sont du gabarit de l'annonce d'Elden Ring qu'il y a eu cet été. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même important, tu vois. Ah ouais, c'est-à-dire que là, il nous envoie du lourd, c'est-à-dire qu'il est en train de... Je suis trop content, là. Ça veut dire qu'on va pas, avoir, on va pas avoir que sable cette année. Hein, ma parce tête, que... quand je vais voir Skyrim 5. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, cette année, ce qui est bien cette année, c'est que c'est enfin en public. Ça faisait 2-3 ans que c'était plus de public à cause du Covid. Ah. Ouais, il va y avoir un peu d'ambiance. On aura du public. Contrairement aux salles de catch qu'on avait pu voir pendant je sais plus quel event là où il y avait personne dans le public. le catch en public, c'est vraiment de la merde. Ah non, mais c'est catastrophique, alors que le catch en public, c'est un des plus gros classiques de la planète Terre. Faites un petit coup de x2 sur le live pour être au même point que moi. Alors, attends, vas-y, je vais le mettre à fond. Attends, mais il y a déjà un truc. Ouais, ça c'est un truc que j'ai pas dit. Life is strange. Mais en gros, pendant le pré-show, ils donnent des awards. Et la plupart du temps, c'est des awards dont j'ai l'impression que la plupart des gens se branlent. Hein. J'avoue que l'avance que t'as. Ah ouais, mais t'es en x2, les gars. Là, j'ai de l'avance. Merci. T'avais 20 minutes d'avance. Moi, là, je sais même pas quel award c'est en fait. Attends, il a combien ton timer, Hugo? Moi, c'est mon 25-55. Après, il faut que t'attends jusqu'au bout. I'm kidding. Ouais, elle est belle, celle-ci. Alors, juste, Asfarasia, il est sorti en 2020. Attends, ouais, pourquoi j'ai malheureusement pas d'award pour ça. Non, il est sorti 2020, Asfarasia. Ouais. Ah, c'est pour ça qu'il est pas là, c'est pour ça. Je me disais. Ah oui, ok. Et putain, il stream en 4K, mais je peux même pas l'afficher tellement ça rame. Et Dwarf, c'est sorti quelle année? Alors, c'est Dwarf, pas sorti en 2021. Je crois que c'est 2018, hein, Dwarf. Hein. Petit banger. Ouais. Hein. Mais bizarrement, il a pas été sur le Game Awards 2019-2018. Bah, les gens n'ont pas su flairer. Pour l'instant, je mets pas le son, hein, les gars. Sur le live, c'est le pré-show, donc on s'en fout. Juste, on va mettre en fond, et s'il y a des trucs, on commente. Waouh, et l'autre il fait sa pub sur son truc, connard. De quoi? Il a fait sa pub pour son live Twitch. Non, c'est qui ça les gars? Ariel Power, c'est qui? Ah, mais ça c'est pas Risk of Rain. C'est le mec qui fait son connaisseur. Il pleut. C'est je quoi, veux pas être mauvaise langue, mais la dose de maquillage. Ouais, il ouais, y a, un y a une petite rénovation qui s'est faite là. Ah bah là, c'est un ravalement de façade total. Mec, tu parles en... Attends, mais... Moi, tu me rappelles. Ah bah là, c'est Marc-Emmanuel qui a refait une semaine. Tu me rappelles, je peux dire, le pH de sa peau, il est à 44. Hein. Alors, je m'y connais. Hein. Ça, en vrai, c'est pas mal comme jeu. Mais je sais pas pourquoi ils nous montrent ça. Risk of Rain, à chaque fois, j'ai vu des speedruns qui avaient l'air. Mais ça a l'air dur à comprendre. Bah, quand t'as testé le premier Risk of Rain et que t'as joué aux deux, il y a quand même une petite différence. Celui-ci, il est cool. Okay. Attends, mais il était déjà sorti. Pourquoi ils disaient les bonnes noms? Ah, il était peut-être en early access. Tribes bon. Of Midgard. Ça, les mecs, on avait vu ça pendant oh le 3. Godfall. Non, mais alors mais bien sûr, Godfall. C'est catastrophe, ça. Ah, d'accord. On va y jouer à ça. Terra, il m'avait envoyé une clé. Il m'a dit putain, ça pourrait te plaire, Jean. J'ai joué une heure. Ce jeu-là? Ah, moi, j'ai pas aimé. Bah, ça se sent que c'est pas. Tribes of Midgard. Ouais. On avait déjà vu, je crois que c'était cet été, les gars. Ah, mais attends. Ah, mais t'as de l'avance de fou, enculé. Bah ouais, moi j'ai fait x2, x2. Moi je suis à 23-41. Arrêtez de faire x2 au bout d'un moment. Ouais, bah là, attendez, je refais un x2. Je pense que c'est à cause du lag que j'ai du retard. Ouais, moi je viens de voir l'annonce de la première. Après, si tu regardes en 4K, là, c'est... Oh, et là c'est ma princesse, ma douce, ma beauté. Non, là j'ai mis en 1080p. Ma jolie, j'aimerais pouvoir te parler. Je crois que j'ai rattrapé le retard, Jean, c'est bon. Ah, je vois Reddit là. Reddit, ouais, moi je suis à. Ah, moi aussi. Pareil, Reddit aussi. Bravo. Voilà. Et heureusement qu'elle m'a fait en Reddit. Hein. Moi je suis abonné à des trucs. TikTok vient de se cacher chez moi. C'est bon. Et pour ma part. Hein. Ouais. TikTok vient de se cacher aussi là. Okay, ouais, on est dans les eaux. Hein. Pareil. Vive Reddit nous annonce. Bon, bref. Roll the thing. Oui, on prend le sur TikTok. Oh putain, ça commence déjà. Mais direct, mais ça va ah, très bon. Très vite. Je m'en bats les couilles perso. Oh wow. Ça va catcher.
Ah non, King of Fighters. Ça va frapper la mort. King Chris. Putain. Non, King of Fighters. Quel aubaine. Ah merde, ouais, pardon. Mais c'était pas sorti ça, les gars, dans le chat, parce que j'ai l'impression que ça fait des mois qu'on envoie des trailers de jeux, mais... Ouais, il y a... Mais en même temps, il y en a tellement de jeux de combat qui sortent avec des styles qui sont assez similaires. Ouais. Non, mais même au-delà de ça, c'est juste que ça fait des mois et des mois que je vois des trailers de perso sur ce jeu et qu'il n'est toujours pas sorti, j'ai l'impression. Ah, parce qu'il y en a qui est un jeu. Aussi, hein. Ah, c'est un jeu, je vais le poncer. Je vais le poncer. Ouais. Je vais jamais m'arrêter de jouer à ce jeu-là. Ouais, j'espère le trouver en complet en vide grenier. Guilty Gears, il a l'air sympa ce jeu. Ouais, Guilty Gears Strive, ouais, il paraît que c'est bien. Bah, justement, je vois des images et tout, et visuellement, ça a l'air trop beau et sympa. Ah, bah, ils ont annoncé une date de sortie, d'accord. Ah, Pré-Purchaz. Encore quoi, ça qu'est-ce que c'est que ce truc pré-acheté. Putain, mais ils enchaînent déjà les World Premiers en pré-show, je suis étonné. Attends voir. Mais est-ce que c'est pas juste des bêtas, justement, comme tu disais? Non. Là, ils commencent vraiment d'annoncer des trucs. Un jeu sur des events réels. On dirait Massacre à la tronçonneuse. Un jeu Telltale? Ouais. C'est le mec qui n'y connaît rien du tout en histoire du jeu. Ouais, dans l'imagerie, ça fait Massacre à la tronçonneuse. Sur des faits réels. Un peu Walking Dead, presque aussi. Ça a l'air très... Ça a l'air très moche, hein, déjà, mais... La déroute de Zod, on voit son appartement là. Ah si, c'est, bah, vous avez entendu. Hein, Zod. C'est Massacre à Zod. Inspiré de faits réels, donc je me dis. Voilà, on a coupé le mauvais câble. Mais je crois que Massacre à l'entre-sonneuse, c'est inspiré de faits réels. Oh, mais c'est ça. Texas Chainsaw Massacre. Ah bah voilà. Après, ça peut être pas mal. Ce serait pas un perso dans Dead by Daylight? Il y est déjà. Non. Multiplayer horror game. Ah ouais. Mmh. Ah, stylé en vrai. Ok. Bah, à voir ce que ça peut. Comment par contre, ça, mais... depuis qu'on a joué à Prop Night, ce matin j'ai rejoué à Dead by Daylight, du coup, je l'ai réinstallé. En vrai, il faudrait qu'on s'en refasse. Hein. Avec tous les monstres qu'il y a depuis la sortie du jeu, c'est pas mal. Moi j'ai jamais joué à ce jeu-là, il est sympa. C'est pas mal. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Des runes? Un Tomb Raider, encore une fois? Déjà, il n'y a pas de fille japonaise en jupe, donc moi c'est derrière. C'est sûr que c'est pas un DLC de Genshin Impact. Hein. Moi je veux dire, la plastique de mamelle, elle est pas super. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi cette musique déjà? Oh là. Ça a l'air. Destiny 3? Oh! Mais non! Attends, il y a une dame. J'allais dire n'importe quoi. Ça, oh, mais ça devrait être clair, ça, Jean. Attends, mais oui, c'est sûr que Jean, il se tape la bite contre le bureau là. On l'entend pas. Mais qu'est-ce que. Pourquoi ah, le bordel! Mais je comprends pas, c'est quoi? Bah, moi non plus, mais. What the fuck? Mais ça, c'est du jamais vu ou? Apparemment. Oula, ça lag un peu par contre, pas moi. Eh, t'es très belle, madame. Moi, ouais, je me demandais si c'était moi, mais non, c'est le trailer qui lag. Non, c'est le trailer quand même. Moi, ça va, ça lag pas. Alors, mais toi, t'es en 160p, Jean. Ouais, et alors? 144, s'il te plaît. Explosion. C'est le jeu? C'est une explosion de saveur en bouche. Oh, le mec, qui met sa mort sur le burger, ça y est. C'est un auto-dafé pour les papilles. Pas si près, les polygones. Elle a les dessins, mais ça m'étonnerait. Ouais, bon, c'est un jeu par là, madame. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les gars? Vous avez joué à Bioshock ou pas? Pas moi. Homeworld? Ah bah, j'ai jamais joué. Parce que du coup... Bioshock, c'est un jeu que j'avais trop envie de faire, mais j'ai jamais pris le temps de... Le 3, les gars! Le 3! De ce que j'ai vu, en termes de rumeurs, je sais pas s'il y en a qui en ont vu dans le chat, mais en termes de rumeurs, aujourd'hui, il y a des rumeurs sur Bioshock 4 qui seraient montrées. Peut-être un remake de Metal Gear Solid. Et... Bonjour, ma belle! Je crois que c'est à peu près tout. Je sais pas si vous en avez vu d'autres, les gars. Ça va aller, le gros bouffe, là? Simple. Ah, c'est pas j'avais voté pour Tenz. Bioshock, on me l'a très très bien vendu. Du coup, oui, toi tu kifferais Bioshock, Jean, je pense. Ouais, je pense aussi. Juste, il faut que je prenne le temps. J'ai même jamais qu'est-ce joué. Qu'est-ce qu'il y a, Faigo? Peut-être, j'ai ce qui m'a tout à l'heure. Il me. Salut les gars. On est sur le terrain, les gars. Ah, ouais, donc là, ils ont donné 3 awards d'un coup. Ils en ont rien à foutre. Prix du jeu là, allez. Oh bah League of Legends à mon avis. Hein. Oh, ah bah voilà. PUBG Mobile, les gars, PUBG Mobile. Super, comme par hasard.
Ah non, le meilleur jeu de foot là, les League of Legends, c'est bon. Quoi? Merci beaucoup. Ah ouais? Ciao! Ah non. Au revoir, ma petite dame. Freemore quoi? Allez, mettez-nous des mecs gênants là, je veux rigoler un petit peu. Putain, j'espère qu'il y aura des présentations super gênantes. The Weeknd! The Weeknd! Il viendra pas, pota. Par contre, dans 10 minutes, je dois me connecter sur OBS Ninja pour une prestation sur scène. Ah, bon, je jure, ça fait c'est quand même dommage, ça fait comme les effets. Voilà. Ah, ils ont pas mis World Premiere là. Si, pas le... ils l'ont mis. Ah ouais, c'est ça, remake Dead Space, non? Non, c'est pas Dead Space ça. N'importe quoi. Ça fait trop pour Dead Space. Ouais, il y a trop de couleurs, trop de lumière. Je vous rappelle les gars que ça a pas commencé, hein. C'est le pré-show. Hein. Non. Ah quoi que ça fait un peu Dead Space, t'as raison. Mais c'est pas ça. Ouais, mais c'est une femme. C'est quand même dommage qu'à cause du Covid, on n'a pas autant de gros jeux. J'ai eu peur, mais oui. Mais c'est super moche par contre. Bah après, ce qu'il y a, c'est qu'à cause du Covid, tous les gros jeux qui sont sortis, bah ils puent la merde. Hein. Mais ça fait comme, bah, comme les Oscars, mais... tu vois. The Expanse. Bon, bah, je connais pas. Moi non plus. Il y avait l'année où il y avait plein de films bien aux Oscars, là, il y avait Django. Ouais. Mais c'était il y a 2 ans, ça, non? Ouais, mais tu vois, c'est pareil avec les Game Awards, il y a eu Red Dead, God of War la même année. Là, c'est vrai que avant que je lance le stream, tu me le disais que tu avais fait les votes et qu'il n'y avait pas grand chose, mais enfin, c'est vrai, je crois qu'il y a Resident Evil, il y a It Takes Two qui revient tout le temps, hein, je parle. Je crois que j'ai même pas vu Battlefield. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, bref, c'est hyper pauvre cette année. Hein. Oula! Game Award. Oh, ça, on dirait un MMO fini à la moche. Piste. Bien, bien moche. Ouais, c'est clair. Ah, bah, bien sûr. Chivalry 4! Ah, c'est Platinum Games, c'est leur nouveau Beat's Emol, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah, bon, ça me donne, genre, ça me Mighty, vraiment zéro envie. Hein. Mighty Quest for Mighty Emol. Des cristaux dorés. Des arcs elfiques. Des ennemis menaçants. Des jupes dégueulasses. Des femmes. Que des femmes, tout le temps. Des Kinder Surprise géants. Oh, les effets d'enfoiré. Mais ça c'était rend... quoi, eh ah, irregardable. C'était quoi le jeu où on avait joué avec Honky là qui était horrible. Ah, c'était... Oh, le chat va trouver. C'était pas Donjons et Dragons? Mais non, c'était pas le... Ah, si, c'était quoi, les gars? C'est nous, on a joué gratos, hein, pour leur putain de live, hein. Oui, c'est vrai. Eux, ils étaient payés, les gars. Ils nous ont demandé de les accompagner, hein. On a passé un moment horrible à cause d'eux. Le jeu Donjons et Dragons, ça avait l'air catastrophique, hein. Ce qui me faisait rire, c'est que, du coup, j'ai regardé d'autres streams qui étaient sponsorisés de Donjons et Dragons. Et mais y a non, quand même mais des streamers, il y a des streamers qui ont osé dire que c'était beau et que ça se jouait bien. C'était peut-être le pire jeu auquel j'avais joué cette année, hein. Bon, ça, c'est Chivalry 2. Je l'ai, banger, je l'ai. Un Chivalry, mais pas assez joué. Ah oui, c'est vrai que j'avais voté. Ouais, franchement, je me suis bien amusé quand on y avait joué ensemble. Bah après, faut y jouer à plusieurs, parce que tout seul, bon bah... Ouais, mais le peu que j'ai joué, c'était bien, franchement. C'est juste qu'il y avait pas assez de contenu. Ouais. Ah, tu te rappelles, Jean, on jouait et il y avait quelqu'un qui s'énervait dans le chat. Oui, il arrêtait pas de gueuler parce que... Vous êtes nuls, venez un contre un, on va te rigoler. On était à deux contre lui, il était là comme ça, espèce d'enfoiré, vous êtes des lâches. Et à chaque fois, on était à deux. Ouais, il avait dit, rendez-vous à l'arbre, j'ai une épée, je vous tue. Attends, sur le 2 ou sur le premier? Sur le 2, là. Oh, les cochons. Quand on jouait à la bêta, il était là comme ça, rendez-vous sous l'arbre. Oui, il y a des mecs. Oh, bah alors là... S'il faut envoyer des cochons des et qu'ils se font des découper... Oh, eh la péta! Eh la péta, prenez ça! Ah non. Mais tu rigoles, mais c'est sûr que va y avoir des plaintes, hein, du coup. Bah ouais, comme pour les poulets dans... Ah, écoute, c'est le Moyen-Âge, hein. Oui, c'est vrai, ça. Au Moyen-Âge, ils se posaient pas trop de questions, hein, par rapport à la péta. 2022. Ok. Oh! Mais tu c'est Noël! En vrai, là, si vous avez pas testé Chivalry, là, allez-y, hein. Pendant le free weekend, c'est trop bien. Franchement, le jeu est super... Oh, combien? Il coûtait quoi, 30 balles, non? Ouais, il était un peu cher, ouais. Quand même, mais avec la mage, je pense... Les pauvres, vous pourrez pas y jouer. Sale pauvre. Oh la vache, ouais, c'est clair que... Oula, ouais.
Mais c'est qui cette meuf? Je sais pas. Navré. That's pretty much it. T'as l'air gentil. Super, on en a rien à foutre, hein. On veut les annonces, nous. Les annonces. Dans 10 minutes, il fait « So, guys, here's the scene and here's the toilet with the big shit inside. That's it. Oh, they are all going to see the gros caca. And now I'm gonna tear the chest. Tears the chest. Encore un award ou... Ah non, world premiere encore. Premier. Bon, par contre, si il a dit qu'il y avait un milliard de world premiere et que c'est du même acabit que les autres, là... Ah, non, c'est Monster Hunter, c'est le DLC. Ah oui. Ça, ça va être ça bien aussi, par contre. Ça a l'air cool, Monster Hunter. Je crois que mais c'est Jean... qui est sorti World, Jean... là, non ? Non, c'est Rise. Justement, ouais, le jeu, ça. Il sort sur PC en février ou en mars, je crois. Ouais, c'est ça, j'avais entendu, parce que j'ai des potes qui jouent et qui sont fans. Prends-le et on y jouera ensemble, parce que moi, je kiffe trop le jeu. Moi, je suis pour, parce que franchement, j'avais jamais pris le temps de m'y intéresser, mais je crois que le système de chasse, de devoir vraiment préparer ses attaques et tout, ça doit être... Oh, le Rise, il est banger. C'est le meilleur auquel j'ai joué depuis bien longtemps. En plus, les armes, elles sont trop stylées. Dans mes souvenirs, il y avait les lance-fusils, les haches-canons et tout. C'était trop stylé. Bon, l'histoire, j'en ai rien à foutre hein, de Monster Hunter, mais bon, le jeu est bien. Je trouve que ça manque d'Aigao, de petits trucs comme ça. Non, mais il y a des chats qui parlent. Tu peux customiser ton chat et ton chien, donc ça va. Ça, ah, ça bon, passe. Voilà. C'est mignon. Moi, je veux lui faire des gros seins. Oula. Je suis un gros nounours, hein, moi. Oula. C'est quoi, ça? Wow, wow, oula, wow. La, la, la. Wow, wow. C'est mon jeu, les gars. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. C'est mon nouveau jeu. C'est moi qui l'ai entendu. C'est des jeux de russes, hein. Salut. C'est les mondes 3D pour Rapture. C'est les mondes 3D. Non mais attends, mais c'est catastrophique. Ouais, je sais bien, j'ai raté le début du truc. Ah, regardez-moi ça. Non, non, t'as rien raté, c'est nul. T'as rien raté, c'est le pré-show pour l'instant. Ah ouais, il s'est mis tout nu, ça, ça m'intéresse. Je ne sais pas. L'univers, c'est. Mais j'ai rien compris, hein. Les animations. C'est hein. Les gars, ça, je l'ai fait sur Houdini, hein. Donc merci. Quand même. Je m'attendais à une meilleure réception du jeu dans le chat, mais. Je suis un peu déçu. Bon, c'est quoi cette merde là? Aucun plugin, j'ai pris aucun plugin. Okay. C'est quoi le principe là? Cuisiner du butter chicken, je crois. Oh, oh, les animations, c'est fait sur iPhone. Hein. Elles sont vraiment catastrophiques. Hein. On dirait le résultat d'un putain de tuto d'un indien sur un Photoshop craqué. Hein. Oh la vache, mais ça. Eh ben, on va pas y jouer. Salut Peter! Eh ben. Oh. Ok. C'était la blague, c'était allez, la blague. Ah, vous première. Avez été déçus par la dernière annonce. Effectivement, c'était de la merde. Passons au prochain award. Bon, on arrête quand de foutre des belles femmes pour présenter. Pourquoi pas mettre des vieilles vignasses? Non, mais c'est Mercotte, hein. C'est juste pour le pré-show et ensuite Mercotte arrive. Et le maquillage a bien marché, hein. Team Fortress 3, cette année qui sort. C'est le mec. Putain, lourd. C'est quoi ça? Van Helsing. Oh là 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 là, attention. Oh là. Ah, mais il avait déjà montré ça l'année dernière. Je m'en souviens plus. Ici au Game Awards, il avait teasé, mais. Vous êtes sur quel stream là? Ah, mais on dirait. YouTube, chaîne officielle, Quentin. Ouais, je suis dessus. Fais un x2 sur le lecteur pour être à jour. Je crois que. Il y avait un truc un peu similaire. Qui avait été traité de Souls-like mais avec des flingues. Oui, je vois de quoi tu parles, ouais, mais c'est pas ça, je crois. J'y avais pas joué parce que j'ai pas pris le temps, mais. Ouais, ça a l'air propre ça. Ouais, ça a pas l'air dégueu. Enfin. Genre un bon jeu où tu bourrines, mais. Mais je suis certain qu'ils l'ont. Oh, c'est joli. Ils ont mis un trailer l'année dernière au Game Awards et c'est tout. Ouais, ça a l'air sympa. Ah, j'aime bien. Arthur Morgan au pays des zombies. Django est de retour. La tuberculose est de retour. Oh là. Mais non, mais non. Mais ça sert à rien par contre de nous remettre. Je préfère les granits. Je préfère les granits. Oh, oh, la petite mort. Comment s'appelle le jeu? C'est le jeu de David Moria. Good morning, Death. What a lovely day to be alive, wouldn't you say? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, vous en êtes au squelette derrière oui. Son bureau. Là. Okay. Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait, le squelette? Il est taré ou quoi?
Il a rien fait, hein. Cancer plus 38%. Oh, mais non. Bizarre son téléphone, hein. Now, Death, we talked about this. Try not to lose your temper again. Oh là, il est énervé. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à lui là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le film? Oh, on dirait un jeu de management. Ça sent le jeu de management là. Ouais. Ou le jeu genre en mode Hades. Ah ouais. Ouais. Ah non, ça c'est va. C'est le Hollow Knight de chez Wish, ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Ah mais d'ailleurs, Hollow Knight, il n'y a pas un prochain... Putain, t'imagines? Ah, mais c'est vrai qu'Hollow Knight, Silksong, ouais, ça fait des mois qu'il est teasé, mais jamais montré. C'est peut-être temps de le sortir, ouais, parce que vu le banger que c'était, l'original... Bon, bah, j'irai pas jusque là, mais... Bah, il y a... Hollow Knight, quand même. Il divise vachement les foules, il semblerait, Hollow Knight. Hein. Autant il y a ceux qui disent que c'est un exemple... En termes de Metroidvania, ouais, et oui, voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un Metroidvania aussi bien. Quand même. Ouais, mais c'est quand même ultra poussif, il y a tout qui se ressemble, c'est. Mais. Ouais. Il y a d'autres qui pensent pareil. Si, c'est que le level design, il est censé t'aider à t'orienter dans le jeu, et au final, le jeu, il décide de pas te donner de map, et tout se ressemble. Donc, comment tu fais pour t'y retrouver? C'est de la merde. Tu lâches le jeu 3 jours, t'es perdu. Hein, c'est... Oui, c'est sûr qu'il faut le faire d'une traite, ça, je suis d'accord. Mais... Bon, on en a rien à branler là. Voilà, ça c'est mieux. Oh, tout de suite. Oh, le mec comme rumeur du coup de trucs qui seraient annoncés. BioShock 4, un remake de MGS et je sais pas. En fait, je me suis pas trop spoilé sur le reste, donc je sais pas. Il y a des rumeurs. Ils ont annoncé des rumeurs sur des youtubeurs aussi. Genre. Il y a des maps sur Hollow Knight pourtant, oui, mais t'es pas localisé en temps réel. Vous avez testé la campagne d'Halo? Oui, pas j'aime encore, bien. Bravo Forza, bravo, bravo Forza, ouais. Yes. Oh. Et Forza qui gagne un award pour le dernier. Ah, enculé, putain. Bien joué. Oh, je suis trop... J'ai jamais joué au jeu. Eh bien, vroom vroom, mesdames et messieurs. Le jeu est buggé, c'est un reskin du 4, et merci pour le ward, au revoir. Non, on a quand même fait comme vous y allez, Hugo. Attends, t'as pas vu ma bagnole, hein, franchement. Non, j'ai pas vu ta bagnole. Dommage. Alors moi, j'aime l'odeur de l'huile et du corbouille. Du corbouille, oui. Du corbouille. Bienvenue à la file de... Allez. Ça, c'est quand même grave triste qu'ils aient reçu un award en pré-show, Forza. Allez, on va chez vous. Parti. Moi, je veux pas faire le woke, mais j'aurais préféré une femme en fauteuil roulant qui présente le... Ça fait des gros drifts pour Forza. Oh, ça continue. Oh là, qu'est-ce qu'ils font dans le fond? Docteur Dre. le dernier il a fait la musique de quoi? Last Guardian. Ah, bah c'est le jeu du créateur d'Ico, non? Docteur Dre, il a fait la musique de Last Guardian. Ouais. Mais non. Tan 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 tan. Ça serait dingue. Il a fait la BO de Demon's Souls aussi. Oh, écoutez la musique. Oh. Attendez, je monte le son. J'écoute à fond. A game by Mix by Takumi. 3D by Medrose. First hit is back today. Joke non funny by Theorus. Ah, super. L'OST est cool, hein. Ouais, moi, j'aime bien, là. Visuellement, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il est bien, ce son. Trop bien. On dirait une intro alternative de Pornhub. Ah ouais, tu vas loin, toi. Ta gueule, enculé. On dirait une vidéo BDSM, là, où c'est moi. Attends, remets. Ça colle, salut tout le monde. Ça colle mieux, ça colle mieux, ça colle mieux. Ouais, c'est parfaitement bien. Mais ça marche mieux que la musique. Y'a pas assez de jeu. On s'en fout de ta musique, le con de merde là, au début. Ça, c'est de la musique. Yo. I came. Tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire. Ça marche, hein, vraiment. On dirait vraiment un clip où je trouve qu'on fait. Oh, la variété française.
Ok, bienvenue Bélé, voilà ta crème, voilà ta crème Bélé. Eh oh, eh, y'a des gosses qui regardent. Dans la belle époque. Ok, bon, on a rien suivi, hein. Du tout. Ah si, c'est Plate of Lana. Si, c'est Plate of Lana, t'as rien compris, les gars. Eh ben, on y jouera. Oh, deux minutes, les gars. Ah, c'est bientôt, c'est bientôt. Je pense que vous êtes aussi excité pour moi. Ah, Théo, c'est le plaisir de te voir là. Ah, Théo, t'es là. Tu m'avais manqué. Encore. Oh, mais c'est pas de plus. Oh là. Oh ouais, des jeux. Oh non, c'est personne. Ah, ça, c'est un jeu pour Pota, ça. Allez, merci de ce que tu as. Le critique JV, connard. Le critique JV. Ah oui, bien sûr. Alors, ça, c'est mon jeu. Pota, il en marque là. Niveau OST, ils sont forts, hein, Persona. Ouais. Tu veux dire quelque chose sur le jeu, Pota? Bah, enfin, quelque chose qui est convaincant. Après, plus de jupes, voilà. Voilà. Je t'ai mis en plein écran pour que tu nous parles de quand t'as fait la preview du jeu, Pota. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, c'est vrai que c'est un jeu qui vend beaucoup de rêves. J'aime beaucoup les gémissements pendant les coups, genre les... Ah. J'aime beaucoup. Ça promet, en tout cas. Hein. Ta note sur 20 pour la preview? Un petit 19, là, hein. Deuil. Eh bah, ben, merci. On refera appel à vos services par la suite. Merci. Je suis là pour ça. Bon, est-ce que tu m'en oh, 50 secondes. 50 secondes, les gars, 50 secondes. Eh, les gars, c'est quand même mieux que chez Carroju, là, les gars. On a des vrais intervenants qui savent de quoi et ça oui, parle. Eh oui. À d'autres, hein. Il y a l'actu du geek qui est en train de faire son live, il est en train de tailler. 400 heures sur Genshin, les amis. Eh oui. Quand même. Keanu Reeves. Oh, y'a Keanu, Keanu Reeves, il est de retour. Breath the King. Après le fiasco. Cyberpunk 2078, c'est parti. Expliquez enfin. La suite. Le Gotti, le vrai Gotti. Oh. Tu es à couper le souffle. Le critique de merde au public là qui voit une référence. Le mec chiant. Oh, c'est sûr, ils vont faire ça. Oh, j'ai hâte. Marcotte, you're breathtaking. Non, c'est toi. Marcotte, I want to suck your cul. Jeff. Ouais. Et là, il y a un mec qui va dire My name is Jeff dans le public. C'est qui? Oh, c'est du qui piano. Du piano. Déjà, il... Déjà, une représentation. Oh, c'est Sting. C'est Sting. Mais non, c'est Steve Jobs. Oh là là, il va canner sur scène là. Message in a bottle. C'est le moment là qui fait les... Bah attends, mais c'est vrai que c'est Arcane là. Ah oui. La musique est belle par contre. Oui. Eh, les briquets. J'ai pas l'effet, ouais, merde. Avec Snapcam. Téléphone. Oh putain, j'ai cramé mon micro. Oh là, c'est faux. Oh là, c'est faux. Oh, on enlève. Hey, Sting, retourne te coucher, mon vieux. C'est l'heure de mourir. Retourne mourir. Mes doigts sont débriqués. Oh là là. C'est incroyable, Arcane. Hein. Vraiment, si vous avez pas regardé, ouais, c'est trop bien. Hey, splendide. Hein. Splendide. Oh. Ouais, belle musique, hein, quand même. Écoutez ça. Il a encore de la voix, hein. Il lui a enfoncé une Wiimote dans le cul à Sting avant qu'il passe sur scène. Ah. Allez, Sting, envole-toi, prends le micro, je sais pas, fais une danse. Oh. Et après, il y a Imagine Dragons, hein. And a skinging dinosaur, and a skinging dinosaur, and a skinging dinosaur. And a huge dinosaur. You could be a little... I couldn't smell your asshole. Non mais allez, ils annoncent Matrix 8. Et là, McFly et Carlito sur scène. Oh putain, j'ai trop hâte.
Ils arrivent en TikTok, girl, yeah. Très belle musique. Ouais. Oui. Oh, mais les vendeurs de violon, comment ils doivent border. Oh non, il va tomber dans les pommes string, là. Qu'est-ce que t'as dit, Jean? Quoi? J'ai dit que les vendeurs de violon, ils doivent border dans le chat. On a toujours rêvé d'un filtre gros sur Pierre Ménès. Il est là. Ah, oh, vous l'avez encore. Le respect. Le respect, il l'a mangé, les gars. Qui a la ref? Moi. Ah merde, j'ai mis pause. Attends, mais il chante faux, cet enculé. Autant, regarde. Oh putain. Hey. Chez moi, il chante en x2 et c'est quand même beaucoup plus agréable. Attends, je vais le passer aussi au cas où j'ai du retard à rattraper. J'adore le show, hein. Mais Christian Quesada avec un filtre. Ça marche pas. Ah, c'est bon. Ah oui, c'est vrai que j'ai un disque dur de 2 terras avec des culottes de petites filles. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et alors? Les gars, la meilleure saga. La meilleure saga pour vous. Votez tout de suite sur le sondage. Par contre, ça commence à être long, hein. Ah bah c'est... là, Jean, on est parti pour 3 heures, hein. Je sais pas si t'es au courant. Non, mais je veux dire, je parle de la musique. Bon les gars, c'est le web décode sort bientôt. Le show dure 3 heures, oui. Oh la vache. Ah ouais, 3 heures. Putain la vache. Oh, j'ai bien fait de pioncer avant. Ah bah moi je... Bravo Sting. Bravo Sting mon gars, par contre sors le balai de ton cul. Attends. On va raccrocher les gants après. Hein. Bravo. C'est bon, il a fini. Ok, c'est bon. Que j'y bats, tout le show. Il retourne en coulisses, un rail de coke et c'est reparti. Oh là. Oh, c'est un petit flashback de l'année. Oh, let's go. Oh, et quel jeu de merde. Oh, les souvenirs, pota, tu t'en rappelles? Ouais, j'ai bien joué à ces jeux là. Fortnite! Attends. Oh, quel grand chapitre 3 de Fortnite aussi. Oh, Life is Strange, j'ai adoré. Il take two! Il take two! Quelle? La Free Train, franchement. It's the video game event of the year! Oh Is the V. Oh là là, Elden Ring. Chrono, là. Qu'est-ce qui va gagner? Qu'est-ce qui va être le jeu de l'année là? Bah, attends, déjà faudrait que je me rappelle qui y a dans le jeu de l'année. C'est Textou qui va tout prendre. Quelqu'un peut aller checker ce qu'il y a dans le jeu de l'année, les gars? Non. Oh. Bah, tu l'es sous les yeux là. Madame. T'as ah, ça c'est le jeu. Textou. Ah, ça la vista trop pas là. En vrai, je. Hey. Le dernier Far Cry, personne en a parlé, j'ai l'impression. Normal. C'est de la merde. Ah ouais. Non, il texte tout, j'aimerais bien que ça gagne le GOTY en vrai, mais... Bon, oh, Elden Ring, voilà. Mais le jeu qu'on a joué, il y avait quand même de la créativité, hein. Bah, oui, ah, c'est vrai qu'il y a Metroid Dread aussi, ça peut gagner. Ouais, Metroid, il est lourd, ouais. Je vois pas un jeu comme ça gagner pour le coup. Deathloop, tu penses qu'il y a des moyens qu'il... Par contre, les développeurs d'Itexcu, moins d'histoire que qui est plus de Way Out, s'il vous plaît, parce que... Oui. Ouais, mais ce qui était bien, It Takes Two, c'est que vu que ça n'avait pas trop de sens, il y avait un milliard de trucs de gameplay, ouais. Ouais, de ouf. Genre quand il y avait la séquence Street Fighter sur l'avion, c'était trop bien, ouais. J'ai pas fini encore It Takes Two, j'ai dû faire un tiers. Oh, nous non plus, j'ai joué 2h30 avec Pota, mais. Il est bien stylé. Oh, la vieille mamie qui pue là. Mais je croyais que tu voulais de la gilf. Ah, c'est ce que j'aime justement, c'est un complément hein. Ah. Oh vieille salope, vieille traînée va. Bref, pas la cloque. Je pars emmener ma marionnette aujourd'hui. Et il est content, il est content. Et il a dit quelque chose en pareil. Oh la honte. Oh la honte, c'est une pas la cloque. Et je vais l'année. Elle en fait de la vitesse là-bas. Guillaume Bat, applaudissez-le. Bah j'ai pas joué au jeu cette année. Ah bah c'est tout le monde, c'est Guillaume Bat, mais non j'ai pas joué. Attends, on aurait dit la meuf de Casa des Papel. Je crois que c'est elle, ouais. Quelle frappe. Ouais. Pardon, comment tu parles des femmes? Quelle bonasse c'est là, hein. Quelle bonasse. J'ai fait un don dans le chat des Game Awards. 20 euros, tenez. Vous le méritez, les gars. Putain, c'est vrai que ces enculés, ils ont activé les dons. Eh, il y a plein de bouffons qui donnent 5 euros. Ils ont pas honte, hein. Pourquoi Shang-Chi, il a pas son masque, là? C'est lui l'acteur de Shang-Chi?
C'est bien au final, je cherchais, j'ai pas regardé. Je sais pas, j'ai toujours pas vu non plus. Les Eternals, ça a l'air tout pourri à chier. Ouais, ça a pas l'air fou. Si seulement et et Hawkeye, c'est bien ou pas? Apparemment, hein. Pas vu, en fait. Ah, y en a qui semblent apprécier. Un mec, il a fait un bon 10 euros pour dire Jiggle Physique et Dragon Ball. Il a pas compris, hein. Game creators need to be supported by the. Bon, par contre, il s'est cru dans Red Dead 2 avec ses espèces de trucs là sur la chemise. Jeff! Jeff! Tu lâches dans le public! Hé, hey, je veux que tout le monde bouge ses fesses! Ah, j'aimerais bien gueuler comme toi aussi, mais je peux pas. Oh putain, je peux pas tout simplement, quoi. Let's go! Putain, c'est parti, les gars! Des voisins à côté. T'imagines, il y a ça qui crie dans les enceintes de la salle. Le gros blanc juste après tout le monde. Qui est breathtaking, Jeff? Oui, nous avons compris. On a compris. Jeu, là. I want your cock. And believe me, the future you're about to see looks absolutely incredible. My balls. My dick, my balls. We got a lot of good stuff for you. We have. C'est ça, Geoff. Intérêt, intérêt. Attention, sale con. Toujours en même temps, tous les ans. Le vieux coton. Attention, le vieux coton. Il y a Guillermo del Toro au Game Awards. Je me suis décalé juste pour ce show. Le Spolos Hermanos, le Spolos Hermanos. Il est là. Oh, why is the white in person? Yes, sir, we have to go. Yes, sir. Le gars chien qui imite à chaque fois. Yes, sir. We have to go somewhere, yes, sir. You want chicken fried with your chicken fried? Freedom to break boundaries. Ta gueule. White chicken. Hey, les gars, I was acting. Or was I? Vous avez la ref? I am not the one who knows. I am the one who knows. Just say. Just say. We have to cook some medicine. Hey, I am not the danger. I am. Oh, 12 minutes de la merde. Au chiotte, caca pourri. Caca buda. Comment ça? Devs d'ours, ça a l'air bien, mais j'ai pas fini. Aux portes de pas la. Pas joué du tout. Kena, alors, c'est. On passera. Voilà, c'est tout. Inscription banger. Ah, bravo! Ouais, de ouf. Ça fait peur. Loupiro pas joué. A chier. Eh, la prononciation, on repassera. Hein. Bon, c'est sûr que c'est pas. C'est Kena, je pense qu'il va gagner parce que. Bah, parce que j'ai Disney. Inscription, hein, ce serait stylé que ce soit inscription. Ouais, mais ce sera jamais ça. Bon. Et ben voilà. Et ben voilà. Allez, super. Mais c'est Sony, c'est la propagande. Allez! C'est pas Sony, c'est Disney. Et Nintendo leur donne jamais rien. Et putain hey, Nintendo leur donne déjà nos gosses, alors faudrait pas qu'ils fassent. Putain, qu'est-ce qui m'énerve. Kingdom Hearts, c'est possible que Kingdom Hearts te baigne. Ou pas. Allez, toi, toute balle, ça dégage. Kena, très belle œuvre d'art, mais mauvais jeu. Kena, vaut les bouseux. Bien dit ça. Et sa vie. C'est lourd. Attendez, je traduis. Ah, c'était énorme de venir jusque-là. Beaucoup de travail dur pour les jeux, c'est cool. Je peux pas dire assez à par rapport de ce jeu. À la chemise. Devenir vrai. Merci à Sony d'avoir cru en nous depuis le début. Ce jeu est horrible. Les gars d'Epic qui nous ont soutenus malgré le fait que on a fait un jeu de merde. Merci. Allez, venez dans mon restaurant, les mecs. J'ai du poulet frit pour vous. Du poulet au frig. Je vais du poulet à toute la police. Je suis Gustavo. Il s'est téléporté. Il s'est téléporté. Comment il a fait? Et ils peuvent pas faire comme Mr. Bean. Ils prennent leur award et ils se cassent. Oh non. Oui, allez, tu dis toujours ça, espèce de con. Oh, je pouvais pas croire ce que j'ai vu. Contre le jeu de merde. Ils sont complètement cons, les jeux, ils regardent. Il va dire, j'ai jamais pu croire ce que j'ai vu, c'est Tetris Effect, j'en suis sûr. Il doit être horrible avec les meufs, lui. Hein. J'ai jamais vu belle meuf que j'ai vu de ma vie. Qu'est-ce que j'aime. Tes nichons sont énormes, ma belle, c'est incroyable. Ninja théorie. Ah, mais c'est. Envie de TT sans m'arrêter. Ça va être, ah, j'ai oublié. La théorie. C'est L-Blade ou L-Bound, je sais plus comment ça s'appelle. L-Blade, c'est ça, ouais. C'est Nua Sacrifice.
Putain, j'avais vu ça, elle était impressionnante cette. Ouais, c'était joli. C'était assez impressionnant visuellement. Je mets le son un peu plus fort. Ça donnait vraiment envie, genre quand j'ai vu ça. Mais soit c'est pas la conférence. C'était pas la conférence. Oh là, il y a eu un petit. Je crois bien que c'est la conférence. Bambalawem, bambalawem. Oh la vache. Ah ouais, il y a vraiment un petit downgrade par rapport à ce qu'on avait vu avant. Oh, tu l'as fait. Après, ça reste joli. Ça reste joli. Non, mais c'est quoi ce bordel là? Il a cru que t'étais dans le jeu. tu l'as fermé. Bon, la bagarre là, le gameplay. Ah ouais, c'est vrai que par contre, ça. C'est beaucoup moins beau que ce qu'on avait vu il y a 2 ans, la vache. Ah ouais. Et il y a 2 ans, moi j'avais été impressionné. L'effet Watchdog, j'ai envie de dire. C'était pas. Après, tu regardes là. Quelle conférence qui a proposé ça? C'était Xbox, non? Oui, c'était ça. Non, c'était au Game Awards, justement, il y a 2 ans. C'est du gameplay, là. Bien, Jean, bien. Bah, je suis impressionné, qu'est-ce que je te dise. Facilement impressionnable, moi. C'est un dragon. Je suis le dragon de Nicolas Sarkozy. Je suis tout petit, un vieux de Nicolas Sarkozy. Flamby. Président de Microsoft, je rejouerai à Hellblade avec plaisir à l'Elysée, je vous le dis. Moi, président, je baiserai encore une fois Jules Gaillet sur le bureau de l'Elysée, oui, je vous le dis. Oh, oh, stylé. C'est un géant. J'ai l'impression d'entendre le président. Un géant, en effet, d'optique. Un bébé. Ça m'a tout l'air d'être un monstre, hein, Potatoes. C'est stylé, putain. La nouvelle reviendra. Je suis Coleman, on m'a coupé les cheveux, s'il vous plaît. Ça a l'air dégoûtant. Où est mon ordinateur? Oh, je dois streamer. Une blague sur Zemmour. React, cauchemar en cuisine. Les petits bourrelets là. Ça fait un peu God of War, j'aime bien. Ouais, c'est vrai que. Comme un pirate des Caraïbes où il a des fruits de mer collés sur le corps là. Ouais, j'ai tous les manger. Il a des moules sur le bras. Eh oh, t'appuies pas. Le mec chiant dans le cinéma. C'est fragile, hein. Oh, de la merde. Non, c'est de l'huile. C'est de l'huile, mon gars, t'as rien compris. Oh, mais ils sont cons. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils l'attaquent? Le piège au caca. Le piège au caca. Mais mon gameplay, ça sera pas ça, moi, je le suis pas, moi. Ah, c'est stylé par contre, hein, j'aime bien prendre ça. Eh, c'est super beau, hein. Grim, dégage du chat, c'est un conseil. Par contre, j'ai attends, Grim, bouge pas. Même tu m'as dit que tu pouvais pas venir, Grim. Alors je te fais disparaître. Time out de 8h, bonne nuit. Dégage. Oh. Mais même niveau sonore, ça a l'air impressionnant. Bah après, il se défend aussi, merde, vous avez brûlé. Bon, après, il avait plus de bras ni de jambes, hein. Regarde, je vais lui faire un doigt d'honneur. C'est un légume. Eh. Les gars, je veux à manger. À manger. Cours, ma belle. Oh la vache, les ombres, le soleil, la lumière. Très très beau, hein, pour l'instant. Mais arrêtez. C'est moins beau que ce qu'on a vu il y a 2 ans, mais ça passe, hein. Oh le relou, c'est bon, c'est magnifique. Bah après, c'est le travail de la lumière, là, qui est... Non, mais même le son, tu l'as dit, Jean, c'est propre. Ouais. J'aime beaucoup le son, je trouve que c'est super important, mais c'est pas ça. Mais c'est pas un poulet grillé, arrêtez de le brûler, les gars. Par contre, j'ai du mal à voir ça en gameplay, en fait, c'est bizarre. Moi aussi. Ouais, c'est marrant parce que ça me fait penser au jeu Percy Jackson. Non, pas Percy Jackson, Peter Jackson. King Kong. Avec les lances. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal ça. Oula! Oula, je l'avais joué sur Xbox, quel classique, sérieux! C'était Michel Ancel qui l'avait fait, Ubisoft. C'est Kane! Mais non, c'est pas. Il va faire un chokeslam, hein. I wanna no way. Oh, pas lui! Oh la vache! Ouais, bien visé celle-là! Bah, attendez, mais. Dans le chat, ceux qui ont fait le premier, il y avait pas de gameplay, enfin, il y avait que très peu de combats. Non, dans le premier. Ouais, c'était hyper répétitif, C'était une balade presque. Ouais, voilà. Ouais, le premier, il y avait pas ça. Mais pourquoi ils l'ont réveillé? Il y avait quand même des combats dans le premier, mais c'était.
C'est anecdotique de ce que j'avais vu. C'est ça, casse tout. C'est stylé en termes de gameplay, et tu voilà. Vas faire gâchette gauche, gâchette droite. Qui c'est qui va nettoyer tout ça? Il commence à me prendre là. Je vous donne en mille. Oh là, aïe. Ah oui, bah d'accord. Ils vont manger bébé. Ah, l'ambiance est trop cool hein. Oh la vache, le son. Je veux manger. Des frites humaines. Ok. Pas mal. Sympa. Franchement. On y jouera pas. Mais... Oh, tout de suite. Oh, Game Pass. Non, mais... Game Pass. Je sais pas, ça me donne plus envie de tâter que le premier en tout cas, donc je suis curieux. Moi j'ai jamais joué à Hellblade, mais c'est vrai que le truc là était... Bravo. Oh, le public, retournez-vous, il est derrière. Le public se retourne et nous regarde. Ah, encore. I hope you're ready. Je suis prêt, Joy. Overcooked 7. Oh la vache, ça allait très vite, hein. Oh, c'est sti- ah, c'est pas Scorn, ça. Mmh, c'est oh putain! Je sais pas c'est si le... vous savez ce que c'est Scorn, les gars, mais. Mais si, c'est pas le jeu ultra gore là dans le. Non. C'est en mode Alien. Ouais. Non, je vois pas du tout. Lucasfilm! Oh là là! C'est Lucasfilm! C'est la suite du Jedi Fallen. Oh putain! Fallen Order, tu penses? Non, c'est pas la suite, ça m'étonnerait. Ah, mais non, attends, c'est pas Sito, ça République, m'étonnerait. C'est le RPG. Ah oui, ouais, c'est peut-être KOTOR, ouais. Oh oui! Oh oui! Ce KOTOR, ça avait été annoncé cet été, non? Je crois. Ça, ouais. C'était à Conf Xbox, oh, je crois. Oh, c'est malin! Ah oui! Oh, oui! C'est beau, oui! C'est oh, c'est oui! Vrai. Oh, là. Oui. Oh, des aliens moches, c'est tout ce que je veux, moi. Putain, moi, je me sens inculte, je connais pas assez Star Wars, mais. Ah, c'est joli, hein. Bon, c'est pas du jeu, mais c'est joli. Yoda! Yoda! Y'a Yoda! La force! Je vais le faire par derrière. Tu dois. Mais là, je veux regarder. Le Viagra a l'effet sur moi, fait-il. Ma bite durcie, fait-elle. Ta grand-mère, j'ai baisé. Oh là 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 là. Ah ouais? Oh la vache. Je crois que c'est Ubisoft qui fait les graphismes, donc faut faire attention. Hein. Ah, mais oui, c'est vrai que c'est Ubi qui travaillait sur un jeu Star Wars. Alors que le DICE, là, le dernier. Fallen Order ? Les Jedi Fallen Order, c'était classique. Battlefront 2, là, il était magnifique. Ah oui, c'était beau, ouais. Super jeu, Battlefront 2. J'espère juste que Ubisoft va mis à augmenter ses standards. Bah, on les connaît, hein, Ubi, hein, franchement. Moi, j'attends plus rien d'eux, parce que... Ah, c'est trop stylé, par contre, hein. Ouais, il est maqué. Oh, la vache. On va voir quelqu'un. Oh, il est chance, mec. Hein. On va voir quelqu'un. Non, mais je les ai jamais vus, eux. C'est quoi? Mais en même temps, il y a tellement d'espèces et de. Regarde. Ubi travaille sur Avatar. Oui, les gars, d'accord. Mais Ubi a aussi la possibilité de travailler sur une licence Star Wars. Il l'avait annoncé il y a quelques mois. Oh là, c'est qui? Dark Vador? C'est le mec. C'est Venom. Star Wars. Ah, c'est Eclipse. Star Wars, Eclipse? Ok. C'est quoi, hein? Et donc qui fait ça? Je sais pas. Est-ce que c'est EA ou est-ce que c'est... Quantic Dream. Oh. Ah, c'est stylé, putain. Ils sont forts, eux. C'est quoi? C'est qui? Ouais, c'est Heavy Rain, Fahrenheit... Ah, mais c'est D3. Oui, c'est D3 aussi. Oh, ouais, ça peut être bien. J'ai fait il y a pas longtemps, c'est vraiment pas mal pour le coup. By Quantic Dream in collaboration with Lucasfilm Games and is currently in development. There are many more game announcements. Oh, t'as fait rigoler Jeff, pota. As well as awards. All night we are partnering with YouTube Shorts. If you have a favorite nominee tonight that doesn't win, let us know your thoughts. I'm sub to your clip chain. I love it. Got shorted. Head to the YouTube Gaming Twitter handle to find out how to get your very own salty consolation. When you love, it's never right enough. Now it's time to meet our first global gaming citizen program we started back in 2018. Turn all air over to individuals who are building positive, inclusive communities around gaming. We're honored to share. Bon, on a compris les communautés inclusives, hein, c'est bon. Oh non. Global Gaming Citizen. Ah. I grew up playing games. Oh non, ils vont nous raconter ce hors-vie là. Bon, oui, t'es mal payé, t'es un développeur, je m'en fous.
Attends, parce que je veux vérifier l'info du délire avec le... Il y a un peu trop de maquillage, hein, si je peux me permettre. Star Wars Ubisoft Game. Est-ce que c'est bien vrai? Parce que le chat disait non. Oui, Star Wars Ubisoft annonce un open world. On va voir la gueule du chat YouTube maintenant, on va voir ça. Ah. Oh bah à mon avis, le chat YouTube, il doit prendre cher. Hein. Oh la vache, la paire de meules. C'est pas des vrais meules, malheureusement. Ah. Mais tu sais quoi, je me suis fait avoir, l'illusion est presque parfaite. C'est quoi le rapport avec les jeux vidéo? Mais ils font tout le temps ça. De toute façon, que ce soit pour n'importe quelle communauté, que ce soit le harcèlement comme on a vu tout à l'heure, ils vont faire ça, on va voir ça, je pense, au moins 10 fois dans la conférence. Et le chat YouTube, c'est que des YOU GET OUT! What is that? Oh, mais c'est terrible à chaque fois qu'ils présentent ça. Genre, je répète, hein, ce sont des faux. Ah d'accord, bah, parce que c'est dommage, j'avais commencé à me branler. Tant pis, je vais finir. Hein. Eh, je vais pas la garder pour plus tard, ça sert à rien. Facebook Gaming. Des jeux, s'il vous plaît. Oh, allez les enfants. Nintendo. Bon, ça c'est les pubs qu'on va se taper à peu près 10 fois dans la soirée. Ouais. Trop bien, Cozy Grove. Cozy Goo. T'allais faire un jingle là. Mais non, Cozy Goo c'est une marque. Dans des bières. Ouh. Cozy Goo. C'est fou ça. Mais Tom, mais Son Goku Nunu c'est. In the world. Nintendo. Faut que je teste le Extech machin là de Riot, oh, j'ai pas pris encore. Bah, on ça. Extech Mayhem. C'est comme petit portal. La VR. C'est Matrix. Mais c'est une pub pour Xbox. Hein. C'est AMD ça. C'est une pub pour l'Xbox. J'ai vu. Ah ouais, t'as raison, c'était vert. Attention, qu'est-ce qu'il écrit? At the heart of gaming. Traduis, Jean. Au cœur du gaming. D'accord. Mais putain, mais tu t'appelles pas Jean. Pardon. Oh la vache, tu veux voler la vedette. Ah, Bethesda. C'est quoi ce truc? Ce truc VHS là. T'as une voix bizarre, pas... pota. Fallout 2037. Skyrim 30. Non, bah non, c'est pas possible parce qu'ils ont pas. Bethesda, on vous aime plus. Oh! Ah, prenez des captures d'écran, les gars, c'est des codes de jeu. Sur quelle plateforme? Film. Bon, vas-y, j'aurai jamais le temps, ils vont tous. Allez, c'est mort. Je pense qu'elles sont déjà toutes rentrées, hein, les clés. Trouve donc. Allez. Mais en fait, en plus, il y en a qui doivent avoir de l'avance. Bethesda, on croit plus en vous depuis des années. Arrêtez. Ah bah. Du nom valide. Ok, cool. Dupliqué ! Espèce d'enculé ! Ils ont essayé, hein, les pauvres là. Bah ouais. Ouais, c'est des menteurs. Oui, c'est probable aussi. Des menteurs. Dans le trailer, il y avait le droïde qui changeait de forme, qu'il y avait dans les Star Wars. Je sais pas si ce genre de droïde n'est apparu que dans cette série, mais ça pourrait être lié. Ah, et le silhouette de fin ressemblait vite fait à Starkiller de dos. Voilà, petite analyse pétée. Ça marche, Clément. Moi, j'y comprends rien parce que je suis pas Star Wars, mais bon, certains comprendront, je pense. Certains comprendront, non mais ça va. Quoi? C'est quoi ça? Vrai Clément. Non, c'est le foie. C'est Coleman le jeu. Ah, mais c'est pas le truc qui est sorti il y a pas longtemps en early, ça? Ah, c'est Hades. C'est pas ça. On dirait un Diablo. Lost Ark. Ouais, c'est ça, non? Je sais pas. Oh la vache, c'est vraiment du Diablo. Bon, on dirait pas Lost Ark, c'est bizarre. Oh là. Attention, t'es à faire tout noir. Vous avez la ref ou pas? Non. Oh wow. Attention hein. Moi j'ai pas la ref. Putain mais ils osent nous foutre des pubs ces enculés, ils cassent les couilles hein. Bah si c'est le Stark. Ah t'as des pubs toi? Bah c'est ça, c'est des pubs, je suis désolé. On est... Ah. Ça coûte tellement cher à faire son truc qu'il est obligé de nous foutre 10 pubs à chaque fois, c'est chiant. C'est l'heure du rewind. C'est... Le Allez, Stark. Plus que 2h30 les gars, plus que 2h30. Oh, plus la merde, l'affiche. Je peux... Bravo. Tais-toi, toi. Non, je rigole. Pardon, Jean.
Oh, je suis désolé. Ah, gars! Trop nul. Sur la fiche, il y avait Amazon Game et le Amazon était en noir. Lost Ark from Amazon Games coming in February. Gros flop. Speaking of Amazon, we're proud to partner with Prime Gaming on the Game Awards. This month, you can level up your gaming experience with free games. Allez, ça continue les pubs. I suck so much Amazon, I love it. Oh my god. My wife's cook is Amazon. Every day she gets fucked by a go watch True Story and Haters with Kev Adams on Amazon right now. J'ai regardé Haters avec un pote pour... Ah ouais, bah on a fait pareil. C'est terrible. Catastrophe. Jean-Claude Van Damme is in the movie. Yeah, you're gonna like it. La catastrophe, sa performance. It's time for a new game announcement that no one had on their bingo card. Mais c'est pas... Oh putain, je l'avais pas sur mon bingo. Attends, attends, je coche mon bingo. Je l'avais pas. Ou Warner Bros. Harry Potter. Mais non, on dirait non. Oh, Wonder Woman. Ah, Harry ah ouais. Potter Ah ouais, bah non. Ah, Wonder, c'est Wonder. C'est Wonder Woman, ça joue. Wonder Woman. Ah, Monolith, ils font des jeux encore. C'est Power Girl. Tout de suite. Non, parce que Super Monolith, madame. C'est ceux qu'on fait Fear, non? Oula. Oula, oula, qu'est-ce que tu n'as pas dit, toi? Oula, 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 qu'est-ce que tu n'as pas dit là? Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Oula, 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 qu'est-ce que tu n'as pas dit là? Ouais, c'est bon. Oh, Domi, Domi. Domingo sur le live. Une boule en gravité qui fait un boulot, comment c'est possible? Yeah. Pourquoi ils ont mis Green Day là en... Ah, c'est l'actrice qui fait Ellie à gauche et l'actrice qui fait Abby à droite, je crois. De connasse. Dans le jeu, oui, je suis d'accord. Oui, je parlais du jeu, attends, oh. Hey, je suis pas comme ça, moi. Et par contre, super mal coiffé, celle de gauche, j'ai dit. Je me rappelle plus de le voir de best performance qu'il y avait. J'ai pleuré sur ce jeu, les gars. Oh non, pas rien de Carlo, s'il vous plaît. Je suis sûr que c'est lui qui va gagner. Toujours Gofring. Jason Kelly. C'est sûr que c'est Esposito qui va gagner, hein, parce qu'il est ah, là. Ah si, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Attends, t'as vu non, 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 c'est pas elle. Bah attends, t'as vu les gros nichons, c'est quand même... Je suis sûr que c'est Esposito parce qu'il a fait le déplacement, c'est obligé. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais non, parce que regarde, ils sont tous là. Ah ouais. Du coup, ça te fait rien. Il m'a fait foncer directos. J'en étais sûr. Les gros nichons ont gagné. Mais t'as vu, j'ai pris quoi? Voilà. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oh non, non, non. Et... Ah, je regarde pas ça, moi. Non, 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 non. Non, moi, fais-moi. On regarde avec le cœur. On regarde avec le cœur, les amis. On touche avec les yeux. On regarde avec les mains. Wouhou! Ouais! 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 J'avais même pas marqué son nom jusque-là. Ah putain, mais quand il gueule, cet enculé là, il manque les oreilles. Oh la vache! Eh, c'est une très belle femme! Vous êtes très belle, madame! Quel travail sur la voix, sur l'acting. Bah, le pire, c'est qu'on la voit vraiment deux heures dans le jeu, donc bon, ça n'a aucun sens, mais bon. Oh, tout de suite. Eh. You took a chance on me when you hired me for this role, and in doing so, you have changed my life. Oui, très belle voix. Et Leonardo DiCaprio, on le voit deux heures. Je vous jure, je l'ai plus vu dans des montages à la con que dans le jeu. Oui, pareil. Et je l'ai plus vu dans les bons moments. Et tu sais très bien de quel montage je vous ai traité. Est-ce que par contre elle mesure 3 mètres? Bah, comme la. Ouais. La musique. Boum, 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 boum. Oula. Ah, c'est pas du vrai gameplay. Eh, vous faites pas avoir, c'est pas du vrai gameplay. Ouais, je t'enquête. Je t'enquête. Le jeu. Slenderman. Putain, c'est. C'est pas le projet Blair Witch, ça? Oh, attends, ils en ont fait 3 jeux déjà, non? On dirait Blair Witch. Celui de 2016, il a bidé de fou. Hein. Ah non, ouais, c'était pas ouf. On dirait Alan Wake. Ah, ça, Alan Wake, je connais pas du tout. On dirait Alan Wake de ouf. Attention, la caméra, tu vas te cogner contre le mec. Oh, oh, attends, c'est. J'arrête les taux. Ah non. Oh non, pas lui.
Non, c'est je sais plus quel. On dirait Jack Gyllenhaal. Oh, c'est trop stylé. Bradley Cooper. Ah, c'est trop stylé. C'est le. Non, c'est pas Bradley Cooper. On dirait l'acteur qui fait le méchant dans Death Stranding là et qui fait. Il ressemble à tellement. Ah, c'est lui. Non, c'est pas lui. On dirait Jack Gyllenhaal, Jared Leto et l'acteur qui fait le père dans Last of Us. Mighty. Troy Baker, merci. It's on us. Fiction leaking out into reality. Allez, faut rire, enregistrer. C'est la blague, quelqu'un peut traduire, s'il vous plaît. 10 years, over 10 years. Ça fait, moi aussi, j'aime péter dans mon micro pour ne pas partir. Dès que je fais une action sur Discord, je lâche des gros prouts. L'autre jour, j'ai installé Voice Mode et j'ai fait la voix de l'alien. Tout le monde était mort de rire. What kind of game are we going to get for the sequel? Can you tell us something about it? Yeah, kiss we are my fucking ass. This is going to be Remedy's first ever survival horror game. Oh. Our take on the genre. The first game had horror elements to it, but it was an action game. Yeah. And we feel that this is the perfect genre. Il est trop stylé, cet enculé, par contre. Bring together the story and gameplay closer than ever before, because the story, horror story, is at the very heart of this, and its psychological layers. C'est pas sa voix, c'est pas sa langue natale, Jean. En vrai, putain d'annonce, hein, c'est. Je vois bien. N'abusons pas non plus. All right, summer 2022. On se retrouve l'année prochaine. Sam, thank you so much for that. Hey, au revoir. All right. Well, now stylé, I'd like to welcome a comedian, writer, and a well-known chili dog enthusiast. It's Ben Schwartz. Wesh, la musique, la guitare. Yeah. Oh my God, ainsi midi, c'est qui lui? Les Américains. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, salut tout le monde! Oh le bide! C'est Norman, on va faire un petit sketch. Oh Reggie! Hey, salut à tous! Bon, je sais pas sur Facebook, mais Facebook il y a des POC qui ont invité. Non, mais il me dit un truc, c'est qui? Si tu sauves pas le petit panda, là il y a le mec. La voix dans le film Sonic? Ah bon? Ouais, mais il y a Sonic, ils en ont parlé. C'est Ricky Gervais. C'est Ricky Gervais. We really needed that. The good news is, so many of you loved our first movie that we got to make a sequel. C'est Sonic, c'est Sonic. And today, yes. Est-ce qu'ils vont parler de Sonic? Jean, va falloir bosser. Jean, va falloir bosser. Two other people at the end. Today, I brought with me the trailer. Ah, pour Sonic 2. Non, il va montrer Sonic. Il a ramené un CD. Applaudissements. Allez, DVD for effect. If this was the real trailer, I feel like we'd be screwed because there's no computer with a DVD drive anymore, so this would be like troublesome. C'est pas drôle, hein. Anyway, I can't tell you how about Sonic 2. So many incredible people are in this movie. We got James Marsden, Tika Sumpter, Colleen O'Shaughnessy as Tails, Idris Elba as Knuckles, Idris Elba, and of course the legend Jim Carrey. Ah, Jim Carrey de retour. Mais non. Mais attends, mais ils avaient pas dit qu'il y serait, Jim Carrey, à la soirée. Du coup, imagine, Jim Carrey, Idris Elba, and Kevin Durant. This is blank still. Let's roll the video, Jim. What do you say? Kevin Spacey. Hello, Ben. Putain, la vache, il en Oh, j'ai la chaîne de venir dans notre vieux, putain. Homme de merde. Et il va nous faire une Robbie Williams, ça, vous allez voir. Hey, before you see this exciting new Sonic trailer. De quoi mourir? J'ai l'impression qu'il est pas bien. Non, mais en dépression depuis 5 ans maintenant. Don't grate it in the grinder. Don't do it, son. Regarde, il est bloqué dans son personnage, c'est comme Bob Lennon. Grate it. By all means, grate it. Yeah.
Don't create it in the grinder. Fais-nous le masque! Le masque! Le masque! Comment ça peut la kermesse? C'est des rires forcés, hein, je le jure. Les rires sont enregistrés par contre. Oh, le pauvre, on dirait que marre un peu. C'est déprimant. Il y a un mec dans le public qui a dit timeout. On arrête, hein. Yeah, take it in. Stop. If you need to. Good. Rien que Carlo Esposito, il rigole pas. Hein. Okay. T'imagines un acteur médiocre dont personne n'a jamais entendu parler qui se fout de ta gueule. It is my honor to present to you the trailer for Sonic the Hedgehog 2. Ah bah, super. On voulait le voir. Moi, je suis venu pour les jeux vidéo et qu'est-ce qu'on me sort Sonic ? Ça fait plaisir. Oh mon dieu. Tu vas le refaire ou pas, Jean ? Ouais, évidemment, il est obligé. Attends, le mec, il a fait 10 000 viewers, c'est bon. 15 000 viewers. Mais bah voilà. On verra si je peux. Non, il n'y a pas si je peux, tu le fais. Tu dois faire la suite, logiquement, Jean, t'es obligé. Non. En plus, ils ont dit que ça serait pas un film sur Sonic. Ah, pourtant, il est là. Mais ouais, mais ils vont le couper, ils vont mettre autre chose. Hulk. Voilà, regarde, c'est vert. Oh la vache, c'est un film sur Peter Pan. Oh, il s'est mis chauve, l'enfoiré. Bah oui, bah parce que chauve, il est plus sexy. T'as rien compris, toi. Il est stylé comme ça. Brand new stash. Oh la vache, il est de retour, l'autre. Tu vois, qui me fait penser, genre, à Arnold dans le Batman pourri, ouais. Là. Ouais, je vois très bien. Il était pas dans le Batman pourri, justement, Jim Carrey? Si, il jouait Enigme. C'est qui lui? C'est Tails. Lui, je le connais juste parce que Super Con, il avait l'image avec les pieds là, de merde. C'est Tails. Le Smash. Trop mignon. Bon, par contre, c'est joli, mais bon. Mais et sans aucune vanne, le premier, il est bien au final ou? Bah, il est pourri. Un film de base. Bah, c'est un film pour les enfants en soi. C'est comme Détective Pikachu, quoi. Les vannes n'est pas le vraiment. Oh non, il est mieux, Détective Pikachu, quand même. Bah, à part quand je l'ai vu. Bah, moi je l'ai vu que via Jean et c'était les vannes qu'il a rajouté lui et ça m'a fait rire. Bon. C'était mon job. Bah ouais, il m'a fait rire. Oh y'a lui là quoi. Knuckles, Idriss Elba. Do I look like I need your power? Oh la vache, t'imagines tu te prends une patate. Ça, il est énervé, Knuckles. Yo! Mais salut les mecs, c'est moi le méchant, je suis méchant. Sonic 2. Non. Le hérisson. Oh la vache. Et hey, regardez, le 2 il a une queue comme Tails. April. On avait déjà vu le 2, non? Oh fucking good. Je regarderai jamais ce film, ça a l'air pourri. Oh yeah. Ma femme me trompe en ce moment. My wife being fucked in backstage. Ah, un trailer d'Horizon. Allez, c'est parti. My sister has been fucked. World Premiere, mais c'est pas une World Premiere, on a déjà vu le jeu. Hein. Ah ouais? Il ment un peu quand même, hein, Geoff. Ouais, petite merde. Peut-être du gameplay, je sais pas. Ou... On a déjà vu du gameplay justement. Ah, peut-être. Oh la vache! Un éléphant! Après, c'était stylé ce qu'on avait vu quand même. Oh la vache! Oh la vache! Il était hyper joli, hein. Eh, c'est sexy, hein. Bon, par contre, les transitions sont trop moches, là. Ouais. Mais surtout que... Parce qu'on avait vu, là, le trailer de gameplay, enfin, c'était même du gameplay qui était pas coupé, c'était... plus stylé que ça. Enfin... Oula. Oh, la musique. Ça rame chez moi, là. Oh, ça bug. Moi aussi. Oh stylé. Oh le serpent. Rise above all of... Rise of Skywalker. For Biden West. Il y avait une date ou pas? Je me rappelle même plus. Oh là là, ils vont faire de la musique. Ah. Allez. Hasta la vista, trou du cul. Hasta la vista, trou de balle. Oh la vache. Oh, ça c'est de la Castafiore, hein. Oh, Coleman au premier round, c'est le gars.
Il souffle où le mec là? J'ai jamais compris cet instrument. Bah, en gros, il y a une petite ouverture quoi. Enfin, je sais pas. Et il est à 5 mètres? Non, c'est fou. Mmh. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Horizon! Oh, oh la vache! Eh, hey, ils sont pas fait chier pour le Mais... Pas pleurer pour ça. Public, ça me donne envie de chialer, moi, perso. Allez, le public, frappez dans vos mains. Ah non. Lâchez quelques larmes. Ah, par contre, ça ressemble de plus en plus à un événement de merde. Hein. Je suis désolé, mais c'est... Pas folie pour l'instant. Ça fait oublier ce banger. Un classique. Personne n'applaudit les flûtistes. Ouais, quand même, hein, on a eu. On les emmerde. Déjà, on a eu Alan Wake. Comment il s'appelait le truc avant? Star Wars. Hellblade. Ah, incroyable. Incroyable. I was blown away by the farts. I was blown my dick in the back by some guy I don't know. Performance and trip to the United States. The beautiful Julie Alvin. Thank you so much, Julie. Aucune ressemblance, hein. Allez, Bartaras, espèce de vieille salope. Mais enfin, oh, Dirty Tommy, ah, mais du calme. Oublie pas d'avoir ton bras Spotify, hein. Qui dit ça? Oui, on le veut, hein. Qu'est-ce qu'il y a, pote? On a rien à prendre. On s'est juste la tête, là, j'en peux plus à ce connard, là. Oh, le blaireau. Allez, dégage, blaireau. On veut voir des jeux, Geoff. Non, mais attends, parce que... Va animer la roue de la fortune, blaireau. And I'm proud to introduce GT Gaby. Epic Gay. Cigarette Christine. Cigarette Christine, Fist Fast Furious. Call of Cthulhu. Mais 3 prime. Far Cry 3. C'est la sortie PC de FF7, ça. Non. Enfin, un jeu qui me plaît. Des belles femmes, belles femmes. Ou alors ils vont nous ressortir un pack, je sais pas. Ouais, si, ça va être sorti sur PC, il était temps. Bah, il y avait Epic. Attends, parce qu'il y avait. Il y avait Xbox aussi, je crois. Je t'ai rien demandé, hein. Je t'ai rien demandé. Oh, bah, si, tu m'as demandé, mon gars. La preuve est là, hein. Enfin bon. Ah, y'a des vidéos, y'a des VARs. Tu peux te la foutre dans le cul, ta PlayStation. Hein? Apparemment, j'aurais détourné assez d'argent pour une PlayStation 2. Hein? Ça bug pour moi. Hein. Non, là ça va. Let's go sur Epic Games. Oh, bah... Randall va être content. Décembre, oh, putain, c'est quoi ça? Comment il s'appelle celui-là déjà, Flygo là? Comment il s'appelle? Attends, l'île de qui cette merde? De qui? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fout? L'île de qui? Lui, c'est un rappeur un peu gênant, hein. Ouais, c'est genre humoriste, mais il pue la merde. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait Devolver là, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. C'est l'île d'Aïssi ou l'île d'Iki? D'Iki. Je connais pas. Hein. Bah, il est bien jeune. Super jeune. What do PC gamers actually want? I don't think it's that. They love brand new PC. Moi, ce que je veux, c'est que tu fermes ta gueule. On se l'a fermé. C'est gênant, hein. Franchement, ils font chier avec toutes leurs pubs de merde, là, toutes les 10 minutes, c'est chiant. C'est gênant, c'est chiant. Proactivity and a crime, man. When people think about Xbox, oui, là, du coup, sinon, moi, je suis parti ce matin. Ces mecs sont encore avec leur temps. Ces mecs sont hype. T'es in ou t'es out? Ça se voit, c'est des mecs qui sont in. Pour l'instant, je regrette d'être resté éveillé, hein, je vous le dis. Bien chaud pour mon truc. Ça fait 8 jours que je n'ai pas dormi pour cet événement. Ah, moi, je me suis recalé là sur un front. Là. Oh non, pas elle, pas cette. Ah, mais c'est. Comment il s'appelle l'autre là? À droite. C'est Cyril MP4. Non. C'est des mondes, le comic mortel est là. Le comic mortel. J'ai un nouveau jeu qui n'est pas encore sorti dans ma boîte aux lettres. Un jeu vidéo exclusif que j'ai volé du... C'est tellement ça, putain. Game Pass. Je suis choqué au ralenti.
Oh, mettez les codes, les gars. Ouais, mais j'ai déjà le Game Pass. Ah, mais là, c'est mort, c'est mort, c'est mort. C'est déjà le Game Pass. Allez, le Play Store. Personne ne l'a. Mec, il y a 400 000 joueurs. Oh, c'est bien fait les animations. Hey, on dirait pas les animations qu'on a regardées là, Jean. Si, mais désolé, moi j'ai un iPhone. Eh hey, oh, j'ai un iPhone. Moi aussi, hey, attends. Wow, oh, j'ai des frites, je suis pas pour. iPhone. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Oh, Genshin Impact, Jean. C'est pour toi. Alors non, parce que du coup, je vais pas être. Jean, pardon. Et moi alors? 400 heures. Oh, allez, c'est pas possible. Oui, bah oui, non. Oh my god. Nintendo Switch. Banger Mario Golf Super Rush, hein. J'ai revendu, hein. C'est pas vrai. Encore une annonce qui fait trembler mon écran. Oh, les voisins Sun, ils veulent se joindre à la partie. Oh, toc, voilà. Non, mais Mario Party, sérieux. Metroid Dread. For playing. Nintendo. Une compagnie. Oh, mais fermez vos putains de gueule, on s'en bat les couilles, putain de gomard pourri là. Non, bonjour, on va parler. Ah, mais j'ai gagné quelques tournois sur CSGO. Non, franchement, c'est triste. Ma mère, elle était morte, écrasée par la coupe. Je préfère garder mes larmes pour des sujets un peu plus graves. Je sais pas si demain j'entends par exemple à la radio. Quoi ? Encore 200 morts au Darfour ? Là, je vais peut-être avoir envie, tu vois, de lâcher quelques larmes, mais excusez-moi de garder mes larmes pour des sujets vraiment plus graves, si de. Oh, la rêve de vous, putain. Je l'ai. On a rien à foutre de son histoire pourrie, là. Laissons Luffy pour les streams Twitch. Session, créateur C. Quoi? Prem Gaming. Oui, on connaît. On l'a vu, hein, les cons. Prem Gaming. Nouveau mois, nouveau jeu. Football Manager 2021. Et YouTuber Vine, voilà, et plein d'autres. Oh, ça continue, les gars. Ah, enfin. Qui ça? Ça va jamais s'arrêter ou quoi? L'acteur qui? C'est qui ça? Ah bah, c'est le mec de Shang-Chi, non? Ah, c'est Shang-Chi. J'espère, les gars. J'espère. Pour vous. Non, mais je crois que c'est lui, en plus. Je crois que c'est lui, hein. Je croise les doigts. Oh, yeah. Oh, yeah. Ok, ça va, les gars. C'est bon. Il est beau gosse, en vrai. Hein. Ouais. Eh, enlève ta veste. Oh, shoot. Putain, dans le public. Hey, on te voit bander, là. Il porte sa bite sur la droite, hein. On la voit dans le smoking. Eh, hey, c'est pas comme les pornos asiatiques, y'a pas des pixels dessus. Oh, regarde-le comment il bouge sa jambe pour être. Ah, c'est pas. Oh, il fait genre de jouer un jeu sur scène, c'est pas drôle du tout, putain de merde. Putain, je joue à Clash Royale, bordel. Ouais, les gars, je viens de découvrir un nouveau jeu super. Regardez, oh, je suis passé niveau 10. Alors, les gars, je vais allumer devant vous, regardez-moi ça. Oh, putain. Clash Arena. Il y a vraiment des gens qui filment ça. Ouais. FK Arena, c'est parti. Bon, potent, c'est un petit combat. Allez, c'est parti. On va faire un petit combat, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il est bien, ce jeu. Quoi, je joue, là. Pourquoi il y a Angèle? Mais dites-moi, je peux pas comprendre. Non, pardon, je rigole. Best action game. Alors là, qu'est-ce que ça va être? Back for Blood. Attends, mal. Pas mal, je me suis bien amusé. Moi, j'ai voté Chivalry. C'est vrai que Chivalry mérite plus. Ah. Bah, j'ai pas joué, ça c'est Théo qui peut le dire. Non. Oh, si c'est Far Cry 6 qui gagne, oh, c'est... Oh non, mais nique ta mère par contre. Bon, qui c'est qui met ça là? Ta gueule. Returnal. Ah, j'espère pas que c'est Far Cry 6 qui gagne. Bon, on a compris, Tavan. Hein. Sorry. The Game Award for Best Action Game goes to... Chivalry 2, s'il te plaît. On l'a dit qu'il était gênant, hein. Returnal. Oh, genre. Alors là. Bah, en même temps, il y a eu un Kirby Play dessus, hein, donc. Ah oui. Je veux dire, Astérion l'a fini, donc c'est. C'est vrai, je me rappelle même Jean qu'au début de la vidéo, il va l'acheter au Carrefour et il y a quelqu'un qui lui donne conseil dans le Carrefour. Et lui dit, ça c'est un jeu difficile, il lui fait, ah ouais,
Oh bah dis donc, bah alors là je pense que je vais sûrement passer des sacrées heures sur dessus. Ah, il le fait trop bien ce truc. Et en plus de ça, wow. Je l'ai eu à 49 au lieu de 51. La belle affaire. J'ai frappé une gosse pour l'avoir, mais bon, ça valait le coup. Ah non. Ah, mais du coup, c'est Sony qui va gagner tous les awards. C'est toujours même pas le même Helsinki, Finland. Our incredible partners who helped us build Returnal, our amazing partners at XDev, represented by Pedro, and everyone at PlayStation. We're so grateful we could build a game like Returnal. Je commence à fatiguer, vous gars. Donnez-moi du pain. Putain, moi aussi j'ai envie de pioncer. Donnez-moi du pain. Levez. Donnez-moi quelque chose à mettre sous la dent, quoi. Donnez-moi American. Le micro est là-bas. I am a real American. Wow. World premiere. Encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Starcraft la 4. Ah, oh, c'est des vraies images. Non. Non. Ça se voit que c'est de la 3D. Et toi, t'es complètement con, mon gars. Tu peux te taire. C'est des vraies images, je te dis. C'est de la 3D, il est con. C'est un film. C'est un film réel. Oh, c'est Destiny. Crysis 4. Oh, c'est Outriders. C'est... Ah mais oui, Outriders, je m'en rappelle. C'est quoi ça? Spam. Il y a un micro qui bug là, je sais pas qui c'est mais... Oh, contrôle pas tout de suite. Qu'est-ce qu'il se passe? Y'a ton micro qui fait... Comme ça. Non. Ça a l'air d'être Destiné, ouais. Non. Attends. Si, c'est ça. C'est moi qui bug là. Non, c'est pas toi. Bon, on commence à comprendre Destiny. Ouais, hein. rien de polluant là. On se fait lyncher. Oh là là, le stream qui lag là. Destiny 2, moi je me suis bien amusé, n'empêche. Bah moi, à chaque fois que j'ai voulu jouer, j'étais tout seul, donc ça m'a fait chier vite. Ouais, voilà. Mais moi, à partir du moment où c'est devenu gratuit, j'ai commencé à y jouer. Et je me suis bien amusé. Non, mais c'est pas mal, tout n'est pas acheté, mais le scénario il est inintéressant, le lore est pas ouf. Bah, ça fait penser à Warframe, c'est un peu dans le même genre, quoi. Ouais, c'est vrai. Par contre, Warframe, il paraît que c'est bien, hein. Bah ouais, apparemment. Aussi, Bah ouais, niveau gameplay, c'est assez bandant, parce que les mouvements, ils sont assez tarés. Tu peux te déplacer de façon... Ouais, a... Bon, faut pas abuser, les gars, j'ai la fibre, là. Oui, bah écoute... Pas dire ça, et... pas dire ça à l'Oclear en train de ronger. Non mais c'est câbles. Trop chiant là par contre. Et hâte qu'ils privatisent des locaux pour y jouer avec plein d'ordi là, avec Zerator au moment et tout là. Devant un décor et tout. Ça c'est du vrai, ça c'est du vrai connard de gens. Moi j'attends le petit jeu de mots hashtag ad à chaque fois. Hashtag ad, c'est pour rigoler. Est-ce qu'ils vont inviter Zod? Est-ce qu'ils vont Lad déconne en live sur Destiny 2. Les gars, désolé, mais mes prochains tweets seront que du hashtag. Désolé. Désolé, les gars. Pour la MIFA. Je suis pauvre, n'est-ce pas? pour mettre la daronne à l'abri. À l'abri, si je puis me permettre. J'arrête. Excellent. Bon, bah, merci. Bon. Ah non, c'est juste un DLC en fait. Oui, c'est un DLC. Et ce qui casse les couilles, c'est que Geoff, à chaque fois, ils se sont obligés de mettre le world premiere, même quand c'est des trucs dont on s'en fiche un petit peu, quoi. Laisse, il parle là. Merci. I want to announce my next game awards, and I'm so honored to have this opportunity to present this global announcement. L'ampleur de carité. J'ai mis en x2 les gars pour vous rattraper parce que. Oh, Silent Hill. Là, par contre, tout le monde ferme sa gueule. Ah, c'est vrai qu'ils ont lancé leur propre studio. Alors là, j'attends beaucoup de ça. Mais tu vas la fermer ta gueule. Oh putain, me fais pas répéter, genre. Fais que parler pendant. Oh, c'est pas beau. On s'en fout, c'est l'ambiance qui compte. Hey. Oh. Oh, la musique.
qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, on aurait dû. Qu'est-ce qui s'est passé là avec la musique? Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont mis ça d'un coup? On a clim! Pourquoi c'est devenu le morning live d'un coup là? Mais on est où? On est où là? Oh la vache, c'est le stream! Qu'est-ce qui se passe? Ça change d'ambiance toutes les deux secondes là! C'est le rewind du stream! Ah! Slitherhead. Oh putain! Et en plus, c'était Dr. Kawashima qui s'est fait agresser dans la rue là! C'est quand même Akira Yamaha. Non, c'est Akira qui fait ça! Eh, moi j'ai cru que ça allait être. Faut se reposer, hein, Akira! C'est dommage! Eh ben. Moi j'aurais pas de mine, hein! Bon bah, on n'y jouera pas, hein! Enfin, on verra. Aïe aïe aïe! Pierre Conte a bien raison! Yeah! Speaking of just that, we have another brand new game to announce from a studio comprised of many industry veterans. Check this out. Putain, il enchaîne là! World Premiere! Tu fais plaisir, Josh! J'en ai plus rien à foutre d'animé, allez, regardez! Alors, Fable 3, Fable 4. Oh putain, c'est pas. Non, pas du tout. Là, c'est vrai qu'ils avaient annoncé Fable à la Xbox. Voilà. C'est pas le truc dont tu parlais tout à l'heure. Mega Mind. C'est pas beau. Attends. What the fuck? Elle va faire quoi? C'est pas le jeu dont on parlait tout à l'heure, Jean? Je ne sais pas. En mode western, FPS. Mais si, Remnant from GHS, c'est ce que je dis. Non, c'est pas ça. Mais... Non, c'est pas du tout ça, mais je veux dire, c'est pas moche, hein. Bah, les décors sont stylés, mais le chara-design... Même le monstre, les monstres sont stylés. Ouais, mais tu vois, la tête, on la verra pas visiblement dans le jeu, ça va. Ah, mais si, c'est ça. Welcome to the land. C'est Remnant of GHS. Non, je crois qu'on parle pas du même truc, Jean, mais... Ouais, j'aime bien l'univers, en tout cas. C'est vrai que c'est joli, hein. Uniting the lost survivors. Musique est propre aussi. Oh, c'est un jeu de survie. Oh ouais. C'est Valheim. Valheim, classique jeu. C'était vachement bien amusé. Ça vient de faire du. Eh mais ça m'a l'air pas trop mal en vrai. J'aime bien. Oh c'est géant, il peut. Mais c'est Valheim en. En beau, ouais. Enfin en plus beau. Après le style de Valheim est. Oh j'aime bien aussi, c'est juste que c'est différent quoi. As long as we stand together. Ah la vache. Our journey will unite us. Bonjour. Nous sommes Nicolas Sarkozy. En plus facilement justifier le multi avec des histoires de portail. Moi j'aime bien. Ah ouais. Waouh. Oh, propre. Nightingale. Président, je jouerai à Nightingale à l'Elysée si j'aurais la possibilité. Moi j'ai hâte de jouer à ce jeu parce que ça a l'air complètement dark. Ça a l'air très bien ça. Écoutez, love brand new IT and join me now is Aaron Flynn from Inflection Games. Vous allez me laisser tranquille et je vais payer là, parce que je dois à mon procès, d'accord? Pourquoi je m'énerve, Carla? What kind of game do we get here with Nightingale? Oh, well, thanks, Jeff. Yeah, so it's a survival crafting 66. Game, a shared world idea, so we want to bring players together. Ça a l'air cool, ça. Putain. J'ai une manguille complète. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle The Nightingale qui est super top. C'est le mec qui fait de la pub. Est-ce que quelqu'un peut le checker ce qu'ils ont fait déjà, les développeurs, dans le chat? Inflection Game. C'est des anciens d'autres boîtes, apparemment. C'est real gameplay footage, so people play it next year. Yeah, absolutely, yeah. So we're going to be in early access next year on PC. Aïe, early access. Ça fait peur. playnightingale.com. Amazing. All right. Well, thank you for that announcement. A nice surprise for the Game Awards. And tonight, we've got much more coming up, but we're also going to introduce you to our Survivor Crafting Game. Ouais, mais l'univers est cool, j'aime bien. Mais le fait que ce soit en FPS, je trouve ça cool. You can see the full list at thegameawards.com tonight. We're also partnering with Google Play to have our future class mentor the next generation. Et on se lance un nouveau banger dans Radio Ego. Female representation in gaming. For the next 12 months, a selected group of teenagers will receive hands-on guidance from last year's future class as mentors. Tu parles vite, Geoff. Meet one of the new members of our future class. C'est ce que c'est, hein. C'est
écrit beaucoup. Ok, guys, cookie, que Claude. Oh, là, je vois ce que. Allez, on s'en fout, putain. Et de la pub, et de la pub. Je n'irai pas sur son putain de chat. Oui. Hein? Il utilise voice mode. Oula. Qu'est-ce que tu fais, monsieur? Il utilise voice mode. Pourquoi il y a une photo de lui en l'armée là? Mais peut-être parce qu'il a fait l'armée. Voice mode. Ah, mais Gillette. Ah, les gars, Gillette. Il met sa voix en écho. Salut. Comment ça va? Salut. Oh, qu'est-ce qu'ils ont l'air cool, les mecs derrière qui font du. C'est quoi ça? Beat Saber. Ah là c'est un banger. Tu vas voir, pota. Peut-être qu'ils vont annoncer des nouveaux bangers dans Beat Saber, c'est tout. Romeo Elvis dans Beat Saber, c'est parti! Il est bien ce son. Voilà, c'est Sardoche qui va. Attends, mais il est incroyable le son là, c'est quoi? C'est Lady Gaga, c'est incroyable ce album. C'est Lady Gaga ça. Mm-hmm. Ah. Tu montes pas, c'est que les joueurs de Beat Saber, il y a du bordel, des bouteilles d'alcool à côté. Hein, il y a des grosses taches de sperme sur leurs shorts, hein, les joueurs de Beat Saber, mais je dis ça, je dis rien. Oui, bah moi aussi j'ai des taches de sperme. Le mec les défend. Ouais, ça va. Hein. Rian Carlo qui se lève dans la salle, il fait et moi aussi j'en ai, moi aussi. Oh, Gogoum. Ah oui, mais Gollum, ça a l'air rincé au possible dans le jeu. Ah ouais, attends. Regarde. Je mets plus fort. Oh, il est bien cochi. Oh, il attends, a fait, on voit pas sa tête, on va voir sa tête. Oh la vache, les yeux. Oh, il est toujours. Non, c'est toujours pas bon, c'est toujours. Mais pas c'est bon. Ratatouille. Oh, qu'il est moche. Ouais. Mais c'est pas bon, putain. Le truc, oh, ça a fait comme Sonic. Ça a fait comme Sonic, ils auraient pu sauver un peu là. Ils l'ont pas fait. Mais c'est immonde. Bah, je sais pas, hein, peut-être le jeu sera bien. Bon, précieux. Oh non, ils avaient montré du gameplay, mais c'était terriblement laid. Hein. Ouais, c'est vrai. Il y a pas grand chose en plus là. Si ça tourne sur Switch. Ouais. Oh, Grubhub. Ah bah oui, parce que les gamers ils commandent toujours de la bouffe. Hein. C'est vrai. Regarde, arrêtez avec vos fausses mises en scène. J'ai envie de lâcher une énorme caisse sur le Discord là. Oh, c'est une merde là. Et je me fais les bruits de la bouffe et c'est parti pour le gaming. C'est FF14. C'est quoi la merde là? FF14. Oh, je mange une grosse pizza, énorme. Mmh. Elle joue bien le rôle du. Oh, il y a une emote pizza les gars si vous commandez sur Grubhub. Ah ouais, cool. Super. Déjà, tu connasses, tu saurais qu'on peut pas manger la pizza parce qu'après on met du gras sur le clavier. Bien dit ça. PUBG. 5 jeux. Ça, Terra, il va être contre. Oh, Terra, on peut plus sélectionner sa map. Terra va se défoncer la queue. J'ai acheté le jeu, j'y ai joué une fois. Peut-être une nouvelle map. À chaque fois, Terra il joue avec Wankil à chaque à fin de live. Il dit ah ben on pourra plus jamais jouer. Vous nous snipez comme vous avez stream hack. Enfin bref. Ah bah c'est fini. Le jeu est excellent. Hein. Le jeu est excellent. J'ai joué 20 minutes. Alors, il a jamais vu Forcini jouer. Hein. Un PUBG. Ah, Forcini il est courageux. Là c'est terminé, bah franchement j'aurai plus à Lidou, hein. C'est comme ça. Eh ben la semaine prochaine vous savez quoi, Aventure Valheim, vous l'aurez mérité. Comment free to play. Mais j'ai payé. On l'a payé 30€ avec Jean, c'est parti, 30 balles. Ah bah attendez, moi aussi j'ai payé. Ouais mais ça va, ouais mais ça va, ça date de il y a 4 ans. Ouais elle est de retour. Ah, elle est pas dans les cagons. J'ai pas été invité donc j'ai volé le flux de live. J'ai stream hack Geoff en vrai. Qu'est-ce que tu dis de ça, Terracide? Allez. Attends, mais elle a juste. Mais tu. C'est quoi cette meuf là? Je sais pas du tout à quoi ça sert. Non, ça sert à rien. T'es moche. Oh. Hey Geoff, tu pues. T'imagines. Il est un peu joli quand même. Hein. Vous il est êtes un peu dur. Hey, vous êtes dur. Pourquoi personne fait de blague dans le public? Genre ils sont complètement nazes quoi. Oh. T'inquiète que Kenny Reeves arrive. C'est le nouveau jeu de Playdead ça, non? Oh si je crois, oui c'est bien. C'est ah non, c'est le truc avec le daron, son fils et sa femme là qu'on avait vu à l'E3. Parce que vraiment ça prend le Playdead hein. Ouais, c'est vrai. Ah si, c'est le jeu de Playdead, c'est sûr. Oh là là.
Il a l'air d'être incroyable. C'est les mecs qui ont fait Limbo et Inside. Après, c'est peut-être pas ça en vrai, je sais pas. Mais ils avaient dit que c'était un truc de délire d'exploration spatiale ou je sais pas quoi, donc... J'ai joué à aucun des deux. Bah c'est ça, hein. Oh putain. Non, je suis pas sûr. Non, c'est pas ça. C'est le jeu dont je parlais justement, avec le daron qui recherche sa femme et son gosse. Mais ça a l'air cool. Oh la vache, attention mon gars. J'aime trop les jeux comme ça, moi. La musique est pas mal. Les jeux poétiques. Somerville, voilà. J'aime bien le style graphique. Moi aussi. Pas mal. À c'est pas moi, je déteste, voilà, ça y est. J'espère que je le trouverai complet en Carrefour. I cannot wait to fart when the next trailer is showing up. Allez, un autre petit concert, les gars. Let's go. Oh, le lever de rideau. Voilà, c'est quoi, Asbestos? Bah, non, c'est pas ça. Cuphead. Ah, c'est Cuphead. Putain, y'en a qui s'est énervé là, je sais pas qui, mais... Ouais, mais joué les... Cuphead. Mais c'est Cuphead, est incroyable, hein. J'aime trop Cuphead. Et t'as déjà joué à Cuphead? Oui. Je l'ai fini. Il est trop bien, ce jeu. Mais j'y ai pas joué. Qu'est-ce qu'il y a, Flygo? Me rend la cape de pota, là. C'était raciste, ça. Putain, il fait des couilles, c'est tout cuisé. Mais arrête. On dirait CJ. Attends, Terra, Pota, l'Estera, on fait face to face, l'Estera. Ah, c'est pour ça que ça dure 3 heures en fait, c'est parce qu'il y a des musiques. Les deux, ils sont là ce soir. Ouais. Là, qui est Terracine, les gars. Ouais. Vous les aviez demandé, ils sont là. Ils ont laissé un petit message. Hey, Terra, c'est grave. Par contre, j'ai jamais entendu cette musique dans Cuphead. Hein. On dirait qu'il est là. C'est un DLC. Oui, c'est Terra. J'ai commandé un dernier jeu à la chasse. Bon, j'ai pris un cheese nan et un chicken butter chicken. Là. Bon, c'est super. Hein. Rémi, tu m'avais dit que le butternut four à la chicken était pas bon. Regarde, bouge la tête. Regarde, bouge la tête. C'est Terra, il est là. Essaye de zoomer, Flygo. Sur la photo, ça marche pas, j'ai l'impression. Je suis dans le cockpit là. En route vers le fun. Je suis des cockpits. Non, c'est moi ça. Si ça annonce le DLC. Non. Bah non, non, désolé, non, c'était... Flygo. Les gars, désolé, c'était une vanne, Terra n'est pas là. Désolé. Si mais non, rien faire. Le DLC pipi caca. C'était nul, on a rien écouté. Oh oh oh. Peut-être une annonce, Flygo, au final. Ah, un Cuphead 2. Non, Cuphead DLC, je sais qu'on attend. Le DLC qu'on attend, que j'attends. Mais ça fait 2 ans, non, que le DLC, il est... Ah, ouais, Oh, c'est trop... Ah, c'est super. Ah, j'adore, c'est génial. Ils sont forts, ces enculés, hein. Moi j'adore ça, ce genre d'année. Ouais, bah, je l'ai entendu, mais moi aussi j'adore. Ça a été tourné dans le bain de Flygo, hein. Oh non, c'est dans mes toilettes. J'ai pas de bain, j'ai une douche, ça marche pas. Eh, ça a été tourné dans mes toilettes, attention, on va voir ma bite. Ah, regarde. Trop cool. Chaussure de merde. Oh là, les gros. Oh, les arpions. Trop bien. Putain, les mecs, ils s'occupent des... Oh. Trop fort. Oula, ça a bugué, là. C'était un hommage à René Malville, hein. Putain, c'est vachement bien fait. Oh, les effets à la con là, j'aime bien. Ouais, moi aussi. Ah, j'ai trop hâte de m'énerver, hein. Bah pourquoi? Bah parce que le jeu est énervant, mais il est trop bien. Comme Dark Souls, c'est le mec. Parce que par exemple, moi je joue à Dark Souls. Mais tu sais, genre... Oh, y a Saltman. Je me rappelle des lives du matin de Flygo, je l'ai regardé. C'est bien. Ah, c'est vrai que tu jouais le matin. Ouais, bah attends, mais ils se sont tués de ouf avec l'animation là, c'est trop bien. Ouais, ça tabasse. Oh la vache!
Un man avec une épée. Oh le boom là. Oh les fausses flammes, Théma là, juste avec le vent qui tourne. Ouais, il pète. Oh, oh c'est loin. Ouais. Ah ouais. C'est... Let's go. Ils mettent le temps, hein, la vache. Bah, y a que ça qu'à dire et c'est une super promo pour un jeu. Bravo. Très bien, très bonne nouvelle. Ouais, très bon travail. We have a date, June 30th, 2022. Oh là, il a le Covid, Geoff. Geoff, you saw the trailer for Sonic 2, the movie. Bonne surprise. Now it's time for the little blue guy to give you a glimpse at his next game, also coming in 2022. Ah, bah, nouveau jeu Sonic. J'espère que ce sera un banger, hein. S'il vous plaît, pas en 2D. Sonic, un bon Sonic jeu 3D Sonic. Sonic Pitbull. Sonic a perdu son pouvoir et court pas du tout vite. Sonic FPS. Sonic a perdu ses chaussures. C'est Skyheart qui lui les a prises. Oh my godness. Sonic Pinball, putain. Skyheart a perdu sa chemise. Sonic, il y en a une nouvelle. Oh mon dieu, Sonic est face à une falaise. Oh la vache! Il va c'est se un open world! Ouais, c'est joli! Oh, attendez, hein. Pour l'instant, on dirait un fangame qui a été fait sur Unreal. On dirait, bon, on dirait un Zelda avec un mode Sonic là pour l'instant. Oui, bon, après tous les jeux qui sont sortis après Zelda, on dirait des Zelda. Oh bah 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 Frontière. Ah bah ok, bah pas grand chose quand même. Ah ça c'est un jeu crémi, le gros robot qui arrive, le gros robot. Attention le robot. Oh la vache. Docteur Manhattan. Docteur Mamour. Sega. Docteur Roubaix. Sega. Attends mais ça... Oh il est là. Non. Ah Bondo. Le meilleur pote de Julien. Oh c'est mais... Hideo Kojima. Oui, c'est moi, oui, c'est moi. Écoutez. Attends, j'espère qu'il annonce son prochain jeu. Non, il est pas là cette année. Non, mais attends, il a forcément une surprise. Oui, bah non, ça, il va en parler dans ses bah non. Oh non, il présente Guillermo. Non, mais il fait la pour le film de son pote. Non, mais par contre, il est super. Hein. Enfin, le trailer est super. J'ai pas vu le trailer. Ah, déjà, il y a l'autre magnifique. Déjà, William Dafoe, il est exceptionnel. Oh, il y a l'autre là qui ressemble à un gorille. Il fait trop franchement, peur. Franchement, je trouve qu'il donne très envie. Oh là là, c'est joli. Tu sais, cet univers cirque là. Mais il est trop fort, Guillermo. Bah franchement dans la forme de l'eau moi j'avais ça me fait penser un peu à Big Fish. Ouais bah moi ça me fait penser beaucoup à la saison 4 de la HS, parce que... American Horror Story. Bah ouais. J'ai pas vu cette saison là. Bah elle est sympa hein. Ouais bah c'est Guillermo, il va t'exciter une claque à ton... Oh la vache. Oh William Dafoe mais le... Non, William Dafoe, c'est grand. Et comment il s'appelle l'autre, Ron Perlman? Oh là là. Ouais, c'est ça, Ron Perlman. Il a une gueule de fou ce mec. Hein. Ah ouais, il a une. Ah, là, franchement, je l'attends ce Guillermo. Ouais, moi aussi. Ah bah, ça a l'air très très cool. Salut, salut, c'est Guillermo. J'ai bien mangé. Maintenant, on bah... Ah, il parle de Death Stranding? Ah oui, ils sont trop sus en fait. Ah oui, mais ils se kiffent les deux. Hein. T'imagines, t'as un pote qui fait des jeux vidéo et toi qui fais des films. I love the art direction in Silent Hill. I hope we get a new. Ils se heurtaient entre eux hein, sur Twitter. Ils sont pas aimés. Ah, il a dit, j'espère qu'on aura un nouveau Silent Hill, Guillermo. Je suis pareil comme toi. Faudra peut-être te bouger le cul, Hideo, mais bon. Hein, je savais pas. Là, faut arrêter de me sucer la bite. Elle est bleue. Bleue. Ah bah enfin il y a un award, ça fait pas 40 minutes là. Je crois que ça fait 30 minutes ouais. Eh moi ma bite elle est bleue justement. Voilà. J'en parlais avec tout à l'heure. Ça l'a fait hein. Jack and Dexter. Oh bah ça j'en ai pas entendu parler déjà. The winner is. And the game award for best art direction goes to. Deathloop tu penses? Deathloop. Bah ouais. Bah ouais. Deathloop. Ah okay. C'est des Français, c'est des Français. Bien joué, bien joué. Ok franchement top. Ok guys, ok guys, top game. C'est des lyonnais. Ah c'est propre en vrai qui gagne un truc. Ça fait zizir.
Et on est là, les Français. Hein. Super weird, because last night I made the bet that Diamond et Toro will be giving this award, so... This is awkward. Hello guys. Il s'appelle Michel. Apprends à parler anglais. Michel très mouillé. T'es nul. Thanks to the Game Awards, I now have a flashback of when I was studying the 60s era by watching. I was eating an omelette au fromage and then it was awesome. I was like, on my baguette and then the fromage fell on my head. Sacrebleu que je me dis, je l'ai pourri. Encore sur l'affaire. Pourri. Our players seem to really appreciate it. Tonight, I'm proud, ladies and gentlemen, and I think the guys across the ocean at Arkane are really proud too. Thanks to them for this fucking cool adventure. Thanks to my long time art buddies Damien and Jean-Luc. Faut arrêter les réenregistrer. Well, thanks you, bro. We did it. Thanks we to the great people at Bethesda, Sony and Microsoft. Il est en train de niquer l'ambiance là, c'est mon avis. On s'en va. Arrête de tisser. Eh, ta chemise va pas du tout avec ton froc. Et la cravate, n'en parlons pas. La cravate va pas du. Eh, si la cravate est en accord avec la ceinture, donc là il a. Cocorico s'il veut, mais bon. Bien joué les Français. Embrassez-vous, allez dégagez. Allez, cassez-vous là, les Français de merde. La mentalité française me dégoûte, hein. On s'empêche tous de dire. Ici, on brûle des Lamborghini, alors qu'aux États-Unis, ils nous accueillent. De quoi ? Les Lamborghini ? Lamborghini. Mais c'est à l'Infinite. À l'Infinite, hein. Player Voice, Forza, Halo. Le jeu est sorti aujourd'hui, hein. Bien joué, les gars, d'avoir voté pour Halo. On a... Ah, il enchaîne. En gros, là, ils font vite. Allez, ça, on en a rien à foutre. Cyberpunk. Tales of Arise. Oh bah. Eh voilà, j'en étais sûr. Cyberpunk. Mais comment tu sais toi, Cyberpunk, s'il vous plaît. Quoi, version 1.2.2 ? Quoi ? Ouais, mais c'est normal, t'as vu le public aussi, c'est bon. Bah oui, bah c'est moi qui ai voté. But first, let's hear from fans and creators themselves on who they want. C'était le seul truc travaillé du jeu. Oh, YouTube Shorts. Was your... Oh, j'espère qu'il y a un extrait de la chaîne clip de Pota, j'adore. Sonic Breath of the Wild. Tu sais qu'ils ont commencé à me bloquer les commentaires, hein, ces petits pourquoi chiens. Là. Ah, tu leur demandes. Il y a quelques clips française problématiques. La modération française qui brûle des commentaires. Right. Here are the nominees for content creator. Ah, ça enchaîne là. Ah ouais, c'est bien. On s'en fout. Goal! Goal! Les gogo! Les gogo! Le gros! Pourquoi Dream? Here are the nominees for best multiplayer game. J'avais montré au chat que j'avais voté Dream parce que c'était le seul que je connaissais. Ils m'ont dit qu'il avait triché sur un speedrun. Logique, il tech tout. Bah oui. On va aller encore. Joseph, viens parler. Oh putain. Eh putain, c'est Donald Radio. Salut à tous, c'est Titeuf. Twitch streamer, Ariel Powers. Oh non. Ah bah, elle a une bonne caméra. Austin Power. Here are the best mobile game presented by Verizon. Ça, on s'en fout. Hein. Elle prend les catégories de merde. Ok, tu vas présenter cette merde. Best fromage en sachet. The winner is there, the winner, guys. Love. Cœur. Les meilleurs dans le chat du monde. Cœur dans le chat. F. Pedo Power. Genshin a gagné cœur, s'il vous plaît. Spammez les cœurs. Quelques petites émotes à s'il vous plaît. On va voir des jeux vidéo là. On s'en fiche, on a compris. Moi je serais Cyberpunk, je viendrais m'excuser. En vrai, je comprends pas. C'est ni Replicante qui a gagné pour Best Score and Music alors que. Un échangeant. C'est quand même le seul truc travaillé du jeu quoi. Ah non, tu sais ce qu'ils ont fait ? Ils ont amené Keanu Reeves pour qu'il s'excuse. C'est ça qu'ils vont faire. Ah, c'est vrai que Keanu il est censé venir. C'est moi qui lui ai dit de venir. Tu le connais personnellement, Jean ? Attends, je lui dis oh Keanu, ça va ? Et il a dit yeah. Tu es à me couper le souffle. Mais il va se la fermer, j'en peux plus. Mais il arrête pas de parler cet enculé. Oh, ça y est, ça parle de politique. Ah, mais je vous crois, les gars, par rapport à Nier, y'a aucun souci. Oh non, ça parle de politique, j'ai pas envie, allez. Alors, Emma Stone, le gros boudin. Et là, il reste
Ah bah on a fait la moitié presque. Même pas la moitié, putain. C'est... J'ai l'impression que ça dure tellement longtemps depuis le début, la vache. Sérieux? Ah oui, Lego, regarde la taille de ma main. Je commence à être fatigué. Qu'est-ce que vous retenez pour l'instant, les gars, là, depuis le début? Star Wars. Star Wars. Hellbound. Hellblood, là. Hellblood. Hellblade. Hellblade, Star Wars. Ouais, Alan Wake. Et moi, le jeu que. Ouais, Alan Wake m'a bien hypé, hein. Ouais, moi, la nuit, je connais pas. Et même le Cuphead. Ouais, c'est vrai, Cuphead, en vrai, ouais. Ça dit quoi dans le chat à la nuit, Star Wars? Parce qu'ils ont fait une super promo, là, pas comme toutes les autres. Moi, vraiment, le truc qu'on avait jamais vu, là, le jeu de survie en FPS. Bon, je sais très bien qu'on va y jouer 10 heures et après, on va plus jamais y toucher. Mais PUBG Mobile, sérieux. Mais tu déconnes, mais PUBG Mobile, c'est l'un des jeux mobiles qui marche le mieux. Je comprends pas. Je crois que ça marche vachement bien en Asie. C'est trop technique pour jouer sur un téléphone, genre. Mais ça, c'est parce que t'es... Quoi, du robot, mais non, c'est quoi cette merde? Non, mais ça va pas sur téléphone. Tu sais, le truc du... Le petit rond qui s'affiche en gros sur l'écran pour tourner. Ouais, mais tu sais qu'il y a des gens qui sont 100 fois meilleurs que sur mobile que, que sur PC. Hein. J'avais vu une vidéo d'un gosse qui jouait sur mobile à Fortnite, il était incroyable. Hein. Mais sur un téléphone, à AMI, je préfère jouer à des trucs, je sais pas, Clash Royale et tout. Là, ah oui, oui, moi c'est pareil. Moi aussi j'aime bien jouer à Clash Royale. Et est-ce que quelqu'un dans le chat peut vérifier qui c'est qui joue l'acteur dans Alan Wake 2 là? Parce que j'ai des doutes vraiment. Mais non, mais personne t'a demandé. Personne, toi non plus, t'a demandé. J'arrive pas à savoir si c'est Bradley Cooper ou si c'est Troy Baker en fait. Non, Bradley, je pense que c'est un trop gros acteur pour ça. Il y a des gros acteurs maintenant qui font des jeux. Hein. Bah ouais. Hein. Par exemple, Norman Reedus. Baker, il faisait le 1. Enfin, Norman Genius aussi. Il faisait Alan Wake dans le 1. Désolé. Alors, bonjour, il y a NordVPN qui nous a contacté pour faire un petit sponsor. Bon, allez, nique ta mère, là, tes pubs, là. Ils vont vraiment nous mettre un trailer de Vermintide, là? Quoi, c'est... Wesh, l'ermite otaku. Je suis pas sûr. Et quoi, c'est quoi? C'est quoi, Ika Vili? Ça me dit rien du tout. Mais c'est un jeu mobile encore. Mais non, c'est Vermintide. Un no-name qu'on a vu dans quelques films. Mon nez pointu. Ika Vili, attendez, je suis curieux de voir sa tronche. Mon nez pointu. Eh, hey, il a un sacré crâne, hein, le bonhomme. Hein. Ah ouais, vous avez raison. Oui, c'est sympa. Et il a... c'est pas beau, hein. Et on dirait un milliard de mecs différents, sauf mais pas lui, quoi. Ah, il a un rôle dans Control aussi, apparemment. Ouais. Ah bah c'est Donjons et Dragons, non? Ils ont montré le logo il y a peut-être 10 secondes, Jean. Oui bah tu sais, je regardais pas à ce moment-là. Quel match! Ouais bah c'est quel pas match, quoi. Et le PSG qui attaque, hein, qui continue. Bravo Barcelone! Des jeux, des awards, des jeux, des awards. Du pain et des œufs. Panem hit. Attends quoi? Ça a l'air vraiment naze. Ouais, je suis pas allé assez loin dans Control pour voir les refs d'Alan Wake. Mais FlyGo et applaudit, c'est la moindre des choses quand on voit ce genre de trailer. FlyGo, ta cam là, c'est un désastre. Oh non, il est en flic. Oh là là, les couilles puantes qui suent. Putain. Je le sens pas en moi. Hein. Mais moi, je suis comme ça là. Oh, Mandalorian. Ah ouais, tu sais que du coup, il faut une série dérivée, genre, du coup. Ah oui, il faut bien. Elle joue dans ce Mandalorian. Oui. Il casse les couilles. Mais en gros, tu sais, ils font Boba Fett, ils font une série dérivée, ils commencent à casser les couilles là. Eh, vous êtes très belle, madame. T'entends? C'est quoi, c'est Best Art Direction? Best Narrative Award? Ah, Best Narrative. A great game demands provocative dialogue and a captivating plot. But above all, il n'y avait pas grand chose cette année. Hein. Exactement, Kodak. C'est le business Disney. Mais de toute façon, c'était sûr qu'ils allaient faire des dérivés des séries. Enfin, c'est leur première série officielle depuis que Disney Plus s'est lancé, Mandalorian, non?
Oh. Star Wars, genre. Ouais, mais il y en a trop, hein. Je sais pas si t'as vu la liste, mais... Non, j'ai rien vu. Bah, il y a déjà Bad Batch, là, qui est sorti, personnellement. Bah, pourtant, c'était sympa, The Bad Batch, là. It Takes Two. Oh, It Takes Two, serait bien. Ils vont voter la vie Strange. Bon, oh, j'espère pas, quand même. Bon, alors ça, c'est une blague, oh, wow, si ça gagne. Marvel, mais personne n'en entendait parler, hein. Donc ça avait l'air bien, mais j'ai pas terminé, donc... apparemment c'était vachement attendu aussi, hein. C'est sympa. Mais hein. Bah, c'est des jeux qui sont grave attendus, mais par une niche, en fait. Attends. Oh, mes frères! Oh, sérieux! Il paraît que l'histoire est vraiment bien, quoi. Bon, ouais, après, mais... J'en ai rien à foutre, ça. Non, ça, c'est des suceurs, ça. Moi, je le dis haut et fort. Vous êtes des suceurs de bites. Parce que déjà, sur Rotten Tomatoes... Moi, je me lève du public. C'est quoi cette honte? Non, mais déjà, on a compris que Disney a payé Rotten Tomatoes pour donner des 90% à tous les films, là. C'est de l'arnaque, c'est du complot. Oh, la musique. Bah, c'est du rock, mon gars. Hein. Vieille peau! Mais t'as vu, genre, le non, mais enfin, Lego, un peu de respect. Si t'aimes pas le rock, tu dis Bad Batch, Andor, Acolyte. Lando, oh la vache. Droid Story, Indiana Jones. Mais, je te jure, il y en a trop. Willow? Mais je te jure, ça dédicace les couilles. Quoi, Willow, Jean? Bah, super film, n'est-ce pas? Bah oui, moi j'ai bien aimé Willow. Sérieux, j'y pense, tous les caméramans, toute l'équipe technique à genoux pour filmer les nains. Les nains! Non, mais toi, t'as pas vu Willow, Flygo, ça se voit. T'as mais pas Willow, quand j'étais petit, ça m'avait vraiment traumatisé. Ça me fait bien mourir. Bah, en même temps, t'imagines, t'as toujours vu des gens dans toute ta vie, et là, d'un coup, tu fais un film avec que des nains. En plus, je me rappelle que quand j'ai vu la première fois, j'avais la gastro, donc toutes les 20 minutes, j'allais vomir, et ça m'a encore moins plus fait du mal quand j'ai regardé ce film. Regarde cette peau là qui s'étire là. Ouais. Première fois que t'as vu un nain, t'as vomi, mon gars. Non, j'ai regardé Fort Boyard avant, ça compte pas. Oh la vache. Et du coup, tu disais, mais il est où? Il vient du village des nains. Il y a une usine à nains. Oh. Salut. Yeah, yeah, oh boy. Ah, c'est le jeu avec la petite qui vole là. Ah, c'est trop bien ça. Je suis un nain, Jean. Le jeu, c'est Raft 2. Oh, non, c'est pas ça. Ah, c'est Zelda. Un vrai nain. C'est le plagiat de Zelda, mais en un peu moins joli. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi t'as rigolé comme ça? Mais Flago, mais. Celui-là. Mais le oh, c'est trop. Ça va péter. J'ai oublié comment il s'appelle ce jeu. Ça modifie un peu. Mais pas trop. Je vais voir. Ça a l'air trop bien, putain. Kenedrindra Wharf. Ah, c'est bizarre. C'est trop bizarre. Ça m'écrase la tête un petit peu. Je vois pas. Ça te nanifie. Non, ce jeu a pas l'air super fascinant. Je vais voir le filtre. Ah, regarde. Ça, c'est moins normal. Ouais. Ah ouais, les oiseaux, par contre, stylés. Toujours très très moche, si je puis me permettre. Quoi? Oh la vache, elle est en main. Ta gueule, respiration. On repart sur... Ah, c'était pas le jeu des animaux, là que... Si. Ah, la chia. Chiao. Bref, ça me dit rien du tout, mais... Moi, ça m'attire pas plus que ça, mais bon. C'est juste, moi, le... Si c'est pas trop long et que c'est des scènes marrantes... Le côté est trop mignon, mais après, peut-être que c'est bien. Chias, ouais, si vous voulez, les mecs, ça va. C'est vraiment un jeu magnifique. Vous savez, moi, je suis payé. Ah, Suicide Squad, je suis curieux. Let's go, putain. Tu l'as vu? Oh non! Oh, le opening de ouf. C'est un bug! Hey, Jeff, qu'est-ce qui se passe? What the fuck, guys? Oh, l'acting de Jeff. La gueule. Vous avez des grands trous d'oreilles, madame. Madame, vous avez une posture du dos absolument immonde.
Tiens-toi droit. C'est l'Endertaker ou quoi? Madame, vous pouvez vous gratter les genoux avec vos mains, là. Non, mais attends, mais elle peut pas se sur droit, là. Deux... Eh oh, redresse-toi. Alors, quel perso Squid Game je suis? Among Us? Yes, ma'am. T'as sérieux, si un seul était venu en déguisement d'Among Us, ça aurait été un gars. Imagine, imagine Keanu Reeves arrive en costume de suicide. Epic moment. Il sort d'une vente et il fait ton 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 ton. Et il dit, Yo, Brice Tekin. C'était pas prévu, regarde comme il est choqué. I didn't know this was gonna happen. Mais c'était pas prévu. Mais ça, c'est... les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais dans les shows américains, ça c'est que de l'impro. Hein. Ouais. Il faut mettre ça sur Twitter. Hein. Oh, c'est joli en vrai. Je sais pas ce qui se passe, mais ça a l'air complètement taré le jeu. Ce mec a l'air complètement fou. Oh, j'espère qu'on va avoir du gameplay. Il va pas encore quelques... Ils ont intérêt, ouais. Voilà, ôtez-moi d'un doute, il vient de se faire taper. C'est beau, hein. Mais c'est autre chose que Gardien de la Galaxie, ah ouais, quand même. Mais je suis complètement con, je me disais, mais putain, j'ai un peu de personnage. Tu as dit Gilles Verdez. Où est Fatou? Oh, c'est ça, c'est elle, Margot Robbie. Ça a l'air tellement stylé. Excuse-moi, mais Oh, ça a l'air trop ah ouais. Bien. Ouais, ça a l'air sympa, hein. Donc ça, c'est Harley Quinn. Oh là 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 là. Oh, ça défouraille, là. Ça c'est Death, comment il s'appelle déjà? Oh, je sais plus, allez vas-y. Deadshot, non? Ouais, Deadshot. Autant pour moi. Hein. On dirait Flash. Bah oui, du coup. Ah non, ça lag. Ouais, moi aussi ça lag, je sais pas pourquoi. Il a la classe lui, le requin. Ouais, ouais, j'aime trop le requin. Genre. Quoi? Tu peux pas savoir pourquoi? Moi c'est tout simplement parce qu'il y a des vaches qui sont en train de bouter les câbles. Ça a l'air fou. Le gameplay a l'air vraiment stylé pour le coup. Ouais. Oh la vache. Eh, j'aimerais pas me prendre un coup de batte. Hein. Hélicoptère, hélicoptère. C'est hélicoptère. Non, ouais, ça a l'air stylé de fou. Ça, c'est des ouais, non. J'aime bien. J'aime pas les super-héros pourtant, mais ça a l'air très cool. Moi j'aime bien les super-héros vu que tu m'as demandé. C'est aussi bien que les Batman de toute façon. C'est vrai que les Batman... Putain, ça lag. Oh, par 10 ah. Sacre bleu. Putain, mais ça lag au meilleur moment, là. Wanna see some real speed? I'm sure you some real speed. T'as un flash de Et c'est qui le clochard avec le bob? C'est Clochardman. En fait, c'est mon père, bon, voilà, c'est voilà, c'est ça. Ça a l'air très cool. Ouais, ça a l'air sympa. Bravo DC. Vous êtes des meilleurs joueurs sans elle. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça a l'air fou. Ouais. C'est triste quand même de se dire que les Game, enfin, les Game Awards, c'est, ça devient mieux que le 3. Hein. Enfin, c'est quand même bien long. Hein. Ouais, c'est trop long même. C'est quoi, ah oui, tiens, c'est un jeu qui avait été annoncé sous le nom de Project Asia. C'est Square Enix. Et ça a l'air joli, mais on ne sait pas trop ce que c'est pour l'instant. Nous allons voir Pollyanna's first portrayal of Tanta Prav for the very first time. She is a ruthless adversary for Frey, and I hope players get into it, looking for a boss fight with this woman at some point. I definitely hope that you're in a boss fight. Thank you, Ella. That's so kind. Montrer du jeu, hein. Ouais, montrer du gameplay. Oh, les filles, vous la fermez, vous les laissez regarder un peu. Eh, c'est bien de papoter là, je commence à avoir envie de regarder. Foreskin. Foreskin the game, ouais. Ça a l'air pas mal ça. Oh putain. Eh, prépucez-moi un peu le jeu là. Oula. Ah, mais vous m'entendez pas tout à l'heure, merde. Non. Ah, il faisait ses blagues tout seul. Bah, je. Non, je disais qu'elle présentait super bien, qu'elle faisait un super bon travail. Ah, par contre, c'est vraiment moche, hein. Oui, d'accord. Pour l'instant, ouais.
C'est Mochas. Oh, 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 pota, pota, respect. Eh, y'a des acteurs derrière. C'est tout pourri. Y'a des actrices, elles ont un cœur, elles ont des enfants. Certaines. Moi, je suis plus saut. Oh là, la DA, là, j'aime pas trop. Oh. Pourquoi est-ce que le jeu est plus beau que les cinématiques? En fait, ça a l'air d'être un peu comme Spider-Man, genre les déplacements et tout, ça a l'air grave stylé, mais le reste, bon, bah... Bon, c'est chiant là, par contre, ça lag de fou, ça me casse les couilles. Putain, j'ai un PC à 4000 balles et j'ai la fibre. Ça commence à vraiment me bronzer le cul, là. Un problème de page Google, c'est mon avis. Eh, 4000 euros, et pour faire quoi? Merci, Jean. Moi j'ai reçu un SSD de 1 Teraoctet, j'espère que ça va suffire pour tous les films porno que je vais décharger. Force Pokken. Force Kin. Forcine. Oh, chez Will Rise, il parle de ma bite. Non, je rigole. Bah, ça me donne pas trop envie en vrai. Oui, moi non plus. Oh. Tu perds compte tout à l'heure. Hein. Ils enchaînent, hein. Zaber. Zaber. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, j'ai l'impression que ça vient de mon PC, les gars, le souci. Ah ouais, moi, j'ai pas de bug, moi. Non, mais ça doit être parce que je stream, mais je comprends pas. Essaye de lancer le live depuis Internet, un autre navigateur. Non, mais quand t'es trop en direct, je pense que ça lag parce que ça essaie d'être... Non, mais ça se voit que c'est mon PC qui bug, ça me saoule. Problème de... Il a plus de place dans le cache de Google. Peut-être. Moi ça lag pas personnellement alors que j'ai pourtant une connexion internet. Les aliens. Mais c'est Warhammer. Oh ça va être Space Marine 2. Oui on en avait vu du gameplay de ça. Alors moi j'ai pas vu du tout. Ah mais c'est Snap Camera qui me fait chier en vrai. Ah oui c'est vrai que ça va bugger ça des fois. Ah ben ça va dégager Snap Cam. C'est super bon, le nez il dégage hein. Putain la vache comme c'est beau. Vous inquiétez pas, je reviens. Je sais pas ce qu'ils Mais c'est beau, mais c'est pas du gameplay quoi. Ouais, je sais pas ce qu'il est devenu le mec qui a fait Astartes, mais. Bah, il est mort, hein. Il était recruté par Game Ah, ouais, justement, mais est-ce que c'est pas lui qui a fait ça? Ah, non, il a pas fait ça, il a pas que ça à foutre. Il y a mis des femmes, il y a mis d'autres. Sale con. Eh, faut être complètement dingue, hein. Attends, mais regarde le live, là tu commences à me... Ouh. C'est la suite de Space Marine, c'est avec tes leaks dans les trucs de Nvidia. Eh, je peux pas regarder live et regarder... Mais on l'avait déjà vu ça, on l'avait déjà vu un petit trailer... Pota, je vois que je te... Ouh. Ouais, tu confonds avec Darktide... Putain, la vache, comment ça a la classe. Moi je pense au FPS, Quentin. Un peu dark, c'est Darktide. Oui. Ça a la classe, mais Scorsese fait mieux, hein, genre, rien à voir. Ça a la classe, mais Guillermo del Toro va sortir Nightmare Alley. Ouais, c'est ça, c'est pas une. Je suis Reinhardt. Je suis Winston, allons tous sur le payload. Le premier Star Manger, hein, faut que vous le fassiez. J'ai jamais joué à ça. C'est un FPS. Warhammer, c'est un FPS. Ah, bah c'est du coup. Oh, ouais. C'est un peu comme God of War. Ouais, c'est ça. Ça sympa, ouais, ça a l'air joli en plus. Ouais, ça a l'air sympa. Ah, c'est du bon. Eh ben les gars, c'était bel et bien Snapcam qui cassait les couilles. Il s'est cru en convention au Geek Ferries, lui. Qu'est-ce qu'il fait là, Fanta, ramené là. Ma grosse... Et c'est quand les Didi Hug, là? J'ai ramené ma grosse hache du jeu. T'es 100 euros, ton bas côté, seulement 100 euros. Je suis venu à dos de poulain. Vous avez payé de l'argent, durement gagné. Je suis rabbin et je coupe les prépuces des enfants avec cette épée. As a space marine, it's awesome. Clive, how does it feel to be in the game? Oh, it's a dream. Et pourquoi il parle pas de God of War? Parce que c'est vraiment limite de God of War, si tu peux me permettre. Anyone's ever seen any of the work I've done, I'm scared of the darkness. No, it's très bel homme. Ouais, plutôt sexy. Bah, Hugo, tu sais à qui me fait penser, regarde. On va voir, il me fait penser à lui. Attention, mec à gauche. Oh, je suis obligé de vous montrer. La même prestance. C'est vrai que c'est à s'y méprendre, hein. Quand on regarde comme ça, vraiment en deux temps, trois mouvements, on les confond. Hein. Sexy.
C'est quoi ça? C'est Saints Row, ça, ça a l'air pété. Ah bah. Ah oui, ça a l'air à chier, Saints Row. Tellement. Mais ils ont essayé de faire un San Andreas là. Mais en fait, je comprends pas parce que c'est censé. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est censé être un remake du 1. Et ils ont lissé la DA. Ils ont fait une DA en mode Fortnite. Alors que c'est pas ça le jeu de base, c'est. Non, on enlève les gods. On enlève les gods, les gars, s'il vous plaît. C'est reboot, pardon, ok, reboot. C'est moche. Ouais, la batte de baseball God Michel, pour quel classique. Ah, ça a l'air nul, hein. Là, c'est du CSGO, là. C'est quoi ce bordel? En fait, on dirait, Just Cause mélangé avec Fortnite. Ouais, c'est non, j'irais pas jusque-là, mais bon. Oh, c'est un défouloir, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. Oh, pour ça, t'es nerveux. Mais on n'a pas besoin de ça, nous, les blancs. On tape juste sur le mur avec notre poing et on est calmés. Moi, je crie, j'ai des trucs de fou. Ouais. On dirait vraiment un jeu de 2017, quoi. Ouais, ça a vraiment l'air chiant. Allez. C'était marrant le premier et le deuxième, mais fallait s'arrêter là, les gars. On dirait les persos de chez Chouné. Tacos et tout. Hey, heureusement, j'ai pu lui mettre des gros nénés. C'est l'heure du point presse. Alors là, moi, j'ai hâte. Ah, je pré-order now. On va prendre en arme. Oh. Oh. Oh non. Oh la vache. Oh non, c'est dans Fall Guys. Oh le nom. Le nom était bien et après voilà. Tu veux rire, mais pète pas les juliches. Je suis Oogie Boogie. Allez. Oh là là. Allez Flygo, les 200 balles dans les skis. Lui bouffer la queue. Il va tomber. Flygo, tu l'auras jamais, ce skin, il coûte beaucoup trop cher pour toi, beaucoup trop cher. Tu ne l'achètes pas. Qu'est-ce que c'était bien ce film, bordel de merde, qu'est-ce qu'ils font, mon pauvre Jack. Il est dans Fall Guy, on va bien s'amuser. Après, allez vous faire foutre, utiliser des skins, je m'en fous, moi. Kidnapper le perce-oreille, lui boire tout son food. Attends, faites une milliard de jours de votre jeu, là, on s'en fout des skins. Pas ajouter des nouveaux trucs. Cuphead. C'est quand même bien, hein, Fall Guys. Bah, c'est bien, mais... Putain, je trouve pas que ça a pas l'air si compliqué de faire de nouveaux jeux, je trouve. Que vois-je? Que vois-je? Encore un jeu de merde. Que vois-je? Oh putain, j'étais pas prêt pour cette annonce. Encore lui, regarde, il fait sa pub. Oh mais arrête avec ta pub, il se prend pour qui à mettre son arrobas là? Oh là là, le screamer, ça m'a fait peur, hein. Oh, tu m'as réveillé, pota. Elle a un visage en relief. C'est le premier live en 3D sans lunettes, les mecs. Profitez-en. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que c'est? Regarde, Hugo, ça m'a fait cet effet quand elle est apparue. Waouh. T'as pris la grosse tête, mec. Putain. T'es pas obligé de gueuler, toi. Oh, le pilier de bar. T'en as mis partout sur le bar, putain. Ta gueule, toi, t'es fini à la pisse. fini à la pisse. Ouais, t'as taillé à chiasse. Bon, c'est quoi ça là? Ah, Hugo. Oula. Hugo délire. Oula. Là, ça bug, par contre. Là, ça serait un petit bug. Hein. Ça a bugué pour vous aussi? Ça bug aussi, ouais. Les Sims, mais baisse ta mère. C'est censé durer encore. Les dernières images des Sims, c'est quand les mecs ils mettent des modes de sexe hein, dans le jeu. Ça existe encore, FaZe? Oh, des mecs! Wouah, quel hit! Code QG! Mais non, mais des putes, des jeux! Code QG! Mais elle est quelle arrêt! Vous allez voir une action incroyable, il fait un 3-6 et shot collate. C'est incroyable! On regarde! Allez! Super. Pas de pub, là. Ah, mais enfin, yes, de la musique de copyright. Bon, allez, va te faire. Des streamers en rêve. Les streamers en rêve. Allez, va te faire enfoirer.
Mister MV a composé son. Attendez. Oh la vache. Oh, oh, oui. Oh, il est doux, celui-là, il est fin. Hey, c'est Paul George. Hey, les gars. C'est Paul George. C'est Paul George. Non, Jean, tu m'as donné envie de vomir, Hugo. Pourquoi? Oh, pardon, pota. J'ai pas l'habitude de rester éveillé si tard. Moi non plus. Oh, je rigole. Oh, à chaque fois, je vous ai bien. Très beau slogan, vous êtes pas fait chier, les mecs. Oh! Les gars, je pense que j'ai chopé la gale, je sais pas ce qui se passe. Il y en a pas marre de faire des blagues, celui-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien! Il se passe rien! Ah, ne pas d'avoir 10% de moins dans les produits. L'autre, il donne son code du Uber Eats au chien là, de Joff là. Oh, Paul George! Bah, c'est Paul George, hein? Ah ouais! Ouais, mais le problème, c'est que c'est qui, Paul George? Aucune idée. Il est grand en tout cas. Ouais. Bah, c'est des baskets. Oh, le micro, mais... Ouais, faut le monter. Hein. Oh. Comment on l'entend alors qu'il est aussi loin? Je sais pas. Non, je pense juste qu'il a une grosse voix et qu'il a pas besoin de micro. Mais non, mais c'est un micro. Oui, bon, allez, hein. C'est un schizoïde, le micro, donc forcément. Ouais, un schizoïde, vas-y. Un trisomique, le micro, hein. Mais on l'a pas déjà vu ça tout à l'heure? Oh la vache! Allez, les suceurs de Marvel là, ça commence. Metroid Prime. Metroid, s'il vous plaît. Metroid Prime! Oh la musique! Oh! Ouais, bah la musique elle me fait bander. Ils vont mettre Requiem for a Dream. Ah, c'est Ratchet qui va gagner, c'est sûr. Ils vont mettre Lacrimosa. Hein. Ils vont mettre Lamacratica. Hein. Lamacratica, pourquoi? Ta ouais. Gueule! Je me fais un plaisir de te mettre en avant. Il y a des commentateurs derrière. Mais je dis le Ward et tu dis oui. Ward! Ah bah, oh ouais! Bien joué! Let's go! Ah, c'est bien ça. Je sais pas, mais je suis content pour vous. C'est quoi le Ward? Ah, je pensais que ça allait être Ratchet. C'est bien, c'est bien. Hein, c'est un joueur NBA apparemment, Paul George, les gars. Ouais. Oh, c'est Doug Bowser! C'est Bowser, les mecs! Dans ton chat, j'étais Gabi, Marvé et Avangé. Gadien off Laxi. Oh, il est fort, il m'a fait rire. En... Oh, très très bon ça. Par écrit. Cagano très très fort. Oh, il y a quelqu'un qui a dit le caca, il fait pipi. Bon, moi, ça me fait rire. Oh, il est tard. Splitter C. Eh ben, c'est. Hier soir, c'est à peu près à ce temps-là que j'ai vu un blaireau sur la route. Et quand je me suis rendu compte que ça s'appelait un blaireau, ça a quand même vachement fait rire. Mais il est con, lui. Jurassic Evolution. Splinter Cell, Bandra, Tumro. Life is Winch. Mickey, Magical String Mickey. Finale fantastique. Red Tape Reception. Sex Tape Redemption. Bashibouzou. Wow. Voilà, il a gagné. Hurluberlu, le 3. Allo Infinitif. Qu'est-ce que c'est que Chiro ça Games. Chiro Games. Chiro Games. Ah, mais t'es en avant ça, le chien. Oh, attends, il met un peu. Ah, il m'a fait rire, ce con. Ah, okay, j'ai mal aux yeux. Hein. J'en peux plus, moi, de voir. Bah, moi, ça va. Moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, bah, dégage un peu! Dégage! Casse-toi, connard de merde! Shaigo, moi, je suis en pleine forme, mon gars, je suis en pleine forme! Non, si t'aimes pas les jeux vidéo, casse-toi, quoi! T'es vraiment un fils de pute, hein, Jean! Ah, oui, ça, c'est bien vrai! Ah, d'ailleurs, je vais chercher ma mère, je vais dire! Maman! Attendez, mais on est où là? On est dans une main? Je vais fermer sa gueule! Ah. Oh, c'est l'homme sable de Spider-Man. C'est l'homme pâle, hein. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? 1000 degrés dans la soirée. La guerre Spice Wars. Pourquoi ils ont rajouté Spice Wars? Ils avaient pas les droits. La guerre des épices. Mais oui, mais c'est moche, Spice Wars. La guerre des épices.
La guerre du poivre. Poivre qu'on possède, qui gagne? Le poivre ou le sel? La guerre du safran. C'est qui ça? Non mais attends, mais Spice Wars, c'est non mais ridicule. À droite, elle a à la fois 27 ans et 53 ans. Hein. Oh, oh ce jeu de merde, putain. Oh non. Ça faut les baffer, ça faut les baffer. Oh, ah mais c'est l'acteur de Arrested Development de ta gauche. Ah, bon, ta gueule, comme ça. Allez, what's up, baby? On est complètement faux dans notre tête. On habite des mobs avec des poneys. Des poneys. Des unicornes, pardon, des licornes. Et on a mis des nichons aux licornes aussi. Et comme si c'était pas déjà un cliché, ils font des blagues sur scène. Des fesses qui crachent des arcs-en-ciel. Il a une voix de bâtard, cet enculé. Hein. Oh la vache. Eh ben, mais arrêtez, mais il n'y a que Maxime qui sait faire des moments de malaise sur scène. Bon, arrêtez. Je sais, Maxime, il y a qui fait faire. Il y a le tigré. Le tigré. Putain, qu'est-ce qui m'énerve, lui. Oh là là. Je le prends là, la gorge. Ouais, est-ce que vous pouviez accélérer un petit peu les blagues? On accélère le rythme, les gars. On aimerait bien les coucher. Ah, j'ai un appel Skype. Putain. Allô, Flingo. Oui. C'est maman. Ça va, maman? Flingo, je suis le petit potinasse. Je suis le petit potinasse. Mais attends, il a osé mettre World Premiere alors qu'on l'a vu trois fois le jeu, là. On s'en bat les couilles de sa vie à l'autre là, mais c'est quoi cette merde de jeu là? Mais putain! Calme ou peur, c'est bon. Eh, le jeu il me donne pas envie, je sais pas vous. Les gars, oh. Moi j'adore ce jeu, j'adore ce oh, jeu. C'est gars, oh là là. Ah, on dirait je kiffe trop! Je kiffe trop, c'est génial! Il y a une licorne en Antarctique qui braque des pingouins. Eh, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais moi je trouve pas ça dégueulasse. L'allemand fou is back! Ça bug pour vous aussi, les gars, ou pas? Non, moi ça bug pas du tout. Putain. Moi c'est alors, en qualité. Je vous trouve un peu mauvaise langue, je trouve le jeu vraiment génial. Ça bug pas, mais ça a aucun rapport avec le fait que ce soit 144p. Mais vous êtes vraiment des aigris, hein, ceux dans le chat. J'ai pas réussi à tenir la voix. C'est dur, hein. Oh la vache. Moi, président, je rendrai... C'est vraiment des pisserons, hein. Je l'univers est génial. Les développeurs au chômage qui développent ce jeu de merde. Infogramme. Non. Personne à la rêve. Ça a l'air cool. C'est Borderlands, mais il voulait pas l'appeler Borderlands. C'est... Mais c'est super cet univers un peu girly là! Bordel! Viande! Pourquoi y'a des trucs de Toy Story? Oh, c'est trop moche! Ouais, je plaisante bien sûr, c'est génial! Et ça, c'est du jeu qui me donne envie de taper ma bite contre le bureau. Vas-y! Vas-y! Plus fort! Il se fait cambrioler, hein! Il a tapé. Oh merde, putain. Jeu de 2015, hein. Ça a l'air de la chier. Super moche. C'est de la merde. Je pense pas, 2015, je pense pas, parce super que... Super moche. Sinon, il serait vachement en retard. Ah, hop, hop, hop. Voilà ce que j'en pense, moi. Hop là. Oh. Ah non, non. Il a montré sa bite. Tendez bien l'oreille. Il a montré sa bite ou pas? L'oiseau va sortir. Regarde, bouh. Ouais, ça a vraiment bouh, l'air d'un... Bouh, guys. Vous en pensez quoi? Vous mettez main, l'emoji dans le chat, hein. Hop. Ouais, dites-vous l'emoji. Moi, j'adore, hein. Moi, c'est ça. Moi, j'adore Homer. Oh, Marge, c'est Homer. Oula. Je suis Bart Simpson. Papa. C'est un jeu Rick et Morty à la noix, là. Non, c'est pas possible. Je sais pas, je vous dis ça. Ouais. Oh, c'est un jeu... C'est de la VR. Oh, c'est un Among Us VR! Ah! Oh, ça, c'est ouais, pas bien en vrai! Oh, attends, oh, le manga, putain! Ça peut être bien, mais va falloir acheter le truc à 800 balles, quoi! Oui, ouais, c'est vrai! Moi, je l'ai! Moi, je vais. On va.
Il y a Flygo quand même. On va jouer à deux en Flygo. Hein. Oh non. Oh, le jeu de pédophile, c'est Dokevi. Oh oui, ça a l'air lourd ça. Oui bah c'est oui je l'ai préacheté. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave Jean, ça a l'air bien. Ah non mais oui je l'ai. Ça a l'air incroyable. Oui je suis les informations qui sortent. Bon allez nique ta mère. Pourquoi? Incroyable. Le jeu a l'air trop bien. Hein. Ah non, pas ça par contre. Bon allez. Et si, c'est trop bien. Allez, musique. Lim se sonne trop, la représentation torride. Hein. Je vais taper ma bite contre mon bureau en verre. Hein. Vous êtes prêts? Oui. Link the Sun pour sa tourie. Oh la vache. Ah mais tu sais on dirait le dessin animé qu'on baladait là. Comment ça? Tu sais la parodie là. J'ai pas vu ça. Non mais je connais pas putain avec Grimm il l'avait trouvé. Tan 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 tan. Oh putain. Tan 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 tan. Ah là. Elle a fait finir. Cette grosse merde là. Par contre le drop il est incroyable hein. Si j'avais mis la cam vous m'auriez vu danser comme une salope hein. Pourquoi ça Jean? Bah parce que je suis en train de danser comme une salope. Mais c'est quoi? C'est ça? C'est le jeu là? C'est quoi? Mais non oui, c'est une représentation, jeu. Ils vont faire des i personnalités c'est... avec les persos du jeu ça se trouve? C'est des personnes, enfin c'est un groupe de K-pop qui chante là. Super bien fait les animations. Bah ouais les animations sont trop bien faites. C'est con, j'aurais bien voulu voir du jeu, mais... Même des gosses de 8 ans, Jean. Oui, non, mais on parle des animations. Après le truc de Cuphead, on a vu du gameplay de Cuphead. Ouais, c'est vrai. Après, là, ça se voit que c'est full mocap, hein. C'est pour ça que c'est bien fait. Donc là, j'ai pas dormi pendant 24 heures pour regarder ça, hein. Et alors? Mais t'es vraiment un gros rageux de merde, hein. Allez, on va voir de la bagarre là. Rapid. C'est arrête, calme-toi. Encore une heure. Le bureau est dans un état catastrophique. Hein. Je suis en train d'y laisser des marques. Hein. Oh, Doja Cat. Pourquoi il y a ça? Mais pourquoi il y a ça? Doja Cat. Woman, let me be your woman. Woman. C'est le spot. Bravo, madame. Rappelle le top de Ben Lever, Lorenzo en premier. Kiquez ça. Spider-Zen. Oh non. Allez, let's go. Genshin. C'est pas le même jeu. C'est Genshin. Oh non. Mais toi, ah bah dis donc, on touche enfin au jeu vidéo, on a enfin ce qu'on veut. Allez, eh ben c'est parti, je sors la bite. Let's go les gars. Grâce au nouveau DLC des Queue de Fury, nouveau GP. Attends Pota. Et encore plus de mineurs. C'est parti. Pota, je crois que tu as pu jouer au DLC en avance, tu peux nous en dire plus s'il te plaît sur ton expérience de jeu? Bah enfin des filles qui sont enfin traitées comme telles, donc c'est-à-dire beaucoup de cris, beaucoup de sauts. Voilà, elle sait manier le sabre si vous voyez ce que je veux dire. Et merci pour ces indications, on retourne en France. 10 sur 10. Comment ça on retourne? On était parti où là? Mais c'est nos intervenants, ils sont sur place. On était parti au paradis Jean quand je vois un jeu comme ça. Et on y reste encore un petit peu mon bonhomme. Juste génial. Oh bah juste grandiose. Oh la vache. Énorme. Moi je le trouve plutôt sexy. DLC roule 34. Régalez-vous. Régalez-vous ce seul slogan. Ne vous branlez pas trop. Ça y est, arrête. Des claviers waterproof anti-sperme. C'est nouveau et ça arrive chez vous. C'est qui celle-là? Il est vraiment celle-là, trop con cet enculé, hein, c'est grave. Jean, c'est qui celle-là? Mais tu sais bien que... Tu sais bien qui c'est la fille là. En mature, c'est mature plus 17. Jean, ferme ta gueule, je t'en supplie. Très bien. C'est quoi ça, ça a l'air stylé.
Ah, c'est C'est la révolution. Ah, le mélange des deux là. C'est pas le jeu français Gridfall. Moi je veux bien. C'est sexy en tout cas. Ah non, c'est pas ça. Moi j'adore la France. Cigarette Christine 2. Non mais c'est truc mécanique. La France. L'ambiance c'est cool mais. Oui, mais pour revenir à Genshin Impact quand même, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Qu'est-ce que tu voulais dire, Jean, sur Genshin? Bah, c'est quand même un jeu qui a du caractère, du charme, qui a quelque chose disons, à prendre. Disons qu'à cette époque, la France, elle se portait mieux, si vous voyez ce que je veux dire. Oh là là, la petite pub. Ouais, l'UZMD. Ouh, waouh. Oh, c'est moche. Gagne des PC incroyables avec plein d'AMD dedans. Oh putain, c'est fou. Oh, je peux pas m'arrêter de danser. What's up everyone, this is Matt Hafey, lead singer and lead singer of the metal band. Oh, il a dit qui? Vous êtes qui? Et c'est comme George Paul, il a sur scène, on a dit c'est George Paul, je savais qui c'était. Salut les gars, c'est Matt Hafey. Mais il y en a déjà un jeu, Scott Pilgrim et The Muse. C'est Ubisoft qui l'a fait, je crois. Il y a même un manga et un... Voilà. C'est quoi ça? C'est moche hein. On dirait le jeu avec la succube à poil qui t'a envoyé Terra Potin. Ah oui, j'ai jamais joué. Il y avait pas cette cube non. Ah c'est Diablo. C'est n'importe quoi. Ah t'es lourd Limbo. Bah si c'est Diablo hein, je le connais ce jeu hein. Mais non regarde, il y a des flingues. Oh, t'as jamais joué à Diablo. T'as donné Diablo je pense. Quoi? C'est Doomfist. I want to be alive. Lève-toi! Oh, les dégâts! Oh, la barre des dégâts en énorme! Lève-toi! Lève-toi! Tu es toujours en train de te envoie des DM coming de seul! Laisse sortir le diable qui est en toi! C'est Astérion qui a fait les paroles! Je suis puceau! Va dans le bar, là. Juste la fin du monde, là, le bar de merde! Ils se mettent quand on sait pas de faire. On a rien compris, on a rien compris, enculé de ta mère. Bon allez, je la refais. C'est ça mec. On a toujours rien compris mon gars. Pourquoi j'ai le breton de Marseille? C'est l'intro de Marseille. Ouais, allez là. C'est what in love. C'est un jeu mobile. Got it up. Non mais c'est un jeu mobile. C'est un jeu mobile. Allez, incroyable cette musique. Got it up. Il est pas déjà sorti le jeu? Oui, il est sorti. Ça avait l'air trop bien, mais. Galilop! J'aime trop, j'aime trop. Wouhou! Je suis Lukaku. Wouhou! Eh, arrête de conduire! Les voitures! Arrêtez les voitures de conduire! Oh putain, les voitures partent où? Je vais pleurer! Je vais pleurer! Attends, mais c'est encore plus dur que le mode normal là! Mais non! Mais non, mais c'est un jeu mobile! Ah ok! Oh, il a l'air moche! Oh non, non, il a l'air trop moche! Hein. Get ready to play your favorite mobile games! Jean, on a un iPhone nous! Ça marche pas, on a un iPhone! Oui, oui, bravo, bravo! On a un iPhone avec Jean! Tu vis dans un 15 mètres carrés, Frégo. Pourquoi il m'a fait appel celui-là? Parce que tu l'avais dit en premier pas, je le rappelle. Oui, mais c'était ma blague, c'était il y a 10 heures. Non, je le rappelle. Non, c'est impossible. Mais si, c'est ma blague. Non, c'est pas il y a 10 heures. Ta gueule. Next, here's another brand new game announcement for the first time. Putain, mais c'est vrai qu'il y a zéro award cette année là, c'est ouf. Bah ouais, franchement, les voix premiers, ils sont pas... Batman, The Walking Dead et Game of Thrones. C'est quoi ça? Oui, bon, déjà, quand il met trois noms... Oulala, ah ouais, c'est les créateurs de Game of Thrones, ça, je reconnais. Bah non, c'est Telltale Game. Eh bien, c'est de la bouse, voilà. Non, mais c'est le... ça doit être les jeux tour par tour, là. Mais non, mais c'est Telltale, c'est les trucs narratifs qui sont pas très très jolis. J'aime pas. Oula. Save the galaxy. Mm-hmm. Jara, I need you to do the
Captain Link. Mais Telltale, en plus, je crois qu'ils étaient en faillite et ils ont été rachetés. Je sais plus ce que c'est le délire. Poc. Ça me le fera pas acheter, ça me le fera pas acheter. M'en fous. J'ai jamais regardé Star Trek. Eh ben, les films sont sympas. Hein. Enfin, les derniers sortis sont cool. Enfin, moi j'ai bien aimé en tout cas. Non, les fans de Star Trek ils aiment pas les J.J. Abrams. Oh les boules. Oh Reggie. Oh lui sa tête. Oh, la tête. Qu'est-ce qu'il est beau, putain, cet enculé. Mais c'est la plus grande tête du monde. Hein. Fais des blagues, fais des blagues. Are you all right? Thank you. No. You are all Moi, c'est décalé là. Ouais, un petit peu. Great to be back live and in person, back amongst friends. It's fantastic. Il est trop beau ce mec. Bah moi je le trouve pas si beau, mais bon, ça reste de mon avis. Rageux, va. Rageux et gris de merde. Et à d'autres. What is this, Jeff? Eighth year? Something like that? Il a envie de lui dire. Oh le malaise. Oh le malaise. Oh j'ai rigolé pour contrer le bide. Mais arrête avec ta mobile révolution là. Qui joue sur mobile dans le chat, genre tous les jours. N'exagérons pas non plus, hein. Parce que je suis curieux de savoir. Un petit Clash Royale tous les jours, ça fait tellement du bien. It used to be that a game would ship and that would be the game. Putain, mais vous êtes beaucoup en vrai. Non, mais vous jouez à Clash of Clans. Tan ta 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 ta. Ah oui, attends, Clash Royale. Clash Royale, c'est Clash Royale. Mais Supercell, c'est fait, ceux qui sont les meilleurs jeux de la vie, clairement. Bah, moi, je suis allé sur le trône tout à l'heure, j'ai fait des Supercell, si vous voyez ce que je veux dire. Alors là, celle-là, elle est bonne. Moi, mon jeu préféré, c'est Instagram, je like plein de cul dessus. C'est pas un jeu, hein, Pota. Eh, Pota, c'est pas un jeu vidéo. C'est la vraie vie. Pour moi, c'est un super jeu. Final Fantasy Online. Bon, c'est Genshin qui va gagner. Mais c'est sûr. C'est quoi la catégorie? Best Online Game. Fortnite. Fortnite qui va gagner, c'est bon. Ouais, c'est probable. Ah, c'est Best Ongoing. Non, mais il y a No Man's Sky. No Man's Sky, il peut gagner. Fortnite. FF14, il mérite aussi. Final Fantasy. Oh, oh. Non, pas du Fortnite. En vrai, bah, c'est un MMO qui marche bien, qu'est-ce que tu veux que je dise? Oh my god! Yennefe fait sur son portable, elle se dit putain! T'es quand que c'est fini là? Et qu'est-ce qu'on se fait chier à cette convention de merde? Et c'était mal parti aussi, non, FF14 au début? Ouais, apparemment. Ouais. 1.0, c'est une catastrophe. Ouais, voilà, ils ont tout refait, ouais. Hey, ta chemise, elle va pas du tout avec ton pantalon, mec. Il nous fait chier, la police du style. J'espère qu'on verra encore un peu de Elden Ring. Mais ouais, moi aussi, ça m'a fait demander, là, pour que j'en ai vu. Big thank you to Final Fantasy 14 team, and can't wait to see what's going on in the future. Les godasses, par contre, j'avais pas vu du mec à gauche là, c'est technique. Ah, c'est du job, hein. Ah, c'est des grolls. Regarde les grolls. Oh putain, cette putain de musique! Let's go! Ça, c'est dans mon sang! We're clear. Ça, c'est Iron Galaxy. Kezako. C'est le jeu des mecs. Hein? Oh bah c'est les pirates. C'est Silex in the City. J'étais Gabi encore. Oh, et je pourrais. Il nous casse les couilles. On va faire les promos originales. Oh, j'ai dong dong. Kapoum! Attends, c'est quoi ça? Oh les bâtards, ils m'ont eu. Oh, c'est les indestructibles. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais vraiment c'est Fortnite, immonde. Hein. C'est immonde. Oh, c'est Nickelodeon Fight. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est un que ça? Un open world. Un jeu de catch. Bon, la tronche des héros, par contre.
Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, le Fortnite du pauvre. Ah non, c'est un jeu de combat. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il a un cheval sur la tête, un peu fou. Il faut du gameplay. Ah putain, ça bug. Mais attends, mais y a des... J'ai même pas besoin de les faire, les bruits. Oh, elle mange un gros poulet. Qu'est-ce que c'est que merci. Ça merci. Merci pour le poulet. Non, mais attends, parce que là, c'est super long, mais on comprend rien du tout à ce qui se passe. Bah non. Mais c'est un Smash, ouais. C'est un... Genre un Smash oui, open world, je sais pas. Non, mais... Est-ce que c'est une sorte de Battle Royale, mais... En jeu de combat une... Dans une ville, moi, je dis pourquoi pas, hein. Faut voir le gameplay là. Ils vont bien voir du jeu Rumbleverse. Rumbleverse. On aura pas de gameplay. Bon bah voilà. Bah c'est chiant. Bah, la même manière que non. J'aurais bien voulu voir du jeu. Bah t'as pas vu hein. Demain. C'est qu'il a pas le droit de diffuser du gameplay encore. Bizarre. Alors que Roman existe hein. Ah, A Plague Tale 2. Ça a l'air lourd, c'est le premier était trop bien. Le héros il s'appelle Hugo. Eh, suceur le héros. Pardon ? Ouais, je parle du héros. Ah, ok. C'est pas des Français qui font ça aussi ? Si, si, c'est français, ouais. Suceur. Le premier était très très stylé. Oh, c'est joli en tout cas. J'ai pas fait le premier justement. Oh, c'est un champ de bataille avec des rats, ça c'est beau de ouf. Putain, je mets un petit peu plus fort. And I laid me down with a will. Impossible. Ah, si c'est du gameplay, c'est propre, hein. Come on, you've seen worse than this. Here he lies, where he longed to be. Oh, les balades en bateau. Is the sailor, home from sea. C'est beau. And the hunter, c'est très joli, ouais. Home from the hill. I feel my mind going. I know. Think of your brother. We have to carry on. Ah, les rats, ouais. Oh no. What have you done? Ouais, ça a l'air cool. Oui. Faut que je fasse le premier, vraiment. Jamais tâté. Je l'ai en plus, mais. Joli, mais ces putains de rats, ils nous ont cassé les couilles, hein. Pendant la peste, hein. Quel play! Oh oui, on va aller acheter de la bouffe là, Jeff. Vas-y, je suis chaud. On veut l'emote pizza dans Final Fantasy. Merci pour ton code! 5 pizzas gratuites! Pizza gratuite! It's 30th anniversary and next year Dying Light 2 arrives after a long wait. We've got a new look right now at the game story with this CG trailer. Jamais joué au Dying Light 1, mais je suis curieux. Il n'y aura pas de gameplay. Non, c'est CGI, mais c'est pas grave. Ça commence à faire 12 trailers pour le jeu. Là. Ouais, ça fait très longtemps qu'on l'a vu, mais... Voilà, c'est quoi la musique qu'ils ont pris encore? C'est Suicide Squad, là, on dirait. Ah non, c'est Pixies. Ça? Bah, c'est une reprise, alors. Ouais. Par contre, c'est bon, on l'a entendu dans 300 trucs au bout d'un moment, celle-là. Bah, tu sais que je la reconnais même pas, la musique, au final. Je pense qu'on y aura le drop. Ah oui. C'est bon. Je l'ai. Aïe 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 aïe. Les zombies qui piquent. Ah, est stylé le trailer par contre. Les cheveux sont très bien faits. Même si c'est pas... Oh,
Oh, c'est super bien fait là. Ouais, c'est très joli. Hein. Ouais, ça me fait penser au premier trailer de Dead Island. Je sais pas si vous l'aviez vu à l'ancienne. Ah oui, non. Tout à l'envers avec musique au piano là. Ouais, ils ont essayé de recréer la hype. Ouais, ça a l'air cool. Encore ? Putain, il enchaîne. Merde. And now, I'm proud to announce. Remedy. My cock. Ah oui, c'est le jeu coréen de base, Crossfire. C'est le CS coréen, mais. Remedy, ils font la campagne solo du jeu, je crois. Voilà. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, y a des chances. Je vais remettre plus fort, du coup. C'est joli encore. Le jeu a l'air cool en vrai, hein. Mais ça fait super longtemps qu'on en a pas vu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que ça c'était pas censé être un jeu de lancement de la série X. La Switch, hein, il me semble. Hey. Oh, oh, oh. Le mec trop impliqué. Ouais, bah ça a l'air moins bien que ce qu'on avait vu, mais... C'est bon, j'ai pas très bien compris le but du jeu là. Ah, en gros, je t'explique, de base Crossfire c'est un Counter-Strike mais qui est vendu en Corée. Enfin qui est gratuit en Corée. Hein. Et ils ont essayé de moderniser la série en faisant un truc plus joli qui était censé sortir sur Xbox et bah voilà, c'est le jeu. Et ils font une campagne solo, c'est tout. T'as vu l'event qu'ils avaient fait pour la fin du jeu ? Non. Non mais ça devient vraiment. J'avoue que j'en ai un peu ma claque, hein. Ouais, c'est stylé ce qu'ils ont fait, les changements au gameplay, tu peux glisser... Including Spider-Man. Tout ce qu'on peut faire d'autre, oh non. Le Spider-Man. Ah ouais, d'accord, ok. Hein ? Quoi ? On dirait vraiment un jeu social, maintenant. Ah mais putain, mais ça fait que de bugger, j'ai pété un câble. Moi aussi, ça bug, attends. Là, ça. Moi aussi, hein. Match to match. Mais ça rebug encore, allez. Oui, là aussi. Bah, c'est chez eux que ça pue, là. Oh, eh. Par contre, c'est vraiment dommage de rater la promo Fortnite. Là. Donc, vous dépêchez. Putain, le délire de toile d'araignée, c'est trop bien, par contre. Ouais, ils ont bien fait, Oh là, ça a l'air mieux que les tornades dans Battlefield. Ah, j'ai rattrapé mon retard, c'est bon. Après, on peut pas leur enlever ça, hein. C'est pas Fall Guys, hein, les mises à jour. Ok. J'ai pas vu les tempêtes encore, ça a l'air dingue. Ouais, ça a l'air très stylé. Ah, ça fait que de bugger chez moi, hein. Vraiment. Bon allez là, t'arrêtes de... Faites un petit coup de x2 les gars. Ah je le fais et du coup ça rebug encore plus. Bon, Bloodhunt... Ouais, Bloodhunt... Bon, c'est sympa, mais bon. Bon c'est comme Fortnite, hein, franchement. Moi j'ai bien aimé, mais je jouerai pas souvent à Fortnite. Bah, en vrai, moi j'aimerais bien qu'on reteste Dead by Daylight, hein. Je sais pas si vous aviez testé, mais moi j'avais joué qu'une fois et... Donc je pense que je préférerais plus Dead by Daylight, justement, parce que ça fait plus peur. Ça fait plus peur et je trouve que c'est peut-être un peu mieux balance que Prop Night. Bon, on s'en fout, hein. Après, les gars, il reste 38 minutes, va falloir envoyer du lourd. Hein. Oh,
Peut-être des photos à poil de Geoff là, parce que je commence à en avoir marre. I'm proud to announce my cock on the table. Ah oui, non. Right non, now. Il m'excite depuis 2 heures, oh, j'y rien, mais bon, là ça commence à. Tu me cours sur le haricot, Geoff. Ça va, Jean? Jean, il dort. Hein. Jean? Jean, réveille-toi. On l'a laissé, il gueulait partout, d'un coup il s'est arrêté net. Attends, je le move pour qu'il se réveille. Jean est mort, hein. Attends, on va le laisser comme ça on sait quand il arrive. Ça se trouve, il allait se doucher. J'ai rien compris. Imagine oh. And this game can buy the sword. And this game can buy the sword. I'm on top of the world, yeah. I'm on top of the world, yeah. What you get through? Wake me up. Name me up. I'm on the mat. J'espère qu'il chante le truc d'Arcane, hein. Non, mais regarde. Ça a l'air d'être Arcane, ça. Bouh. C'est pas Imagine Dragon, ça. Bah ouais. Non, je crois pas non plus. Oh, le bide. Je pensais que c'était Imagine Dragon. Non, je rigole. Mais imagine quand même. Ah, mais si, il est à gauche. Ah, c'est lui, Imagine Dragon. Tu es dans le thème, Flygo, hein. Ouais. Et, d'ailleurs, je suis pas fou, mais dans Arcane, à un moment, c'est bien eux qui sont modélisés dans la série. Eh, tu sais quoi? J'en sais rien. Wouhou! C'est dans quoi cette chanson? Bah, je sais pas. Attends, pour tard, attends, remets. Pas très bien, monsieur Dragon. Eh hey, les mecs! J'ai pas raison? Non. Ouais, t'as bien raison, mon gars, je t'entends pas, y'a la musique à fond! Allez, on monte le son sur les enceintes! Par contre, je connais pas la chanson. Mais oui, mais personne n'a compris. Augmente les basses! Allez! Nous, le drop là. Ça va, il se fait pas chier le mec à la batterie. Ça fait rien, bravo, merci. Coup de grosse caisse, hein. Allez, vous la sortez, ma grosse caisse. Yeah. Oh yeah. Encore un coup. Ça prend du rythme, hein. C'est pas votre meilleur, les gars. Eh, c'est pourri un peu, hein. Ah, oh, bah tiens. Bah, il était temps. Ah. Oh, ils sont là, enfin. Ah, bah, ça y est. Mais ça, c'est la chanson d'Arcane. Ouais. And this gang gang by the sword. And this gang gang by the sword. And this gang gang by the sword. My big cock is ouais. Il l'a dit, écoutez lui, il le dit. And this game burned by the sword. Ding 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 the sword. Oh, the midfield. Everybody wants to feel the midfield. Oh, the misery. Qu'est-ce qu'il est bien ce son. Ouais, bah il est sympa. This game bang dinosaur. Ouais, m'énerve pas comme ça. Hey, il a quand même plus énergie que Sting, hein. Il chante bien cet enculé, hein. Oh, the misery. Mieux que l'album de McFly, hein. Alors là, là t'as pris des risques, Coco. J'ai osé, hein, j'ai osé. Ouais.
C'est qui ça? Moi j'aime pas. J'aime pas. C'est qui lui? J'aime pas moi. Eminem. Il est pas dans la chanson Arcane lui? Ah ouais? J'aime pas. Il parle vite hein. Oui c'est un rappeur. À pas confondre avec un rapide. Il a failli tomber, hein. Oh la vache. Hey, 4h30 du matin. Allez, on sort notre PQ. Oh là là, solo. Oh, ils savent pas quoi faire là. Il est complètement fou. Allez, l'aider, il est en train de faire une crise cardiaque. Hein. Oh putain, le beau bon boulot. C'est Ariane Carlo Esposito dans la salle, quelques toussé là. Hey, oh, ouais, donnez-leur hein. L'Oscar. Donnez-leur l'Oscar. C'était très bien. Non, par exemple, si tu vas en concert, tu le verras aussi. Allez, hop. Je propose qu'on l'encule. Jeff est complètement cool. Ah, la catégorie sponsorisée. Job, c'est le petit gars. Il est là. Il est là. Oh, là, là, là. Attendez, vous êtes en avance. Morgan Bacon. Bacon. Quelqu'un a dit fromage. Ah oui, j'étais grave en retard. Okay. Et bah alors, ma belle. On voit pourquoi elle s'appelle Bacon. Enfin bref. Flago, c'est un peu contre son camp là. Il a le droit de le dire comme ça. J'ai le droit. On n'a pas de problème. Oui, tu vois, moi j'ai attendu que Flago le dise. T'as le fat pass, t'as le fat pass. Moi je ne dirai rien, j'ai pas le droit. Un vrai Flago Bacon. Oui, le Bacon. Au top. Innovation by Chevrolet. C'est le mec qui en profite, pas vrai Flygo Lardon gros lard. Oui Jean. Attends, il y a ça dans Forza. Mais je veux l'activer. Malade. Eh ben ils sont bien ces c'est awards. Quoi, c'est pour... c'est pour les... C'est un award pour le jeu le plus accessible en gros. Ah ouais. Les handicapés. Et pour les aveugles, ils en ont rien à foutre, hein. Ouais, bien dit. Pour ou contre s'embrasser sur la bouche. Ah bah c'était sûr, avec tous les trucs qu'il y a sur le jeu. Ah mais ils ont gagné deux awards du coup, Fanz. Oh mais j'ai eu des roulements, c'est vrai. Pouvoir de jeu. Allez, drop the mask. Ah ouais. T'en as rien à foutre, hein, du Covid. Par contre, rendre accessible tes jeux. Mais comment ils vont être accessibles si les gens meurent du Covid? Abruti, réfléchis un peu. Tu fais une merde. Tu fais 4 mois. 4 mois, tu fais. Abruti, finis à la prise. Really committed to accessibility. Ah lui, il est complètement fini à la prise. Je vais mettre mon chaussure sur le bureau. Comment ça fatigue, hein? Ah ouais, ça fait deux fois qu'il passe, il en a pas marre, là. Bah alors c'est le même discours, voilà, donc c'est bon, ça veut dire, bah ouais, pareil que tout à l'heure, hein. C'est bien que nous, comme développeurs et créateurs, puissions ajouter des accessibilités et des options et juste ouvrir la magie des vidéos à plus et plus de joueurs. Jour, nuit. Oui, comment ça fait? Et ça raconte tout. C'est long, hein, c'est long. C'est la grande vie dans une ferme, dans le Texas. J'étais pas en photo, j'étais pas en photo. T'es bien beau. Voilà. Allez. Oui. Dégage. Mais pourquoi elle parle pas à la dame? Mais parce que... Oh là là, va vache. Je sais pas moi.
Oula, il est déprimé. Attends. Je prends la meuf en photo. Un mec dans le public qui fait ça. Bouge pas, ma chérie. Bouge pas, ma belle. Moi, c'est Geoff qui m'intéresse. Moi, Geoff, il m'intéresse pas tant que ça depuis qu'il... J'ai appris merci Jean. Something's about to happen tonight. Yes, yes, yes. The thing is, faites pas attention. Tu aimes les hommes, pota? Extreme ouais. Co-op horror game. Yeah. And we thought, what better way? Merci, to pota. 1.0. Yeah. We've been in early access now for 2 years. Oh, putain, oh, c'est putain. Ah putain, voilà. So the surprise announcement is that GTFO is out now. D'accord. On voit pas. D'accord. Oh le bide. J'ai rien compris du coup de quoi il parle. Moi, on a invité Dieudonné ce soir pour les Game Awards pour rigoler un peu. Il a ramené la PS2 voilà, qu'il a volée à Elise Moon et il va la mettre en jeu ce soir dans le public. Coupe-moi cette merde, Geoff. C'est quoi du coup? Dans Ten Chambers, c'est pas GTFO? Si, c'est ça. Mais tire sur moi! Payday? Le jeu, hein? Le jeu, oui! Comment t'as dit ça? Avec l'intonation en mode choqué, tu sais. J'ai été vachement surpris par le jeu. Ah, je suis fatigué. Hein. Oui, moi aussi. Par contre, ça, ça a l'air bien, mais bon. Ouais. Mais quoi encore? Bah, mais j'ai écoute, personne pour y jouer. À la fin des phrases. Ouais, je suis trop d'accord avec toi, mec. Ouais. Bah, je suis d'accord, ouais, je suis... Terra, tu veux pas que je te tue? Je te tue pas. Ouais, ouais. Ça fait 3 semaines, Hugo! On en peut plus, maintenant! Eh, crotte de bique, ouais. Tu crois qu'il va s'arrêter? Il a pas compris. Tu te mets le doigt dans l'œil, Flego. Enfin, attends, non, c'est comme ça qu'on dit, quoi. Non, pas comme ça. Allez, Terra, je te suce la bite, Terra. C'est magnifique. Mais pourquoi? Oh là, close the door. C'était quoi le big jeu qui avait été annoncé à l'E3? Le trailer, la cam fait un travelling dans un immeuble pour finir sur le toit. Alors c'était pas l'E3, c'était au Game Awards de l'année dernière et c'est le nouveau Perfect Dark. Stalker là. Ah Stalker 2, il y a des nouveaux screenshots qui sont sortis aujourd'hui, ça a l'air très beau. Hein. Y a pas quelque chose là parce que franchement c'est magnifique. Moi j'aimerais bien voir le jeu parce que ça m'intéresse de fou. Hein. À la fin je sais pas. Hein. En plus, il sort dans pas si longtemps que ça, Stalker, je crois. C'est avril ou mars. Bon, ça fera bander Terra, jeu là. Et moi Terra, chez Chiri, il serait venu, il aurait dit. Ah, c'est pas mal ça. Mais il est dispo depuis un an, hein, le jeu. Get the fuck out! Get the fuck out, man. Golden. Golden, mate? Oh yeah. Oh putain, j'ai mal au ventre. T'inquiète. Il est sorti ce soir. Oh, t'inquiète, non, on est non. En Colorado. Et c'est reparti, on s'en fout de lui. Je fais la voix. Wow. Les gars, j'ai un nouveau jeu qui n'est pas sorti. Je suis un gamer. Refais le Flygo, Cyril. Quelque mortel. J'ai un jeu qui n'est pas sorti de chez moi, j'ai dans mon studio. Ouais, c'était moins bien cette fois-ci. Ouais, bon, 0 sur 10. Mais fais le mieux, vas-y, fais le mieux. Bonjour, c'est Nicolas. Oh, Moi, mon travail, c'est d'imiter Kirby 54. Allez, alors, vas-y. Attends, écoute ça. Alors là, je viens de tomber sur un nouveau jeu qui me fait saliver les papilles. Ça me rend complètement dingue. Oh non, imaginez les miches des joueuses dans ce jeu. Arrête pas. Arrête de rêver, Kirby, tu tomberas jamais sur des missions pareilles dans la vraie vie. Ta gueule. Impossible des missions pareilles. Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Mais t'as plus de fric? Mais on va te donner des films. Oh, alors lui, mon mais il est partout cet enfoiré. Mais on va te donner des films, mon pauvre. Mais t'as tourné dans les plus gros films.
Et comment il peut plus avoir d'argent pour faire un raid? Mais c'est vrai que ça doit faire un an et demi ou deux qu'on le voit dans plein d'events jeux vidéo comme ça. On sait pas ce qu'il fout là. Soit il adore le fric et fait comme Squeezie hashtag ad à chaque fois. Soit il a plus de fric. Ah oui, il fait une pute pour Red Shadow Legends quand même. Pauvre mec. Le mec a tourné dans la mouche, hein. Mais bon. Pauvre type. Jurassic Park, hein. Il doit encore toucher de l'argent de Jurassic Park en plus. Eh, vraiment un pauvre type, hein. Laisse-le. Il y a pas une série sur lui en plus? Une Goldloom, je sais pas quoi là? Une série sur Jean. Oui, c'est vrai. Ça s'appelle le petit caca. Le petit caca pourri. Le petit caca pourri. Ouais, petit caca, super série ça pour ceux qui l'ont regardé. Ouais. Bon, oui, bon, un jeu de vaisseau quoi. C'était pas la peine de le mettre. Incroyable la mouche. Ah oui, c'est un classique. On est en train de parler cinéma. 25 minutes là, ça veut dire que normalement le dernier carton doit être incroyable. Ouais. Oui, bah là pour l'instant, jeu de vaisseau, je suis pas très chaud. Hein. Non, là, c'est la dernière salve de pub pourrie. Normalement, ils sont censés envoyer après. Au boulot. Allez. J'ai envie de faire pipi. Hugo, c'est pas le moment. Hugo, c'est pas le moment de faire pipi. Attendez, je vais faire caca. J'hésite à faire pipi dans la bouteille, hein. Oh, fais comme Robin Ether. Fais pipi dans la bouteille. Le chat, allez, tout ça avec moi. Fais pipi dans la bouteille. Fais pipi dans la bouteille. Il faut que je termine ma bouteille d'abord, c'est du gâchis. Fais pipi dans la bouteille. Fais pipi dans la bouteille. Y'a quoi dans la bouteille? Du pipi, ah. Mais non, mais avant... On veut que la bouteille soit jaune. Tous avec moi, le chat. J'ai joué aujourd'hui à Halo Infinite, par contre, ça a l'air d'être vraiment bien. Le peu que j'ai joué, je suis content. Moi, j'aimais bien quand j'ai joué avec Jean. T'as un bon moment. Ouais. Attends, mais Hugo a joué avec nous, sinon ouais, ouais, je joue avec vous. Bah oui, en plus j'ai fait une partie avec Pota et après il dit bon, j'arrête de jouer. Mais c'est parce que c'est toi Jean qui m'a dit de venir jouer, connard. Oui. Je vais citer à chaque fois tous les joueurs avec qui je joue, connard. Oui. Aïe aïe aïe. Hey, oh, tu te plaques. Et merci à Valérie, Francine, Richard, Denis, Daniel. Ah, oh, yeah. C'est la fin des pubs. Let's go les gars. Envoyez du lourd là. Steven Spielberg. Il est là. Ah mais c'est lui qui fait la série Halo. Here is the world premiere first look trailer. Ah ouais, ah, je savais pas que c'était lui. Ah ouais. Il a produit peut-être. Est-ce qu'il a réalisé vraiment? Mais si, parce qu'il y en a un qui a été fait par. On va voir. Attends, je crois que c'est Ridley Scott qui avait fait en plus l'autre. Quoi, si c'est Spielberg, Jean, tu vas être content. Hein. C'est Ridley Scott qui avait fait la première série, Halo. Ah ouais, si Jean... Oui, c'était tout pourri par contre. Hein. Mais c'est pas Big Flop, Ridley Scott, depuis quelques années. Oh bah, le dernier, apparemment, c'est dingue. Hein. Ah non, le dernier, il est revenu. Par contre, ça, c'est Spielberg, ça. Ouais, c'est joli, hein. Ah ouais. Je sais pas. Alors, si c'est lui qui réalise. C'est quand même une influence, hein. C'est prometteur, si tu peux me permettre. C'est joli, hein. Oh la vache. Et moi, voir des armures comme ça me fait bander de fou. Hein. Producteur délégué, apparemment. Merci pour l'info. Donald Moustard. Hein, Reynald Renew. Son corps va pas avec sa tête. Mais c'est vrai. Collaboy. Putain, mon cher abonnement, putain, mon petit studio, je sais pas si vous connaissez ce week-end là. C'est quoi le Ward là? Mes chers abonnements, il présente sa chaîne préférée de YouTube. In first place, psychodélique. Wankin, ne vous séparez pas, Wankin. Baffler.
Tech2 il a gagné un truc? Non, non je crois pas. Eux aussi, attends. Tout à l'heure, ils ont montré Fares, le créateur, mais je sais plus pourquoi. On est pauvres Tech2 là. Putain, là c'est le Gotti là? Non, non. Enfin, y a rien quand même, si c'est le Gotti. Hein. Best Game Direction. Best Game Direction. Il t'exclut. Non, c'est Tech2, je pense. Hein. À mon avis, c'est ça. Goes to... En vrai, il mérite. Deux en plus. Ça tient la route quand même, ça dans le jeu. C'est la musique. Ouais, elle est cool. Il s'est habillé comme le héros. C'était pas nécessaire. Hein. Eh mon gars, t'es. Heureusement Genshin Impact t'as pas gagné parce que le mec qui se ramène en jupe avec sa perruque là. Il fait yo. Game director. And it's also the first game that bravo les Français, bravo. Sébastien et I are co-creative director for. And actually I don't mean comment that as a parles, brag. Je permets pas de rigoler hein. Mais tu viens d'où là? Alors il est en train de jouer sur Clash Royale sur son téléphone hein, personne dit rien. J'entends pas là. J'entends pas le lancement du jeu. I am actually ganking. Taking the leap of faith of giving their best work. Par des photos du sol. C'est stylé là le solar LED. Moi j'aime bien la déco. Et pas le bras là. You know actually work and yeah and also thank you for to PlayStation. Ok. Just a minute I break the. Il y a the huge giant là to invoke. A lot of people to thank but not a lot of time. Can we make those 30 seconds? Pas compris. Pas compris, c'est pas marrant. Pas compris, j'ai pas compris. Okay. Attention. Okay, well, I'll stop here, but just if you allow me a small un peu ténébreux. For, comme moi. Un peu ténébreux. Aya, papa, maman, je vous aime très fort. Merci. On s'en va, ouais, mon il fils. Est français, on a rien il à... est français. On a rien à foutre, mon fils. La France a gagné 2 awards ce soir. I am French. Oui, I'm French, je suis français. Now it's time to take a look at some other award winners tonight. In the category allez, on enchaîne les awards de merde. C'est quoi ça? On m'appelle hein. On m'appelle. Allô. Mais Oh, il takes two. Ah. Content. And the game award goes to ouais, j'avais voté pour ce jeu. Bah ouais, Guilty Gear Strive, moi aussi. Inscription. Oh, enculé. Ah, logique. Hitman. Ah ouais. Ah ouais. Ah, Elden Ring. Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring. Reggie. I'm going to ask that you please put those away for now. Let's bring them out here. It's a little shy, but look everybody, it's oh, c'est Elden Ring. C'est le pot dans Elden Ring. Oh, let's go. Oh, let's go. Oh, j'espère qu'on va voir plus. Oh, si on a plus de gameplay là, je on vous rappelle les roues. C'est bien fait, hein. Note or something. You got a note. Je vais la faire s'asseoir. Assis. C'est un vicieux celui-là, là. Good evening. Please enjoy my gift. A new trailer. Pas, pourquoi Elden Ring? Okay, ah, un nouveau trailer, allez. Let's go. Allez. Oh là 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 là. Il est content, hein? Ouais, moi je suis content. Allez, j'augmente le son là. Très très content. George R.R. Martin. On ouvre les esgourdes. Salut ma belle. Mais arrête. Arrête, elle est belle. But when I recall, I see it true. Oh, les massages qu'elle doit faire, celle-là, avec ses quatre mains. Of wintry fog. Ils savent toujours faire des trailers, ces enculés. Hein.
the rune of death was stolen. Ah, oh, c'est stylé. Ouais, tu l'as dit, Bouffy. Hein. And the demigods began to fall. Starting with Godwin the Golden. Ah, qu'est-ce qui se passe? Aïe aïe aïe. Non mais c'est trop stylé. Queen Mariko was driven to the brink. Mais c'est exceptionnel. On a rien vu hein. Mais je suis d'accord. Mais il est portugais lui hein. The shattering ensued, a wall that wrought only darkness. The Elden Ring was broken. Oh, c'est Margit. But by whom? And why? Il y a un problème, hein. Oh, s'il y a autant de monde. Putain. What could the demigods ever hope to win by force? Putain, vache. Putain, j'espère tellement que c'est des boss eux, par contre. Wow. Holy. Moi, j'espère que l'armure elle sera débloquable. Incroyable. The conqueror of the stars, General Radar. C'est assez impressionnant. Aïe, 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 aïe. J'ai un petit décalage son par contre. Je crois que c'est tout le live, hein, comme ça. Aïe aïe aïe! Aïe! But there would be no victor. Oh! Mais c'est trop stylé. And so we inhabit a fractured world, awaiting the arrival of the Elden Lord. Les gens, ils disent ça en 240p, hein, c'est pour dire. Ouais, j'ai mis en 720 juste pour ça. Unless of course thou shouldst take the crown. Vous êtes. Très cool, très cool. Très très cool. Mais non, mais comment veux-tu que ce soit pas le jeu le plus attendu, hein? C'est le jeu de l'année prochaine, mais bon, on en reparlera à la fin de l'année. Voilà, hein. On en reparlera déjà en février, le 25. Good. Just confirming the date. Ah, c'est vrai, c'est bien. Excellent. Good to see. Et là, il y a Keanu Reeves qui va débarquer, il va dire, oh, brave taking. Tonight, we've teamed up with Spotify to reveal what you're listening to every day on gaming consoles as part of Spotify's rap. J'ai vu le most listened to songs in 2021 on gaming surfaces. Here are the top three. Rap star by Polo G, Montero by Lil Nas X, and Mood by 24K Golden featuring Ian Dior. Congratulations, and make sure to make your Spotify rap tonight. Ça gâche vraiment l'event, hein, toutes ces pubs à la con. Ouais. Ah, y'aura un truc de Matrix. Ah bah moi je veux bien. Je sais pas, j'ai cru entendre reveal Matrix, donc je sais pas. Matrix Awakens, il a dit. C'est pas ça le titre du prochain? Non, non. Ah si, si, je suis con. Bon bah... Par contre, la dernière ligne droite. Mais franchement, regarde ma cam, le trailer, il m'a donné... Voilà, mais il goûte là, ce petit garçon, il va falloir lui mettre un bavoir. Bon, okay, il y a une expérience PS5 Matrix. Ah, je savais pas. Il y a une démo sur PS5. Ouais, normalement, il y a le... Bah là, il y a le reveal du GOTY après. Et il y a le One More Thing, donc j'espère que c'est Bioshock 4 ou une autre dinguerie. C'est Fable. Mais Fable, franchement, moi je m'en fous. Hein. Oh, moi j'aimais bien quand c'était... Quand t'avais 8 ans, ouais. Ouais. Même après, c'était sympa. Tout le monde en parle en ce moment, je sais. Après, il y a FF aussi qu'on n'a pas vu depuis longtemps, donc... J'aurais bien FF en vrai. Arrête de mentir. Bloodborne PC, ouais, c'est vrai que c'est une possibilité aussi. Et Bloodborne PC, ça c'est dingue.
De toute façon, il est déjà disponible sur PC, c'est juste qu'il faut prendre le PlayStation truc. Non, mais c'est tu joues en streaming, donc c'est de la merde. Voilà. C'est comme jouer sur une PS4, sauf que ça rame, enfin ça lag, donc c'est pourri. Bien dit ça. On s'en fout, hein. Mais putain, mais elle comprend que Discord existe. Elle est de retour. Bonjour madame. Je suis obèse. Personne s'habille comme ça. Par contre, j'ai trop envie de tester le R4 VR. Non mais c'est trop là. C'est trop, hein. On dirait des vidéos de youtubeurs en VR quand ça sortait. C'est... Ouais. Du... Oh, ridicule. Il sort. Oh, ridicule. Sperme de pieuvre, là. Je me suis fait éjaculer dessus. Waouh, ça a l'air beau, hein. Régale-toi dans un univers tout pourri. Mario plus Rabbit. Putain, ça, on aurait pu en avoir, hein, mais... Le séquel de Legend of Zelda Breath of the Wild. Kirby. Astérion le bon. Platoon 3, peins tes amis. Qui a peint mon ami en noir? Je vois tous ces jeux sur la Switch, alors achète-la. Elle coûte seulement 400€. Bayonetta. Putain, vous êtes tenace ces gars d'être tout le temps encore à ce temps-là. Vache. Hein. Non mais y'en a qui se sont endormis, hein. Eh, y'en a qui... Je les paye, hein. C'est que je les paye. Merci, putain. J'ai payé au moins 8 viewers. De ma poche. Age of Empire. Back, vous bleus. Back. Et avec le paro. Allez. Oh, la musique. Man. Bro, là, okay. Là. Ok, ok. Il sort Hitman 3 d'ailleurs. Ouais, ok. De quoi, Quentin ? Hitman 3, il était sorti quand cette année déjà ? Février, je crois. 14 février, un truc comme ça. Février prochain, il est sur. I'm gonna shoot you right down. I'm a Texan man. I wanna put my dick in this man. Oh yeah. C'est quoi ça? Je joue Pokémon Go en attendant. Et hop, c'est capturé. Quoi? Bien joué Flago. Merci. C'est vrai qu'on dirait Nak. Jean? Quoi? Tu dis rien s'il te plaît, je réponds à ce tweet, tu dis pourquoi tu veux qu'on te vanne. S'il vous plaît, merci. c'est pas cool ça. Chut, je vais m'attirer des foudres. Mais ça a l'air à chier ça, hein. Et c'est super long en plus, hein. Oh là, le non-rythme pour faire un trailer. J'ai un gars, Joël Postbad a dit que le nouveau Sonic a l'air incroyable. Synced of Planet, eh ben. C'est bien. C'était quoi la musique du trailer de Un Showdown déjà? Le mec qui chante là. C'était Peggy. Ah oui, c'était ça. Peggy. Oh, encore les... Oh, docteur. Il va falloir envoyer du lourd là. Fais peur toi. Mais va-t'en, sale grognasse, je te veux pas avec moi. Des jeux s'il vous plaît. Merci Geoff. Regardez le tweet. Later tonight, we'll find out if they are right when we present Game of the Year. Every year at the Game Awards, we talk about games that push the medium forward in new and unexpected ways. This game comes from Embracer Studios in Sweden, a new team of veteran developers. Their first game brings together thrilling multiplayer PVE action, a next-generation physical sandbox, and incredible visuals to create a truly dynamic player experience. Here's the reveal, complete with real gameplay. Oh la vache. Oh je baille. World Premiere. Quoi? C'est quoi ça? C'est Complete Reveal Premiere. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. There is no way to hide.
kings. Oh bah, je suis fatigué. Barons. Queens. Ah, je rigole. Dune. C'est Dune. Je suis éclaté, sa mère la pute. C'est Dune. Spice Wars. Non mais franchement, Spice Wars. Oh, c'est joli ça. Regarde le rose. This is our home. Il y a plus aucune, il y a plus aucune critique. Les miens roses là, sur le truc. Super, super les gars. Ouais, putain c'est un c'est bon joli jeu. Mais c'est quoi? C'est super mec, il disait. C'est super. Super mais tout ça. C'était avant d'aller chier hein. Quoi? Oh là, oh. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh la vache. Attends mais c'est quoi? Très joli quand même. La musique va pas du tout par contre. Hein. C'est vrai qu'on dirait les mêmes graphiques que Star Wars, Jean. Ouais. Bah, même la planète, tu sais. Non mais les mouvements, là. Les mouvements de déplacement ouais. Aussi des soldats. Ah, c'est joli, ouais, putain. Dead Dice, hein. Ouais, j'ai pas vu. Ouais, c'est de la grosse merde la musique. Yeah, 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 yeah. C'est typiquement le genre de jeu où faut faire gaffe parce qu'en trailer c'est hallucinant et quand tu lances le jeu c'est Cerebral Academy sur Wii donc. C'est impossible. Mais c'est stylé là. Ouais. C'est quoi cette musique carrément? Un effet fichage sympa. C'est trop stylé. Bah ouais, ça a l'air stylé mais ce qui est dommage c'est que. Oh. C'est oui, hein, ancien dev de chez DICE qui ont fondé un studio, le jeu avait pas encore voilà, de nom. Voilà, okay. Voilà. Ouais, ça c'est se sent qu'il y a une patte DICE. Ah, donc, les mecs bons de chez DICE, on va voir ce qu'ils sont capables de faire. Bah, sans EA, on va voir. Hein. Bah, c'est putain, Star Wars, c'est top. Il était vraiment c'est magnifique le battle. Oh là là. Géant de fer. Enlist. Béon, le géant de fer. Arc Raiders. Je l'ajoute à ma liste. Ouais, ça va cool. Ouais, j'aime bien. Bah le site marche pas, allez vous faire foutre pendant que... Ça s'appelle le voilà. Nexon, le studio. Ok. Ah. Voilà un jeu qui attire mes yeux. Ta bite. That was incredible. And now we have two dommage pour la musique. Joining us for a very special moment. Can you? Oh, ils sont même pas là. Mais putain, il est dans la matrice, le mec. Jeff, thank you. It's good to be here at the Game Awards, and yes, this is one of the scenes that made The Matrix feel so groundbreaking, and perhaps inspired a few video games too. Oh, ils vont annoncer un jeu Matrix. Impressive. Thanks. Can you still do that? Absolutely not. But I can in the Unreal Engine 5. I believe everyone here is expecting to see something new. So here's a never before seen look at The Matrix Resurrections exclusively for the Game Awards 2021. Let's roll the clip. Il fait peur qu'il y a du des fois. Hein. Il est pas du voilà. Tout à l'aise. Vous voyez qu'il est jamais allé. Bah, je pense qu'il a pas forcément envie de faire ce genre d'event. Where are we? Tokyo. Non, vous montrez pas de scène, je veux pas voir ça. Moi. Bah là, on regarde le film. Hein. Bah non, mais c'est pas bien ça, c'est pas bien. Mais c'est qui celle-là? Ils vont spoiler une scène entière là. Attendez, les gars, ça fait partie de la démo qu'il y a sur PS5 ça? Ou c'est vraiment. Moi, je regarde pas. Je regarde pas non plus. C'est pas un jeu vidéo, ça. Oui, enfin, Sonic, le film, c'est pas un jeu vidéo. Oh. Bah non, ils nous emmerdent avec leur... Voilà. Set and set. Right? Oh, no. It's all about set. And set. After our first contact went so badly, we thought... Non, mais attends, mais je sais pas si je dois regarder ou non. Ouais, mais coupez ça, là, j'ai... Moi, j'ai arrêté. J'ai muté. C'est bon, ça au cinéma. Ah, ça s'est stoppé. C'est bien, bande de chiens. Je crois qu'on... C'était un trailer au lieu d'une scène entière. Mais getting back to tonight's theme, which is the world of interactive entertainment, I have to say, Keanu, you've been in several great video games and immersive experiences. Oui, et tu vas t'excuser pour Cyberpunk. Pas Cyberpunk. Pas Cyberpunk. Game could look as real as being in the Matrix?
Arrête avec tes mouvements de main là. Vraiment. Je suis enfermé dans la Matrix. Il faut me libérer. C'est Cyril. Aidez-moi. Lego. Libérez-moi vite. We couldn't have imagined where the state of the art would be today with photorealistic digital humans in virtual sets. To push the limits, once again, we decided to team up with Epic Games. And now we are proud to bring you tonight's final world premiere at the Game Awards 2021. Il a perdu du poids, vachement là. Normal, il faut faire des scènes d'action, tu vas l'affirmer maintenant. Laurence Fishburne, il n'a pas pu, hein. Mais il est mort. Et là ils mettent un trailer. Ah non. Ah ça c'est un jeu. Ça. Ah un jeu. Ok. Voilà, voilà. Searching. Oh putain. Oh putain ils vont sortir un jeu avec le. Entends. Attends ça c'est un jeu ça. Oui c'est dans un jeu 5. Je suis en train de m'endormir les gars, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Oh ça c'est. Ouais, attends. Non mais c'est. C'est. Ah mais attends mais c'est. C'est l'air d'être le jeu ça ouais. C'est le jeu là. Ouais, c'est dans la Jason, c'est une bagnole. Mais c'est joli. Ah ouais. C'est en gros, c'est le. C'est le premier film en jeu. Ah, c'est une expérience, mais c'est pas un jeu. Ouais. Non, non. Okay. Non, non, non. Ah, bon. Mais putain. C'est maintenant. Ah. Ah, j'aurais pu. Okay. Faire l'effort, mais PS5. Après j'irai au lit. Hein. J'ai pas de PS5. Ouais, c'est une démo technique. Ouais. Sheldon Laden va l'installer dans le chat. Game of the Year et One More Thing, j'espère. Hein. Snoop Dogg. Non, j'arrête. Allez, dépêche-toi. Ah, Neil Druckmann. Oh, la musique. Troy McClure, vous m'avez sûrement déjà vu dans des... Thanks, Jeff. Michel Drucker, le voilà. Toujours pas mort, hein. Congratulations to everyone who managed to release a game this year. Je me sens pas bien. Aidez-moi. Allez, Laurent Gérard, Laurent. Now performing music from each of tonight's Game of the Year nominees. Putain, la vache, again, pas à l'aise du tout, hein. The Game Awards Orchestra. Eh, j'aime pas du tout ta chemise. Ah, une petite session de musique. Calme, calme, Jean, parce que tu vas l'énerver là. Oh la vache. Non, mais non, pas de la musique. C'est quoi ça? Là, là. Ah, trop bien la musique comme ça. Ah, tiens, t'es clank. Ah, ils vont faire tous les jeux. Ouais. Tous les nominés. J'espère qu'ils en font pas un juste pour l'humilier. Oh, ils mettent la farte musique de Flego là pour le pire jeu. Allez Flego, vas-y Flego, fais le thème. Le thème, jeu de merde. Ouais. Oui. Pas sur une texte enfin. Ah merde non. On va mieux le timer, ceci. Garantia old mom on level 945. Garantia mom. Et Jared Leto qui fait de la trompette. We are done when I say we're done. Hey, we're done, Jesser. We have to cook, Jesser. Ah, elle est trop stylée, musique de Psychonauts. Si il avait dit non, il aurait dit vous êtes complètement con, monsieur Walter White. Crevez. Moi j'y retourne à mes affaires. Mais c'est mytho de Terra. Il a fait genre le mec était pas là, 4h du match il a mis un message dans la con. Oui non mais c'est juste qu'il est bloqué dans son lit là. Ah. Bloqué dans son lit. Il a des problèmes de dos je suppose. Pourquoi il le montre lui plusieurs fois là genre. Je me rappelle même plus du thème de village. Cinquième fois qu'il monte sa tête à ce bonhomme. Oh! Ça me dit rien? Ouais, non plus, j'y ai pas joué. Bah, ça me dit vraiment rien cette musique par contre là. Oh, Metroid!
ce jeu des moches. Ouais, c'est... Le jeu, il ressemble à un Apple Store, mais sinon c'est... Ouais, il est bien. Meilleur gameplay de Metroid. Oui, bah on attend toujours Metroid 4. Ah bah tu peux attendre, hein. Oui, bah écoute, chez moi je risque pas de mourir demain, jusqu'à preuve du contraire. Ah, sauf si moi-même j'en décide autrement. Nous serons les vainqueurs de toute cette haine. Voilà, la guitare. Car nous sommes unis pour battre les ennemis. Elle est folle. Elle est trop bien la musique du jeu. Ouais, elle est sympa, je me rappelle. Faites bloc au Front National. Le changement, c'est maintenant. Hop là. Un max de cœur. Mon cœur il bat comme ça. Un max de cœur dans le chat si vous êtes encore avec nous. Allez, bon allez, je vais mettre un cœur dans le chat, t'as gagné. Merci, merci Jean. Metroid, s'il vous plaît. Non mais là c'est la remise du coup. Maintenant oui. Mais Metroid est nominé donc. Des grandes standing ovations pour des nuls. Let's hear it one more time for the Game Awards. Moi, hein. Moi tout seul. Ah oui, on a oublié. Oh le technicien qui casse les couilles. Ça a pris le temps qu'il fallait, mais je les ai mis tes cœurs. And finally, congratulations to all of tonight's nominees. Hop là. All pretty incredible games. And the 2021 Game of the Year is... It Takes Two. It Takes Two. Oh ouais. Oh, trop cool. Il s'était déjà levé. Il est non, trop fou, va. Il est trop fou. Il est énorme. Oh, oh mais il fait un appel de catch ou quoi? Vas-y, Joseph. On dirait pas une entrée de catch, là, mais il est malade ou quoi? Mais il est trop fort, cet enculé. Hein. Il était bourré sur scène la première fois qu'il a perdu. Il avait dit « Fuck the Oscars » et tout. C'était un starbé. Hein. Ok, vas-y, insulte du jeu, des gens. Je baisse ma mère. I was up on the that stage, 2017. Oh là, il est bourré encore. You are Al Kirk in this room. Oh yeah. I didn't make the game. This was my team. Hey, fuck you, you. My beautiful team. Putain, mais il est ripped maintenant, la vache. Très bel homme, Joseph. Ah, mais ouais, mais c'est lui dans A Way Out qui fait le... Oui. Non, c'est son frère. La voix, elle ressemble, et le visage. Non, c'est son frère qui le fait, et par contre, lui, dans les textos, il fait le livre. Bravo. Bravo, Joseph. Bravo, bravo, Joseph. Je bourrai la gueule après ce trophée. Allez, one more thing. S'il te plaît. Une dinguerie. Ah, c'est trop bien qu'il ait gagné en vrai, je suis content. Well, more thing, StarCraft 3. Thank you again for watching the Game Awards. We'll see you next summer for Summer Game Fest. Bah. Such a pleasure that we got to do this in person. Thank you so much. Have a great holiday season. Non, Night, sérieux? Mm-hmm. Sérieux? Mm-hmm. Bon, c'était pas dingue, gros. Non. Ah, sérieux là? Il y avait quelques trucs sympas. Oh non, mais tu peux pas finir comme ça, gros. Attendez. Mes souvenirs me jouent des tours, mais souvent, quand ils rendent le prix à la fin, il y a un truc après, non? J'ai le souvenir que l'année dernière, il y avait un truc après. Possible, ouais. Genre là, ils se sont dit, bon, on l'a donné, c'est bon, tout le monde se casse. Attendez, j'étais certain qu'il y avait un truc l'année dernière à la fin. C'est... Ouais, clim. Ah ouais, là, ça m'a anéanti, hein. Attends, qu'est-ce... Maillon faible demain, c'est Last Things. Maillon faible caca box. C'est vrai que demain il y a le maillon faible. Wow, la nouvelle est folle. What do you mean? Attends, je vais mettre le visuel quand même.
What do you mean by that? Wow. Regardez J'aimerais ça, les gars. J'aimerais bien manger un tacos de lion. Demain, demain soir, hein. Demain soir, 21h, les gars. Rimli, super con, Madrose, Maxime, Théo, Flygo, Terrain, moi-même et Mouette. God. Ça, ça va être bien ça. Alors, t'as fait des questions de culture G ou c'est des trucs un peu marrants? Marrant, culture G, tout mélangé. Très bien, c'est parfait ça. Saucisse, frites, merguez. Tu le fais pas, Jean, toi, du coup? Ah bah non. Non, je le fais pas. Écoute, faut pas tout faire. C'est demain, 21h, sur la chaîne de Pota, les gars. Non mais Jean, il avait 40 minutes de retard avec les trucs OBS, donc c'est bon. Ouais. T'es fou. Hein. On vous en avait pensé quoi, les gars, en vrai? Franchement, moi, je vais te dire, à part Elden Ring, Blood, truc, que Jean... Hellblood... quoi, il y avait le truc... Ark Raider. C'est dur de parler. Et Star Wars. Survival. Ah oui, c'est Space Marine 2 aussi, ça a l'air sympa là. Le jeu de Warhammer. Alan Wake. Alan Wake, bon, moi je connais pas, du coup ça pourrait être éventuellement quelque chose d'intéressant, rien de très intéressant. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui souligne, mais c'est très 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 long quoi. Comme... Ouais, c'était très long. Il y a trop de C'était moins bien que l'année de dernière, hein, franchement. Ça dilue, les bonnes annonces. C'est ça. Beaucoup trop long, on a l'impression. Ah, Cuphead. Ça va, les annonces. Ah oui, il y a le Star Wars. C'est pour ça. Genre, y a ouais, le Star Wars a l'air cool. Ouais, mais il y a des trucs qu'on a, oublié parce que c'était il y a 2 heures. Quoi, alors que... Non, en vrai, à chaque fois qu'il y avait une coupure pub et une salve de trailer, il y avait au moins un truc bon. Mais ouais, mais ouais moi, ce qui m'a au final rendu le plus curieux, c'est le truc qu'on a vu à la fin. Et... Ah ouais, c'est fini en autre boudin. Quoi. Le jeu de survie, là aussi, en mode FPS avec les géants. Ouais, ça a l'air super, oui. Le reste. Ah, ouais. Si, le jeu Plague, là, le truc avec les races. Le Plague Tale. Ça a l'air super, oui. Et Genshin Impact, on oublie. Hein. Merci, les gars. Pour les audiences, on a fait un tiers des audiences de le stream. C'est très, très bien. C'est très, très bien. On a oublié Genshin Impact, si on peut rappeler quand même Genshin Impact ce que c'est. Quand même. Bah, Genshin Impact, c'est avant tout. 40 milliards de joueurs autour du monde. Des enfants, des mineurs. En vrai, c'était moins bien que l'année dernière. Ça vaut un petit. Un petit 13 sur 20, je pense. Un petit 13 en vrai, c'est joli, ça soit. On n'était pas très intéressé par les awards, hein, en vrai. Ouais. Bah, cette année. Cette année, ouais, vraiment, il y avait quasiment rien à se foutre sous la dent. Donc, Il y a des bonnes surprises, mais je t'avoue que la seule annonce que je retiens vraiment, c'est Cuphead. Je suis désolé. C'est KFC Towers à 3€. non, c'est pas ça, putain. Oh, le menu starter à 5€, quelle aubaine. Eh, moi j'ai noté le lien de Jeff, hein, le Gobert là. Ah, bien sûr, Jeff, super mec. Ah putain. Bon, content pour Texto aussi, très content. Un peu déçu d'être resté éveillé pour ça, quoi, quand même. Mais bon. On va aller faire un gros dodo. Ouais, je vais aller me coucher parce que là, je vais pas vous mentir, je suis fatigué. Ouais, moi aussi. Cas, moi, j'ai bien aimé quand même, c'était sympa. C'est sympa à regarder ensemble, comme d'hab. Moi j'aime tout le temps regarder des confs avec vous. C'est trop bien, je l'aurais pas regardé si c'était pas avec vous. Quoi. Le prochain rendez-vous, c'est. Je crois que c'est la Gamescom. Ou... C'est quand la Gamescom? C'est la Gamescom ou c'est l'E3 le prochain truc? Non, c'est l'E3. Je sais plus quand est-ce que c'est la Gamescom. Ah la vache! Non, pas dans 8 mois, dans 6 mois. Ouais, c'est en août, donc non, ce sera le 3. À partir de juin. Bon, je vous laisse là, les gars. Merci de m'avoir accompagné. C'était très cool. Salut tout le monde. Des bisous. Bon, franchement, merci, hein, les gars. Je pensais pas qu'on serait autant à une heure si tardive. C'était bien cool. Hein. C'était très sympa à faire. Mais très fatigué. Et ouais, un peu déçu quand même. Il y a des trucs que je retiens. Franchement, à chaque fois que, comme j'ai dit, il y avait une salve d'annonce, il y avait un truc bien. Genre Hellblade, tout ça, c'était très très cool. Mais ouais, c'est vraiment très très long. Hein. C'est vraiment très très long et... Je vais être ramassé à la petite cuillère, hein, les gars. Bah du coup, demain, les gars, vous m'en verrez pas en stream sur cette chaîne, mais le soir sur le maillon faible de Pota à 21h sur sa chaîne. Je pense qu'on fera un petit live dans le week-end, mais j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Parce que ce week-end, il y a une nouvelle notice qui sort sur la chaîne. C'est mon bilan jeu vidéo de l'année, comme j'avais fait l'année dernière, vous aviez kiffé, donc je fais ça, et ça sortira pas dimanche, c'est Flygo qui fait le montage.
Donc vous aurez ça à vous mettre sous la dent ce week-end si je stream pas, mais je pense que je streamerai, surtout que j'ai acheté mon volant. J'ai acheté mon volant et j'ai pris Beeman G Drive, donc on fera du volant en stream. Mais en tout cas, c'était très très cool à faire. Je vous fais des gros bisous. Merci à tous les subs là qui se sont subs pendant le stream. Je vous ai pas remercié, mais j'étais occupé. C'est très très gentil. Et je vous souhaite une bonne nuit, les gars. Reposez-vous le peu de temps qu'il vous reste à dormir si vous vous levez tôt. Et je vous fais des gros bisous. Et on se dit à demain, les mecs. Passez. Enfin, demain. Ah, bah oui, pour le truc de pota. Mais je suis fini à la pisse. À très très vite, les gars. Bonne soirée à tous.